Qu'est-ce qu'on fait? 4v4 ou tous contre de l'IA? Qui veut quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà sur le jeu contre de l'IA, on peut mettre combien de monde exactement en fait? On peut mettre 16 personnes, je crois, c'est infini le truc. C'est énorme. Ah ouais. Non, personne. Bah attends, vous avez déjà testé ce mode? Oui. De quoi? Et moi je suis chaud. Ouais, c'est pas mal. Et, l'IA, et, contre l'IA. Ouais. Et genre la difficulté est ok, c'est pas, vous roulez pas sur la sur l'IA? Ah non. Je peux t'expliquer comment ça s'est passé au niveau de la partie. Disons non, que non. C'est elle. Va pas le décourager tout de suite non plus. Ah, on, au secours. En fait, on devait vraiment s'entraider de ouf pour survivre. Là, c'était vraiment ah ouais oui, il s'était très et énervé. Et spawn, c'est comment? À côté. Bah nous c'était pas mal. On était à côté. C'était ouais, pas on était à côté. Ouais. Mais... En fait on avait la partie droite de la map, enfin collée au bord de map et eux ils avaient la partie gauche. Mais ça. Donc finalement. Mais ça honnêtement de toute façon on lance la map. Si jamais on voit qu'on est dispersé n'importe comment, on relance. Honnêtement oui. On se fait pas chier. Oui. Ou si quelqu'un se trouve en plein milieu d'une mer ou un truc dans le genre. Voilà. De toute façon, il y a forcément des gens qui seront exposés, mais en fait, derrière, il y en a qui apportent du soutien, en fait, du support, et ça passait bien, en fait, comme ça, on arrive à se défendre et à... Et puis l'avantage, contrairement au PVP, c'est qu'au moins, il y en a pas qui se font sortir au bout d'une heure ou deux et qui restent à regarder, quoi. Oui. Faut juste, si t'es derrière, faire des unités rapides, parce que j'ai fait l'erreur de faire des unités rapides, et sur les 3h30, j'ai dû faire un combat la dernière fois. Ah bah moi, les portages, j'étais content, hein. Je viens de réaliser un truc, marrant. Regarde le nom des couleurs, sans sou. T'as vu? Ah t'avais pas vu? Le nom des couleurs, quand tu mets ta souris sur le pinceau. Ah ouais? Vous bah, avez la ref? Carton Roach. C'est une ref que uniquement les peintres peuvent avoir. Ouais, ceux qui payent vraiment leur armée là. Ceux qui payent pas, ils sont pas la ref. Et on va faire un 4v4 finalement. Mais on va pas faire de trauma bashing alors que tu vois la merde. Après tout, maf pas. Ah non, mais moi j'étais pas contre maf. C'est contre. Je vais peindre toute mon armée d'elfes sylvains. C'est qui 2-2-2-2-2-2? Je vais perdre. Non, mais faut dire, les mafs se sentaient très ciblés là. Attends, mais attends, mais c'est qui 2-2-2-2? C'est Marmotte? Oui, bonjour. Ah, mais cherche pas, Marmotte. Pourquoi ton pseudo, c'est ça avec des... Parce qu'en fait, la dernière fois, on avait été déco et je faisais exprès de faire des faux pseudos en rentrant dans la game pour qu'ils croient que c'était des viewers. Mais le pire. Ah, mais c'était toi. Ah, mais quel troll. Mais quel giga troll, mais je te jure. Et ça marchait. Ça marchait. Non, mais là, il fait exprès. C'est le mot de passe pour rentrer pour l'Adeptus Mechanicus. Bon, on part sur du 8, alors qu'est-ce qu'on met comme ouais, truc? Ouais, moi je veux bien 8v8, je suis chaud. Hein. Par contre, on se met comment? Moi je suis chasse là. On se met en Aoun-O, moi je peux me mettre en Aoun-O. Ni avantage, ni désavantage. J'aime bien comme Gwevé ça, c'est le rang le plus bas, c'est vachement sympa pour les humains. Regardez comme moi, le toi, niveau... Toi, c'est pas totalement tort. Hein. C'est le troisième ouais, niveau. C'est mode normal, quoi. Ouais, c'est Technogur ouais. Ah oui, Bah pour moi c'est chasse là. Eh, même si c'est Minob. Ventis, non, pas Big Boss, non, tu vas pas dans le bon sens, pas Prophète de Gort, non. Mais mettez-vous tous en équipe A. Je vais mettre les IA en équipe B. A. Exactement. Tout le monde est A, c'est parfait. Est-ce qu'on refait un peu Axe du Mal en face ou est-ce qu'on met en random? De toute façon, c'est une alliance qui est assez obscure quand même. Oui, l'alliance qu'on a, elle est bizarre. Hein. De toute façon, le mal, le bien, c'est des notions. Je veux dire, manger quoi. Manger. Putain, mais non. Manger. Et moi, je veux quand même qu'il y ait des nécrons en face pour que tu comprennes ta douleur sans sou. Putain, sur l'artwork de la Crysis, il y a un bel OSL bleu là. On voit bien. On voit bien l'OSL bleu du plasma. Non, du fusion là, c'est parfait. Hein. Ça donne envie de le faire sur la figurine. Par contre, pense bien aussi à mettre la taille du monde en très grand, sinon... Ouais, sinon on va 10, mettre hein. en max. Non, Eventis, il va être en Corse, encore une fois. Il va être sur une île. 4, 5... Ces orques, ils vont être pêcheurs. C'est tout, fin de la partie. Au moins, je pourrais faire mes orques pirates, enfin. Voilà, tu vois. Les gogos. Peut-être en nerfer un ou deux, quand même, histoire qu'ils soient un tout petit peu moins forts. Parce que là, ils vont être très énervés, hein. Non. Y a pas moyen de faire en sorte qu'ils pop pas avec des unités niveau 5 direct là? Parce que bah, c'est niveau. On met pas du tout en face là, c'est pas leur friendly. Mais par contre, attends, sinon on pourrait se faire un truc marrant, genre une grosse vague tyrannide.
Oh non, 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 mais après, si c'est que la même race, j'avoue que c'est pas drôle. Non, mais il y a de tout là, mais y a, c'est juste qu'il y a. Il y aurait trois tyrannies, des orques, des guerriers du chaos, des nécrons. Ouais, Et après, ça te gêne pas de taper sur des alliés. Des Eldar. Il y a pas les Drukhari. Non, pas encore. D'ailleurs, il est confirmé qu'il y aura encore un DLC. Du coup, s'il y a un adversaire Eldar, on a le droit de casser les portails. Oh non. Alors attends. Ah non, c'est peut-être chiant pour en effet pour j'avoue. Je pense for Ghost, tu vas dire non, oui, le portail c'était bien la dernière fois quand même. Mais parce que nous on aime pas se taper dessus dans l'or. Ah mais terrible. Mais un Space Marine là. Vous êtes corrompu tous les 4 matins, vous êtes corrompu les Space Marines, tu peux en mettre. Je mets de l'Adeptus Mechanicus. Je sors taquillé d'un coup là. Ah bon, de l'Admec. Ah, du Dark Admec. Du Dark Admec, exactement. Mais Vashtor. Voilà. Ça nous a sauvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, t'as Vashtor, le Tchad. Ça n'avait pas empêché des portails d'être détruits la dernière fois non plus. Non, non. Ça fait de l'XP, hein. Désolé, ça fait de l'XP, Arnard, j'ai quand même les pété. J'ai tous en équipe A. Ouais, attends, rapidement. Éventuellement, est-ce que tu modifies l'avantage de l'IA, la difficulté, pour que vraiment l'IA, donc la faune, soit un peu moins forte? Parce que sinon, j'ai déjà mis au minimum. Étant. Attends, là, elle est en impossible. Enfin, il me semble que t'as aussi l'IA qui gagne des levels avec la difficulté de mémoire. Je sais plus si vous vous souvenez un peu. Baisser éventuellement, mais ça fait baisser le niveau. Ah mais c'est pas grave, en fait ça va mettre à jour automatiquement le niveau des IA. Enfin le tiens, genre Tétard, Big Boss. Et après on peut les remodifier. Ouais. Ah mais tu veux dire que ça... T'as joué combien d'heures, Arnard, depuis la dernière fois? Arnard, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait d'autre en fait? C'est ça que j'ai envie de savoir moi. Non mais c'est très bien. J'ai lancé Total War. Oui, on va partir. Alors franchement, soit on fait versus IA, soit je joue avec Arnard moi. Arnard et son sous dans l'équipe, moi je veux bien. Passer une bonne soirée là. Bon, on est bon. J'ai mélangé un petit peu les difficultés dans les IA. Il y en a qui seront un peu plus coriaces que d'autres. Ça vous va? Carrément la difficulté max, genre la roi silencieux et tout là. Oui. Okay. Petits arrêts. Oh, putain, par contre, on va se faire rouler dessus. Hein. Il y a une IA en moins que nous. Attends, mais on va se faire rouler dessus. Hein. Oui. Bah la dernière fois franchement c'était assez épique mais on a tenu hein. Ouais. C'était que 4 la dernière fois, on était 6. Ouais c'était 6 versus 4. Ah oui bah on va peut-être se calmer là. Allez j'enlève la de mec alors je vois que vous êtes pas chaud pour ça. Bah non mais c'est notre deuxième game quoi donc tranquille. D'autant plus qu'on avait joué sur boosté la dernière fois donc là niveau BO et tout on va être perdu hein. Tu lâches Arnard et il va faire le ménage. Pète bien les portails et ça. En fait, la dernière fois, j'avais pu faire un build vraiment mes full prod recherche et j'avais pu venir aider tout le monde. Voilà, bon, il y en a 6, on est 8. Ah, ça va. Objectif Storm Surge, moi. C'est bien. Let's go. Allez, on est go. On a le temps au début de se développer. Tant qu'elle nous voit pas, l'IA, on a le temps de. Tant qu'elle te voit pas, elle te touche pas. Putain, la ref. La ref de boomer. Elle te mord. Ah, bah regardez, on n'est pas trop mal répartis. Attendez, je sais plus. Oh non, je suis en bout de table. Vas-y, ça m'énerve. Oh, je suis derrière le jaune. C'est qui le jaune? Placement parfait, on change pas. Putain, franchement, je suis très bien où je suis. Par contre, n'oublie pas que tu peux placer ta ville si tu veux. Tu peux t'avancer un petit peu pour rejoindre Furgos. Non mais. Ah mais souvent, on est encore à côté. Ah mais là, je peux pas taper le petit chat. C'est qui joue Space Marine? Moi. Bon, ça y est, Melkor il s'installe, il s'en fout. Ah oh, ouais. Acquisition de cases. Bien sûr. Faut chercher la nourriture au début, non? En prio. Ça dépend les factions. Nourriture. Ça dépend. Eto, c'est nourriture? Ça dépend si tu veux jouer, hein. Ah, celui-ci, une recherche. Alors, la technologie va être super importante aussi, hein, pour pouvoir débloquer vite les unités plus fortes. Et franchement, allez-y vers les trucs mobiles, hein, parce qu'on va avoir besoin de se soutenir les uns les autres. Alpha, comment va Sansushi? Très bien. Qui en vert? Ah, c'est Sansu. Oh, je suis content d'être à côté de Sansu. Oh là, mais il va baver sur mon tapis là. Je suis à côté du tyrannide en plus. Il va baver sur mon tapis. Il va baver sur mon tapis. Ah non, mais vous pouvez pas garder la bave à l'intérieur, vous. Mais, non, mais il y a une rivière qui nous sépare. C'est bon, tout bien. Ok, donc. Donc, ça, c'est Melkor. Ça, c'est Maf.
Oh vas-y, je suis à l'autre bout de mon allié, vas-y ça, là, ça m'énerve. Mais non mais papa, je suis aussi au bout moi, c'est moi qui me prends les gens en premier, putain. Je suis au bout du bout là. Attends, comment on fait pour passer le tour? Ah oui, c'est bon, okay. Comment ça se passe? Votre tour, il dure un milliard d'années, genre le premier tour. Vous avez pas grand chose à faire, hein. J'avais oublié. On se dépêche, on se dépêche. J'ai le corps. C'est maf. Ouais, non, mais j'avais oublié. Ah, c'est maf, c'est maf, c'est maf. C'est bon, c'est bon, j'ai fini, ça va. Ah, j'optimise mon start, excusez-moi. Je travaille mon build order cet après-midi. Il fait des photos, il fait des posts Instagram. Putain, des néophytes. D'ailleurs, à quand Instagram, maf? Instagram? Oh, tu vois, cette plateforme de ces morts. Cette plateforme. Merde, hein. Ah non mais là, franchement, mais jamais quoi. J'ai essayé d'aller une fois sur ce truc et puis après j'ai compris que c'était Facebook. Je me suis dit ça va encore être un enfer, je vais m'énerver. 10 minutes plus tard, j'étais en train de manger mon clavier. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Je me suis fait voler une ville. Quoi? Comment ça voler une ville? C'est qui le violet? Non mais c'est chez moi où est le problème? Je suis en guerre. Il y a plus d'alliance. N'hésitez pas dans le chat s'il y a des conseils et tout sur le développement. Moi je suis preneur, hein, s'il y a des experts dans le chat, parce que je suis nul à chier. Bon, je suis content, j'ai mes petits... je suis couleur Farsight moi. Oublie pas d'aller à fond dans les technos en tout cas. Est-ce qu'on peut parler du fait que genre... Il y a de l'eau chez une personne, c'est encore chez moi. Et il est entre deux joueurs. Tu sais, il est vraiment dans le coin. Il est au coin genre, entre deux joueurs. Ouais, j'avoue. Mais t'as une belle protection naturelle. Allez, vas-y, Eventis, cours. Ouais, j'avoue, il a un bras de mer derrière et devant. Ça me fume à chaque fois, il est vite. Le spawn de merde. Il est complètement entouré. Ah, c'est pas grave, ce sera la station balnéaire, les gars. Ah bah oui, mais complètement. Mais en même temps, t'es protégé là-bas. Ce sera pas la faction early, toi. Voilà, la porte, je la casse. Ouais, vas-y, t'achètes. Combien la location? Pareil, la porte. C'est 5 dents. 5 dents, c'est bon. Ça a des dents les machins rouges en bas là? Moi je sais pas, c'est à toi de le dire. Je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir des dents. C'est des poissons. Ah, tu veux dire les trucs rouges tout en bas? Oui. Ah bah je sais pas, va leur demander. Hein. Si, enfin, c'est pas difficile de les prendre en plus. Par contre Furgos, il va falloir que tu t'apprêtes à descendre lorsque tu entendras des hurlements tôt. Oui. Tôt dans la partie ou tôt dans... Comment les ça deux. Ah, les deux. Mais... Ok. Oh putain, j'ai déjà une ville à côté. Une ville? Une ville de quoi? Regarde juste en dessous de mon unité, qui est la plus à droite. Ah ouais. Là, t'es le plus fort de la partie, donc c'est bon. C'est qui ça? C'est... Comment on voit qui c'est? Je sais pas, c'est le blanc. C'est qui en bleu foncé? Ah c'est bon. En bleu foncé, chez nous? Ah mais t'es face à des sortes de batailles. C'est toi? Ah ouais, c'est dur chez ma fin. Putain, j'étais en train de me dire, hey, la vache, je crois que c'est Marmotte, mais le bâtiment il ressemble fort au mien. mais pourquoi? Oh putain. J'espère que vous êtes content de jouer avec moi. Donc du coup, j'étais la première partie, j'étais en cope avec ça, en étant entre deux bras de mer, c'est ça? Ok. Non mais c'est bien, je commence à comprendre certaines choses. Ah oui. Tu es heureux, hein? Oui. Ah là là. Mon très cher Melkor, est-ce que ça vous dérangerait d'aller vous développer genre... Moi je bouge plus hein. Moins. Ah. Ouais. Là c'est bon, moi j'ai ma ville, j'en fais pas d'autres. Hein. Donc tu fais ce que tu veux après. Ah parfait, bah écoutez... Mais tu sais comment faire une deuxième ville maintenant, Tite? Alors après deux parties où lors de la deuxième j'ai dû redemander confirmation, c'est bon, faut que je fasse des bricolos. Bah ça finit, maf. Oui. Oh, c'est pas des bricolos, je suis déjà dans la dèche de ressources, c'est terrible. Ah t'es dans un désert aussi hein. Ouais mais les ressources de... Attention avec les chiens croûtes hein. Attends, je peux te les convertir si tu veux. Si tu veux. D'ici 2h30 il est converti. Non mais allié, je... Attends, non mais no joke.
Les chiens contre, je te les prends. Les tue pas, les tue pas. Ah bon? Ah non, il me faut 60 d'influence, j'en ai 39. Dommage. Bah, voilà. Tu es. Ah, je suis désolé. Allez, des bisous, les chiens croûtes. Hein. Les petits pupilles là. On est désolé. Oh là là, terrible image. Ça, mais... Des images terribles. Oh, un portail. Ah, lui non plus, je peux rien faire, il a la rage, il faut le piquer. Oh non! Si. Non, mais de toute façon, le portail, mais... c'est moi qui vais devoir. Non, mais le portail à côté de chez moi, il a mordu le facteur, je suis désolé, je peux rien faire. Oh, ma B2, elle va aller là. Non, mais en vrai, vous pouvez vous faire plaisir sur les portails, vu que moi, bah, vu que je vais être en front, je vais pas avoir de renfort à vous envoyer. De se faire plaisir sur les portails, c'est-à-dire, Melkor, parce que là, il faut que tu sois précis. Est-ce que tu entends pas se faire plaisir? Je rêve ou j'ai trouvé la ville d'un ennemi déjà? Non, t'inquiète. Mais si? Non. Où ça? Ah si, on voit un petit bout violet, un petit bout de mur violet. C'est pas son, oh, c'est Nécron en plus. Oh non, pitié. Attends. Faut l'attaquer tout ça. T'as compris? C'est pas plutôt les herbes ça, les arbres barbelés comme tu rentres sous toi? Non, je confirme, il y a bien un truc Nécron là. Il y a bien un truc Nécron. Je suis déjà face à un méchant. Alors, perso, violet comme ça, je connais pas cette dynastie. Tire. Tire dans le doute. Les bons conseils. Dans le doute, tire. Infâme en début de game, Nécron. Mais non, c'est nul. J'ai passé une sale game, je pense, moi. Mais à quel moment de la partie c'est pas infâme, oui, Nécron. Voilà. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Non, c'est meilleur en late game qu'en early. Hein. Mais ça reste infâme en early. C'est infâme tout le temps, mais tout particulièrement en fin de game et en début de game. Donc, faut que je les bourre, quoi. Les guerriers directement, après on pourra descendre. Pas le point. En vrai, faut bien focus ses unités parce qu'à chaque tour, il se régène beaucoup de vie. Donc, d'accord. Si tu vois une unité de guerrier, faut la fumer à fond, quoi. Ok. Ouais, comme sur le tabletop, quoi. Oui. Je détermine par où je vais, moi d'ailleurs, monsieur. Ok, ah, c'est les sœurs. Ah, bah c'est pour Arna. Allez, bon amusement, Arna. Oui. Voilà. Le palatin. C'est Mathieu du palatin. Ok. Incroyable cette XP en détruisant des villes, des portails avec Xeno. Qui avec qui? On est tous ensemble, on est tous ensemble. Pourquoi t'as mis ta ville moi gentil? Moi je suis gentil. Tu sais qu'on est pas... on est ensemble de base. Oui, tout à fait. Bien sûr, pas besoin de me convaincre de pas te taper dessus. Sait-on jamais, tu vois, peut-être. Voilà, tu vas trouver. Ah, c'est vrai qu'un un coup d'éclateur à fusion, ça part vite, hein, voilà, c'est vrai. C'est ça, il a quoi le coup à jauger le nom des villes là-haut? Direct. Maison. Bon, on va regarder le nom des villes. Montpellier, bravo. Oubliette des fidèles. Ah, ça, c'est. Ça, ça a pas été choisi, je crois. Non, c'est le nom de base. Maison. D'accord, c'est bien Eventy. C'est bien, c'est bravo. C'est le nom de base. C'est toi qui as fait ah, ça. Ah, c'est le nom de base, maison. J'ai rien changé. Non, mais la dernière partie qu'on a fait, je construis ma première Eventy. Base, elle s'appelle Les Chiottes. Ah, t'es sérieux? Oui, j'ai rien changé. Je n'ai rien changé. Ah ouais. Solide. Orc. Just orc things, quoi. Ouais, juste orc en fait. On va le mettre là, putain. Non, non, les testicules. Hein? Ah, oh, putain, il a déjà une testicule sur le dos. Aïe, 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 les testicules. Non. C'est bon, elle m'a pas eu. Ça va. Prochain tour, elle va t'avoir, par contre. Patrouilleur Skitari. Ah, petite infanterie. Mais alors, c'est quoi la diff entre des Rangers Skitari et des guerriers de feu? Les Rangers Skitari sont un peu plus perse armure, ils tirent. Encore un peu plus? Ils sont moins PA-2? Je crois qu'ils sont PA-2, ouais. Ils tirent, ils tirent à deux cases, ils font très très mal, mais alors par contre c'est arme lourde. Non, mais, toi, c'est pas non, mais sur lourde. Le board game. Moi je te parle sur le board game. Ils ont moins de force. Ils ont moins de force 4.
Force 4, hein. Alors, pour les avoir pris en face, ils font des combos de ouf avec des stratagèmes et des doctrines qui tirent. Ah, mais ça a l'air débile, les buffs, ce qui t'arrive, tout ce que tu peux te mettre sur la tête, quoi. Mais la mec est dernier corps, dans les factions, c'est vraiment dans le bas de la liste. Dans les gens, ta phase écoutez de combat où c'est tu fais tout but des bons points à tout le monde. Ça a l'air assez, ouais. Fastidieux. And you get a buff, and you get a buff. C'est vrai que c'est marrant là, la phase où tu annonces tous les trucs que tu claques, c'est vrai que c'est rigolo. Mais tu te mets des debuffs en plus, non? Parce que tu le comprends pas ce moment, c'est le moment où tu dis je lance 72 dés. C'est ça. Et toi avec ta phase psy là, où tu dis tu vois cette unité qui est là, bah maintenant elle est pas là. Elle est chez toi. Ce moment-là, il est particulier aussi, quand même. Hein. Je le gère, merci. J'aimerais bien prendre le petit truc là-haut parce que je vais être coincé en bas, je sens, sinon. Oui, mais c'est pour ça, moi je vais m'étendre plutôt vers l'est. Par contre, je pense pas qu'il faille qu'on tape le portail si on veut de l'aide. Non, on va laisser pour Arna. Ouais, faut pas le taper, le portail. Ouais, après moi je vais devoir gérer l'assistant. Non, mais quand tu vas devoir te replier. Ah oui, oui. Voilà, oui. C'est ça. Non, j'y pense aussi, oui. Exactement. Il y a un endroit où je vais devoir faire une ville chez vous. Parce que voilà. Pas du tout. Je comprends pas grand chose, je connais pas le jeu. C'est un peu comme Civilization. En gros, tu fais tes villes, tu développes tes infrastructures pour produire des armées et t'étends ton territoire un peu comme dans Civilization. Donc t'as une première ville, ensuite t'en fais plusieurs et voilà. Et t'avances dans les technologies, les âges et voilà. Et on joue tous une faction différente de l'univers de 40k. Voilà, c'est simple. Je trouve plus mon perso qui construit des villes, moi. Bah, il est. C'est les. Recherches. Tu cherches les bricolos. Les bricolos. Les bricolos. Ouais. Les bécanos, du coup. Les bricolos. Moi, je l'appelle comme ça. Ah, mais chez Maf, quoi, c'est. Allez, boys. Bon, très hâte de voir tes premiers néophytes hybrides, hein, s'en fout. Tu vas aller faire comment, du coup, t'as réfléchi à un schéma et tout? Mais néophytes, ils seront. Il faut que tu fasses le sous-cloître. Ils seront assez classiques en fait, ils seront assez proches du modèle de base parce que je veux que ça reste des humains. Je vais pas les faire avec le crâne apparent comme ils ont sur le schéma de base. D'accord. Je vais les faire style vraiment humain basique, mais avec des capuches, ce genre de trucs, les rendre un peu plus mystérieux, tu vois. Je voulais pas les faire en Cthulhu. Pas faire des visages. Tu voulais faire un Cthulhu, non? Ouais, mais ça sera pour les aberrants, les acolytes. D'accord. Les mecs un peu plus. Ils ont déjà un peu plus avancé dans la mutation. Ouais, ouais. Mais le corps, ce que t'as pris. Les testicules volants, le plaisir. Ouais, c'est ça. En plus, ça prend rien comme dégâts, j'adore. Ah bah voilà, Nécron. Bonsoir. Shapt Mandrek. Ah, il est sympa, lui. Ouais. Il a l'air adorable. Ah, par contre, j'ai fait un start pas ouf, je vais mettre du temps à me développer. Et ben voilà, j'ai perdu une unité de patrouilleur, je me déteste. Ça devrait et aller, moi, non. Les ruines, ça fournit de l'énergie en permanence ou c'est juste des petits bonus quand tu récupères les avant-postes? C'est en permanence. En fait, t'as deux bonus. D'accord. T'en as un, si tu juste le capturer, tu reçois un bonus. Et si tu étends la zone d'une ville sur une de ces cases-là, t'as des bonus supplémentaires. D'accord, donc c'est bien de construire une ville collée à un avant-poste, quoi. Arnard, tu veux bourrer un peu l'assistant en early ou... J'aimerais bien, mais j'ai pas vraiment les unités pour, à vrai dire. Moi j'ai deux unités de guerrier Nécron qui vont arriver pour t'assist. Ah, vous avez une Sista près de vous? Ah oui. Ah, ouais. Le palatin. Ah oui, la ville elle est directement là. Bah, le problème en vrai c'est que pour prendre une ville tôt, faut avoir du véhicule. Ouais, mieux vaut avoir du véhicule, je dirais. Bah pour toutes les villes de toute façon. Bah oui, c'est ça, et l'anti-char et. Ouais, faut qu'on l'empêche de trop se déployer. Quoi. Ah oui, après on peut faire personne ça. Personne a pris garde impériale, on n'aura pas droit au basilisque qui tire le bout de la map. J'y ai pensé, mais. C'est vrai que ça c'est rigolo, c'est festif. C'est festif, hein. Ah ouais, c'est pas grave, c'est ce que je pensais, mais c'était marrant. Si, c'est rigolo. Finir cette unité, marrant. Voilà. Parce que moi marrant c'est les asservisseurs quoi. Ah toi aussi oui. Ah merci d'avoir nettoyé Sansou.
Pas de soucis. Oh là là, par contre, les bâtiments, ils mettent un milliard d'années à se construire. C'est lourd. Ah, il faut... Ouais, ouais, non, oh, mais il faut booster. Pour une caserne de base, à l'aide. Mais il faut booster ta prod. Mais comment tu fais? Comment tu boostes ta prod? Tu construis plusieurs bâtiments. Tu fais ah plusieurs oui, mais ils prennent tous truc. Un milliard d'années. Oui, mais ça, c'est le début. Eh, mais c'est long, le début. Mais putain, oui, c'est merde. Long, le début. Non, mais c'est vrai, 6 tours, c'est trop long pour un premier bâtiment, je trouve. Un peu long, j'avoue. Ah ouais, surtout que moi, je me suis foiré, j'ai dû acheter 2 cases avant, là, à l'aide. C'est en joli, fait, c'est les villes. Parce qu'on est plusieurs, mais en vrai, quand tu joues tout seul, 6 tours, ça va hyper vite. En fait, tu peux passer ces tours hyper rapidement. Oui, alors que là, Eventis, il a toujours pas fini de jouer, enfin bref. Voilà. Wow. Ça dégoûte. À l'aide. Voilà. Oh non, on est dépeceurs. Oh les dépeceurs, ça rigole pas du oh, tout. Oh non non, fuis. Ouais, après c'était contre du tout, donc Ah mais ils sont niveau 5 aussi déjà. Mais à l'aide. Ouais, mais à l'aide. Fuis. Oui, j'arrive. À l'aide. Ah, il faut pas rester au corps à corps, monsieur. À l'aide, virgule, à l'aide. Mais putain, mais j'avoue, c'est infernal les dégâts qu'ils m'ont mis, les cons. Et ton 8, ton claqué la gueule. Ouais, laisse tomber. Puis il y avait pas d'Overwatch. Hein. Sale bait. Ah oui, d'ailleurs, comment ça se fait que t'avais pas d'Overwatch? Bah ouais, je sais pas. Ils annulent l'Overwatch. Ah, t'as vu ça? Mais t'as vu ça? Ardar, t'as vu ce qu'il est déjà devenu sur le jeu, lui? C'est incroyable. Non, mais ils annulent l'Overwatch. Bah, ils ont une annulation dessus, à 2 cases. Je regardais et puis boum. Ah ouais, l'infiltration, lui, il ne peut pas subir de tir en état. Super. Je suis contre les Nécrons qui s'en battent les couilles de l'Overwatch et c'est le point fort de ma faction. J'adore. Bah après, en early, falloir de l'aide. Vraiment pas terrible. Ah ouais, je vais. Les dépeceurs, c'est pas terrible en early? En vrai, je sais pas, j'en ai jamais fait. D'accord, les dépeceurs, c'est pas terrible tout court, même en jeu. Mais T3, il va sortir les motos et ça, c'est fort. Ah. Mais. Oh non. Les motos, quelles motos? Oh no. Les motos. Les mécanopères. Ah. Ah, ça rigole pas. Ça se déplace très vite et ça tire très fort. Vroom. Super. Et avec les bonnes recherches, c'est qui? Ah, les renforts qui se font intercepter. Oula, c'est qui vient attaquer Arna? Ah, c'est la faune. Si hier Vespid de se calmer là. La faune qui vient t'assiéger là en mode ya. T'as pas peur hein? Il faut des petits drones là. C'est bien les drones en fait sur le jeu de plateau. Ouais. Ça tire. C'est pratique ouais. C'est chiant comme la pluie comme unité, mais c'est pratique. Ça je peux confirmer. Hein. Mais c'est terriblement chiant. Ah oui, ça... À peindre. Non, bah à peindre et même c'est ennuyeux comme unité des drones. On s'emmerde. Et surtout quand tu les affrontes. Cheat. Hein. C'est des assiettes. Quand tu les affrontes, c'est relou. Des assiettes. Que... Bah c'est des assiettes à peindre. Vraiment littéralement c'est ça. Hein. Toi t'en as qui viennent de chez d'un site de bits d'ailleurs non? De proxy? De bits. Ouais je il y a 10 bits. Ouais bah ouais c'est Wargame exclusive. Ah, il me semblait bien. Et ils ont une gueule plus rigolote, ouais. Plus sympa, je trouve, que les drones de base. Je les ai vus sur le site tout à l'heure en feuilletant le catalogue que je n'ai absolument pas l'intention d'acheter, mais... Non, bah en fait... Mais c'est clair que... En fait, ce qui est fort, c'est que ça rend... tout à fait. Ce qui est bien, c'est que ça rend techniquement Crysis plus tanky qu'un Custodes. Alors là, j'entends trauma. Ouais. Mais enfin, genre, c'est 4 plus invul. T'as Crysis, tu peux lui mettre une 4 plus invul de base, tu lui rajoutes un drone à côté, ça fait 2 PV en plus à gérer, qui ont eux aussi une 4 plus invul, quoi. Donc c'est fort. Ouais, confirme, j'ai affronté ce combo. Mais c'est 15 points le drone, hein, ça fait chier, 15, c'est cher. Ouais. Mais j'ai affronté ça avec des Eldar, ouais, c'était chiant. Ouais. Je confirme. Ouais, mais tu m'étonnes. Je crois que ça m'a pris la game pour les buter. Ouais. C'est qui tire sur le portail là? C'est qui corrompre une ville. On vous a vu, monsieur. Est-ce que ça sert à quelque chose de corrompre? Ah, vas-y, je vais corrompre leur ville pour les mettre dans la sauce. Je pense que ça sert à rien du tout. Je pense que c'est un pouvoir merdique que je viens de gaspiller, mais c'est pas grave. La vie que j'ai choisi de mener. Et la nourriture, ça sert à quoi la nourriture? Bon, c'est pour les troupes de base. Pour l'infanterie, quoi. Pour en produire plus ou pour faire quoi? Non, c'est pour pour l'entretien? T'as de l'entretien, ouais. Ouais. Ah oui, et ça et coûte combien l'entretien d'une si troupe? Si jamais de t'as plus de bouffe, ça me tend négatif.
Ouais, 1,5. Ta frotte de population dans ta ville descend aussi. Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord. Oui, en fait, j'ai même pas besoin de faire de la bouffe dès le début, là. Non. En fait, faut que je fasse full caserne, là. Mais non. Ouais, mais c'est de la merde, parce qu'en tout, si tu stack les casernes, t'as des malus. Ah ouais. Oui, si là, tu stack les mêmes bâtiments. Mais non, mais faut faire plusieurs villes, sauf que je peux pas. Tu peux pas encore. Pour le moment. T'as pas des bricolos ? Ouais, faut que je fasse des véhicules. Non, mais c'est ça, faut que je fasse des véhicules. Faut que je fasse un arsenal fion. Ah non ! À l'aide ! Voilà, ça, ça fait pas très mal. Ouais, ça fait pas. Ouais, c'est pas terrible. Quasi moitié. Ouais, 3 PV en moins. Oui, c'est nul. Oui. Par contre, si tu leur tires dessus, faut les finir. Oui. Mais je pourrais pas, alors. Je pourrais pas. Tu vas en chier, alors. Ça sert pas à grand chose au début. La petite je préfère voix. Te le dire. Tu vas en chier, là. Je vais te regarder souffrir. Oh, vraiment. Complexe, là. Je pense. We fight another day, brother. Ah merde. Ouais, au début, faut pas trop, gratter. T'as déjà tellement de monde, mec. Oh ouais, mais Garry Necron tout rose en plus, là, personne n'a jamais vu ça. Ah, il est dégoûtant. Franchement, le chemin de couleur, t'aurais dû tenter ça sans sou. Tu sais, le Garry Necron rose avec le Ghost Gun vert pétant, là, Dieu ne saigne pas. Alors, j'ai un pote, il fait toutes ses armées en rose pétant. Oh, et bah, écoute. Ah, mais en réalité, ça peut être trop stylé. Mais juste là, le Ghost Gun en vert avec le. Ouais. Vert et rose, ouah, c'est dur, hein. Faut l'assumer, hein. Vert et rose, c'est dur. Ouais, c'est rude, hein. Ah bon, d'accord, on avait un truc que je connaissais pas. Hein. Les guêpes oui, des guêpes, ouais. Oui, ah oui, c'est ça. Les Necrons et l'Okiti. Ouais. Je suis pas d'accord. C'est quoi les guêpes? C'est pas des Vespines. Les méchants dans Effect. C'est des trucs de Catachan, là? De Catachan. Les guêpes de Catachan, attention. Moi, bon, mes tours, c'est très rapide, là. C'est, pareil, c'est un peu attendre que les technologies se débloquent pour pouvoir produire des troupes. As-tu vu l'armée de Sista Rose de Heavy? Ouais, elle est trop belle. Ah bah oui. Elles sont trop belles. Mais encore une fois, je veux faire n'importe quelle couleur. Faut juste que ce soit bien équilibré. Mais vert et rose, c'est dur. Hein. Vert et rose, c'est criard, quoi. Ah, faut l'assumer, ouais. Ouais. Vert et violet, c'est stylé, c'est Evangelion. Vert et violet, c'est stylé. Ah oui, c'est vrai. Mais par contre, dès que tu vois ça, tu penses à Evangelion. C'est fou, hein, quand même. Hein. Comme cette combinaison de couleurs, c'est direct, ça te fait penser à Evangelion. Ah ouais, c'est typé. Ah, c'est vraiment cette œuvre qui a popularisé ce schéma de couleurs. Joker aussi. Oui, aussi. Oui, mais c'est moins stylé. Qui a déjà posé une deuxième ville, là? Mais comment vous faites pour poser aussitôt? Moi, je peux même pas construire de drone constructeur de ville. Personne. Non, personne l'a fait. Ah, mais comment tu veux... comment ça tu poses la question dès maintenant là? Il y a des factions qui se développent plus vite. Tu me stresses, maf. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je vois que ça, c'est compliqué là pour Melkor. Melkor, il se fait un peu bourré. Ça va aller. Melkor versus the Wild. C'est sûr. Je vais venir voir si je peux te filer un coup de main, Melkor. Il me reste une unité. Ah, ça y est, je peux produire des Skitari. C'est bon, c'est parti. Quitte. On s'emmerde, hein, la production, au secours. Je vérifie. Encore 24 tours pour une unité de cibleur. Merci. Je viens de voir mon héros là, 11 tours, je suis là en mode. Oh. Ah, je peux rechercher les drones constructeurs. Ça fait quoi ça? Bah ça construit des villes. Construit déjà ça bricole. Bah bientôt. Oh putain. Incroyable. Putain. Dans 6 tours, hein. Dans 6 tours, je peux en faire un. Ce qui fait que dans environ 27 tours, j'ai une ville. En gros. Hein. Mais t'inquiète. Une fois que tu commences à te développer, ça va de plus en plus vite. Et à la fin, tu chies les unités. À chaque tour, t'as plusieurs unités qui sortent. Ouais, tu sors des guerriers fantômes. Oui. Je m'en souviens. Ah non. Après t'inquiète pas, ça se trouve le Necron il va faire une deuxième ville avant toi. Ah oui, ça oui, parce qu'ils sont tellement buffés. Oui. C'est pour ça, faites vraiment vite des recherches pour tout ce qui est rapide. Hein. Si t'as beaucoup de grévistes à tes portes, Maf, je crois. Hein. Je vois 2-3, oui, il y a quelques protestations là.
Et c'est quoi la différence techniquement entre Iron Hands et Mechanicus sur le board game? Oh, c'est complètement différent. Enfin, Mechanicus, c'est vraiment ça encaisse pas, mais ça coûte pas très cher et t'as beaucoup beaucoup d'unités et ça D'accord. tire très fort, très loin. Populeux quoi. Ouais, c'est populeux, ouais. Iron Hands, c'est beaucoup moins nombreux, ça tire assez bien, mais par contre t'as beaucoup plus de bonnes solutions de corps à corps. Et puis oui, les véhicules, les Dreadnoughts, un peu plus. Hmm de quoi? Non mais juste les Marines, c'est généralement c'est plus équilibré, ouais. Ouais. T'as plus de possibilités quoi. Oh, j'ai vu, y a un podcast que j'écoute en ce moment et à chaque fois que je l'écoute, je me dis putain mais il faut trop qu'on fasse ça aussi en français. C'est Adeptus Ridiculus, c'est trop drôle parce qu'en fait c'est un mec qui donc le présentateur du podcast, il connaît pas du tout 40K. Enfin, en gros, il commence à connaître parce qu'à chaque fois il fait ce podcast, en gros, il parle de lore. Et il parle du lore de 40K. Et en fait, il y a un gars qui, lui, lit les bouquins, fait ses recherches sur plein de sujets. Et pendant une heure, il parle d'un sujet, tu vois. Genre, par exemple, les tanks Space Marine, Fulgrim, les Eldar, les Aspect Warrior, tout ça. Et là, moi, j'ai écouté des podcasts sur les tanks Space Marine. Et putain, il y a des designs. Oh, c'est trop marrant. Il y a des designs de tanks Space Marine, mais qui ont tellement aucun sens. Ah bah c'est... Oh là là, mais c'est trop marrant. Franchement, je sais pas à quoi ils pensaient. Le pire, c'est genre le Land Raider, tu sais, qui a les bolters sur les côtés. Ouais. Et qui a... Et il a deux rangées de bolters, ce qui fait qu'en fait, s'il y a le bolter de derrière qui tire, il détruit la tourelle devant. Genre, les designs n'ont aucun sens. Ouais, c'est non, très mais drôle. Il y a des trucs, effectivement... Ah ouais, non, mais c'est stupide. C'est vraiment stupide. Certains oui, mais dans chars, le lore, le pire, c'est genre le Cerberus. Oui. Non mais le pire c'est le Cerberus là de Horus Heresy qui est sorti où il y a un gigantesque canon qui fait mais genre la taille du tank qui dépasse de devant. Vous l'avez pas vu celui-là, c'est un nouveau? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Si Alpha il l'a acheté je pense. Quoi? Non. Mais il est sorti quand? Ah non, il est vraiment l'air. Non mais c'est du Non mais Horus Heresy, t'inquiète pas. C'est un ancien? Non, c'est un ancien nouveau quoi. Acheté? Qu'est-ce que quoi? Où? Mais putain, comment? Ouais, j'entends. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est un qu'ils ont refait en plastique en fait. Oui, mais je peux pas le laisser comme ça, il faut que je le retrouve. Non, vois-moi Melkor, j'ai le regard. Non, mais il est immonde. Non, mais jamais il l'achète, Il est pas encore disponible à l'achat, mais attends, il y a bien une vidéo quelque part là. Il faut que je me prépare. Non, mais jamais tu vas l'acheter, il est dégueulasse. Pareil, tenu. franchement, là vraiment si tu l'achètes, respect, hein, parce que putain qu'est-ce qu'il est calé, tronc quoi. Ah, il est trop moche. Attendez, je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble, parce qu'il est dégueulasse. C'est bon, j'ai trouvé la vidéo. Non, juste rapidement, Sansou, faut absolument qu'on explose l'unité de Sista. C'est la fin de l'unité. Tiens, Marf, je l'ai mis dans la conversation. Melkor, faut passer. Ah ouais, mais attends, je n'oserais pas faire le alt-tab parce que... Attends, j'arrive, j'ai passé. Regardez-moi, mon tour, encore une fois, un tank compensator, le double compensator char, quoi. Non, mais c'est immonde. Bah, j'ai pas les ressources, de toute façon. Et il a aucun sens. Non, mais vraiment, hein, le tank phallique ultime, hein, vraiment. Hein. Il est très content de voir les ennemis, lui, à chaque fois. Hein. Quel enfer. Ah non, il est dégueulasse. Oh, c'est terrible, hein. Ça, vraiment, c'est grave. Hein. C'est pas possible. J'ai prévu d'en prendre deux, mais putain, je peux rien pour vous les joueurs Imperium là, c'est vraiment c'est terrible. J'ai pas rien pour vous. Oh là, mon escouade de guerriers de feu. Ah oui, d'accord, donc aller devant la ville, c'est pas fou. Non. D'accord, adieu mon guerrier de feu. D'accord, comment perdre une escouade gratos? Il a un héros? Ok, c'est quoi, c'est un Ouais, c'est un seigneur, c'est un lord, ouais. Les seigneurs, c'est moins fort que les overlords, je crois. Hein. Enfin, que les... Mais t'as pas aucune idée. Les lords sont moins forts... Non, mais les lords, c'est moins fort que les overlords. Ah oui, oui. On en voit des lords jouer. Je savais même pas que ça existait les lords jusqu'à récemment. Non, c'est en vrai les QG comme ça, ils sont inutiles. Tu parles pour board game? Ouais. Pour board game, ouais, c'est inutile. Okay. Ça apporte pas grand chose en vrai. Dommage. De base, c'était joué parce que c'était le seul moyen de faire proc tes protocoles de commandement. Fallait que t'aies un noble dans ton armée et les protocoles de commandement étaient applicables à 9 autour de lui, je crois. Ah oui, mais c'est le char triple bit. Exactement. Et le triple phallus. Le triple penny. Mais il y en a jamais Shiba. Assez. Ouais, non mais il est débile. Le triple bit, il est moche. Je à sais vous. Pas. Une, ça suffit. Une, ça suffit. Non, je n'ai rien contre le fait d'en avoir deux, mais bon, là, trois, ça commence à se voir.
ça commence à faire Jin Steeler Cult quoi, c'est un peu trop. C'est ouais. Ah non, là, il est là, enfin, là il ça a... commence à se voir. Non, tu compenses, arrête, arrête. Là, là, ça... non, là c'est vraiment le giga compensator. Bah, disons que c'était un peu la course. Tiens, il faut qu'on trouve un nouveau costume de char pour la semaine prochaine. Putain, elles sont passées où les Sista? On prend celui-là et on en rajoute un canon. Mais il en a déjà deux. Ah bah, on rajoute un. Encore un autre. Après, mais ils en mettent tout le temps devant. C'est bien. Ils en mettent tout le temps devant. C'est chaud, frère. Mais en tout cas, le concept de podcast où tu parles de lore à quelqu'un qui est curieux mais qui ne connaît pas, c'est très drôle parce que ça, tu sais, ça te fait faire avoir des réflexions sur bah, les événements dans 40K. Et moi, je dis avec Ted, ce serait très drôle, je pense. Ah, j'avoue. Tu te poses avec Ted et pendant une heure, tu lui racontes du lore 40K et tu expliques comment tel ou tel Primark, tu vois, fait des trucs, comment les tyrannides, machin, et Ted réagit. Et Ted juste est Ted. Je pense que ce serait très drôle. Effectivement. Ted, maintenant, sois Ted. Ce serait très marrant. Toi. Juste reste toi-même. C'est ça. Vrai que j'y propose. Mon concept, c'est juste de faire un podcast avec Ted. On s'en bat les couilles du sujet, en fait. Même pas. Bah si, l'intérêt, c'est le sujet, parce que tu parles de lore 40K, et t'as Ted qui réagit dessus, en fait. C'est ça l'intérêt, tu vois. Vas-y là, je sais pas trop où aller. Je sais pas que tu il y a des renforts qui arrivent côté tyrannide là ou c'est compliqué. Ouais, c'est en centre. Ouais, d'ici okay. 40 tours, ils seront là. À peu près. À peu près. Ah non, j'ai un héros qui arrive dans 3 tours qui va pouvoir invoquer des petits, et puis après j'ai la caserne, je vais avoir les guerriers là. Mais okay. Ouais, il y a encore une bonne quinzaine de tours avant que ça arrive hein. Bon, elles sont où, elles? L'histoire des ultramarines avec leur prima qui va vriller comme Jinja. Ah. Non, mais il y a genre récemment, j'ai écouté l'épisode sur les Emperor Children. C'est un délire. Hein. Genre la fameuse scène dans l'espèce de d'opéra qu'ils avaient sur le vaisseau, ah, oui. Où ça se transforme en giga-orgie. Ils se sont lâchés dans l'écriture à ce moment-là. Hein. Ce livre-là, il est ultra cool. Franchement, j'ai adoré. Ouais. C'est un de mes livres préférés à Fulgrim. C'est Slaanesh Sama, tiens, tu m'étonnes. Ah oui, non, mais complètement. Slaanesh Sama. Moi, ce que j'ai préféré, c'est l'histoire du tableau avec Fulgrim. Enfin, je vais pas spoiler, mais il y a une histoire qui est complètement. Non, mais qui pète les plombs. Il m'a encore asservi une queue. Ah, il a encore fait asservir par une testicule. Ah ouais, ça crame bien les formes de bataille en fait. Là, c'est compliqué là. On va peut-être battre en retrait. Ouh, la chanoinesse qui vient d'arriver en plus. Ouais, d'accord. Elle a une arbalète, faudra lui dire que c'est fini le Moyen-Âge. Hein. Ah, mais j'aime beaucoup mon start, moi, très bien placé. Moi. Faudra lui dire que c'est fini le Moyen-Âge, ouais, surtout pour sa coupe de cheveux. Oh, on les a fumés les Zephyrim. Ouais, j'avoue. Les Eldar. Elles ont pris double tir en état d'alerte, elles ont pas kiffé. Chut. Oh, je veux mes Rangers là, par pitié. Alors. Ouais, bon, j'ai vraiment rien à faire pour l'instant. Dans 6 tours, j'ai mon petit. Ah merde, j'ai un malus d'énergie. Merde. Faut que je fasse de l'énergie. J'ai connu ça, fais gaffe. Mais Arnard, ouais, comment t'as déjà autant de troupes toi? Bah, j'ai fait bâtiment de prod en premier, puis bâtiment de véhicule en deuxième. Mais attends, t'as pas vu le nombre d'unités de sans sous toi? Bon, j'en ai pas tant que ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 que tu t'es fait détruire tout à l'heure. Ouais. 7. Ouais, c'est ça à peu près. C'est pas le même jeu, je crois. Ah ouais, ok, vous avez déjà plusieurs bâtiments de prod en fait. Ah, moi c'est double bâtiment de prod. Ma première recherche c'était bâtiment de prod. Bah, à mon avis, je vais vous rattraper parce que là, moi j'ai plutôt rushé la deuxième ville. Et du coup, les ressources pour pouvoir investir. Tu l'as ? Je l'ai pas encore, mais bientôt. Ouais, la deuxième ville. Deuxième ville, c'est bien quand même. Ouais, pour accélérer la prod, ouais, ça va être pas mal. Hein. Mm-hmm. À partir de la deuxième, là, tu peux vraiment focus sur de la prod, genre de véhicules sur ta deuxième ville, et la première reste sur la production de ressources. Mais putain de merde, chez moi. Comment ça, la Sista, elle est déjà en train de prod l'unité pour sa troisième ville? Ils sont mignons, les pigeons. C'est quoi? Je sais pas, je vois des unités avec des pigeons.
C'est des pigeons avec la liste du contrôle fiscal. Ah, je pensais que c'était la liste de courses. Bon, faut fumer les hospitalières, c'est ça? Ouais. Ah, c'est les hospitalières, peur de les ça. Je vais envoyer au casse-pipe si je fais ça. Ouais, ouais. Ah, ça va être que 8 pèves. Monsieur Arnard, montrez-nous ce que peuvent faire vos motos. Ah. Bah, elles ont pas la portée pour charger. Pour charger? Mais c'est pas. Rien du tout. Ça tire pas, ça? Non, c'est tir et corps à corps. Hein? J'ai vraiment rien à faire pour l'instant. Merci Florian pour les 13 mois. Martin Gouin, merci pour les 15 mois, tiers 3. Merci beaucoup. On va distraire un peu du côté de chat. Merci Grigoxy pour les 27 mois. Shimozu, merci, pour, corps, les 5 mois. Liu Kao, merci pour les 25 mois. Wombatar, merci pour les 5 mois. Lobobot pour les 23 mois. Ashkal, merci pour les 9 mois. Linradza, bah ouais, merci il a aussi. Popé une forteresse avec moi. Jean qui t'explique en 8 points. Pour, pourquoi tu es un hérétique et tu devrais t'immoler dans l'heure, c'est ça. On va essayer quand même de soutenir un petit peu. L'apôtre noir est un très bon bouquin sur les World Bears. Merci pour les 11 mois. Moi j'en ai lu aucun parce que je suis un bolos, c'est que j'ai toujours pas fini les normes. Radza, merci pour les 19 mois tiers 2. Voilà. Chrome pour les 27 non, mois. Non mais en fait, Mordrel, il faut que je me remette à Audible. Mois. Attendez, je mets ça. Asmodan, merci pour les 29 mois tiers 2. Carlus Magnus pour les 21 mois. Baka Oracle, merci pour les 23 mois. King 100, merci pour les 11 mois. Skyfix God, merci pour les 6 mois. Merci beaucoup à tous. Nopter. Ça faut le péter, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que tu crois, Domino? Ah, c'est qui a perdu full moral là? C'est Alpha? Alpha, fais gaffe parce que le moral c'est bien, super important. En fait, regarde, tu vois tes troupes, tu vois la barre, t'as leur point de vie là, la barre rouge, et à côté t'as une barre qui est bleue, un peu plus fine, qui est bleue quand elle est en haut, puis elle descend. Là, tu vois tes V-speed, elle est un peu plus basse, elle est jaune. Et en fait. Quand le moral de tes troupes descend, elles deviennent beaucoup moins létales, mais genre vraiment fort. C'est ultra important. Oui, non mais ça je savais. Ça je savais. Donc, enfin, faut faire gaffe. Si à un moment donné que tu vois toutes tes troupes sont brisées, il vaut mieux reculer parce que sinon tu fais rien quoi. J'essaie de faire le tour pour arriver le plus vite possible pour le focus, mais je dois bien te débrouiller pour l'instant. Je le focus à balle. J'essaie d'arriver vite. J'ai deux autres... Il a 7 HP. Oh, il lui manque plein de choses. Il a 5 HP, envie de crever, il a pas, il meurt pas. J'ai des petits drones de merde qui vont lui faire. Il a 3 HP. 0,7 à 2. Allez. La toile de Melkor, elle peut pas tirer dessus? Ouais, Melkor. C'est fait, je crois. Déjà fait. Ah merde, putain de merde. C'est con parce que j'ai enlevé 6 PV. Bah, c'est assez con, hein. Ah, c'est dommage, hein. Et c'est con, hein. Ah, c'est dommage. T'es en train de dire qu'avec une tourelle, t'as enlevé plus de PV qu'avec les 5 drones d'Alpha, c'est ça? Non, mais mes drones sont tout seuls, frérot. Genre, j'ai un seul drone par squad. C'est les guerriers de feu qui ont pas fait des dégâts. Mais les dégâts des guerriers de feu sont hyper décevants hein, par rapport au tabletop, ils sont vraiment merdiques. Hein. Mais c'est de base, avec les technologies tu vas pouvoir les buffer. Et puis il faut pas oublier que c'est comme sur le tabletop, c'est-à-dire que là ton unité est à poil. Mais une fois que t'as des persos avec qui peuvent les buffer et tout, c'est plus la même chose. Ah mais les guerriers de feu à poil ça fait super mal sur le tabletop. Hein. Il suffit d'avoir des marqueurs light et ça pique fort. Hein. Mais voilà, faut avoir des marqueurs light. Tu vas voir, tu vas voir maintenant que t'as plus armor of contempt là, tu vas voir. Tu vas voir, les tirs force 5 AP moins 1 là. J'étais en endurance combien? 4? Bon bah j'utilise transhumane. Voilà. Ça est parti. Ah, il pré-sale sa game. Il a peur qu'il y ait du verglas, il est déjà en train de répandre du sel. L'humble Devil Fish est là. Il se prend des coups de breacher, il va pas comprendre. Là. T'as déjà le Devil Fish? Bon, il meurt un jour. Un HP! Non, c'est bon. Ah, c'est une tourelle que t'as? Ah bon, t'avais la range? Oh, le drone tout seul qui fait le finishing blow. Je sais pas si j'avais la range du coup, parce qu'il avait bougé effectivement. Pas sûr, hein. Mais je tire sur la ville, hein, c'est pareil. Ouais, on attaque la ville à fond là. Oui. Je vais me joindre à l'effort de guerre, monsieur Sansou.
Oui, les orques avec endurance 5. Oui, bon, oui, les orques. T'as pas vu passer une testicule dans le coin? Si. Ah, parce que je l'avais amoché, mais elle est toujours là. Si elle me sèche mes skitaris, je vais être très fâché. Il lui reste que dalle. Et il est crisis. Crisis arrive. Oh. Alpha, t'as deux cases. Alpha, t'as deux cases de distance, tu sais? Ouais. Ok. Je bats au contact. Ouais, espérant que mon drone se fasse focus. Mon drone tout seul avec deux points de vie. Après, mes thermagones peuvent prendre la sauce, je les invoque maintenant, donc c'est pas grave. Voilà. D'accord. Je me mets devant okay. Et puis. Oh le Tervigon! Je peux soigner en plus avec mon Tervigon. Putain, le Tervigon avec le cul en chou-fleur là, ça me fume la posture de cette unité. Vraiment, c'est. Ah non, mais regardez comment il est posé, comment il se tient! C'est sa tête! Mais non! Bah non, ah bah je suis désolé, bon, on sait jamais avec si, vous en même temps. Si on en est à avoir des débats sur où est le cucu, où est la tétette. Non mais la tétette elle est devant là, avec les grosses patounes là, ça oui. J'arrive à... Non bah oui, bah oui. Le cucu derrière il est tout cambré, pas, il montre... C'est pas clair, ça a la même odeur, c'est... Ah mais disons que c'est pour se déplacer plus vite. C'est l'évolution. Continuez. Ouais. Voilà. Continuez, vous m'intéressez. Disons que voilà. Sérieusement, le Space Marine du Chaos, il s'appelle. Oh, il a focus mes drones, ce bolos. Attends, c'est lui qui vient de ramener 8 unités d'un coup là. Je crois que le diable. Ah oui, le Nécron. Oh shit, bro. Il y a un verre fluo là aussi là. Oh shit, ouais, c'est qui le verre fluo là? Il était pas convié lui. C'est quoi? C'est Tyrannide? Non, c'est Chaos. Oh, les lance-flammes. Ah, c'est les enfants du Chaos. Au spawn. Putain, mais il a double patronne. Ouais, on va dire. On les focus, hein. Moi j'ai bah oui, les unités, oui. Oui. Alors moi j'ai pas la range pour les taper avec la plupart des squads de guerriers de feu, donc j'ai continué de focus depuis. Oh je les tue pas, au secours. C'est bien, je peux aller dans la forteresse de Melkor. Ah non, je suis dans. Ah non, je suis rentré, je visite. Dedans, ouais. Vous êtes déjà en train d'avoiner le Nécron. Vas-y, en je vais fait. Essayer de t'aider. Oui, oui. Ah, mais on est en train de l'assiéger. Hein. Bon, ça va pas forcément bien se passer, mais le cœur y est. Si vous faites le focus sur sa ville, franchement, il y a moyen. Par contre, est-ce que c'est sa seule ville ou est-ce qu'il en a une autre? Ben, je sais pas. C'est pas. J'ai un petit. Il reste rien, ouais, ça dégoûte. Je peux pas y aller. Oh putain, il va se full heal, ça a envie de crever. Ah putain, et j'ai pas de drone, j'ai que dalle. Alors c'est quel dommage. Je vais faire le tour, on prendra deux tours pour le faire quoi. Ah ouais, par contre le chaoteux qui arrive avec les rejetons là. Ouais, les rejetons ça m'inquiète un peu aussi. C'est quoi? Oh, il a un milliard de bonus, envie de crever là. Muté au-delà de toute raison. Tu feras gaffe, on a des touristes là au sud là, faudrait les gérer. Ok. Ah oui, c'est bon, ouais, je l'ai vu. Ah, ils veulent profiter des sols, ils sont fous. Oh, le diable de Catachan. Le double diable de Catachan. Allez, bon amusement, Eventis. La station balnéaire, ça progresse? Écoute, elle a été rename, ça se passe bien. On attend les clients non, maintenant. Non, les bains. Le héros level 5, ouais, il va être complexe à gérer aussi. Hein. Très. Non mais là il faut se désengager je pense hein. Tu crois? Bah là t'as vu tout ce qui arrive? Vas-y faut. Non mais t'as vu tout ce qui arrive? Pas bien en dessous, ouais. Mais ouais non là c'est complexe. Hein. Après je peux tuer ça. Moi je m'en vais hein. Ah ouais vas-y. Moi c'est prends tes affaires on s'en va. Hein. Oh les couilles! Hein? Elles sont revenues! Oh, je les déteste! Mais j'ai perdu toutes mes unités sur les couilles là! D'accord. Non, mais on va focus la ville parce que je sens mal. Merci Nazuko pour les 10 mois! Merci Durodin pour les 32 mois! Merci Charcot pour les 34 mois! Venir un petit peu! Ria Kizano, merci pour les 11 mois! Ouais, on a buté le mecha Arachnid, on est d'accord! Oui, on l'a eu! Bah, du coup, il va peut-être pas expandre. Les testicules de l'espace, elles m'ont piqué toutes mes troupes jusqu'ici, elles m'ont tout pris! De l'autre côté en mode touriste! Tiens d'ailleurs, il faut que je fasse mon pic d'énergie! Peut-être booster mon truc! Oh, mais je suis à 0 en énergie, faut que je fasse! Je fais pas de dégâts et j'aurais. Ouais, non, le Tervigon, éloigne-le de là! Là, il va prendre très cher, je pense! Ouais, je vais l'enlever, ouais. Je pense que mes petits guerriers de feu, ils vont se faire... Que là, il y a beaucoup, hein.
Première fois par du Necron, il a c'est du Custodes. Ah non, j'ai pas assez. Ah, c'est qu'on a pu convertir les petits V-Speed là, dommage. Avec les éclateurs à neutrons. Ça, les V-Speed, c'est du très bon tueur de Space Marine. Ouais. C'est Damage 2 leurs armes. Quelle violence, tout de suite, c'est tout de suite. Damage 2 avec beaucoup de PA. Non, mais beaucoup de PA, Damage 2, c'est vraiment infernal contre les SM, je crois. Par contre, les modèles sont. Yok. Ouais, je vois pas de quoi tu parles, ils ont juste 15 ans. Hein. Ils ont 15 ans, et puis désolé, il y a 15 ans, ils étaient moches, donc là. Bon. je rectifie, ils ont 18 ans, mais. Il y a 18 ans, la majorité. C'est correct, quoi. Protocole défensif. Oula, ça donne pas envie. Non, ça donne pas envie. C'est quoi une PV, les enfants du KO, putain. Oh la vache, les immortels, ça fait mal. Ah oui. Ouais, c'est beaucoup ils hein, quand ont même. 10 d'armure, ah ouais. Non, mais moi, ils tirent pas trop sur ma vie. Ok, ils m'ont clean les squads de guerriers de feu, let's go. Ouais, alors les guerriers Necron, si t'es au cac, ils tirent très très fort. Ouais, bah c'est comme les guerriers de feu, sauf qu'ils sont en tir rapide. Ah ouais, hein. Ouais, la crise énergétique, je sais, mais je prends une nouvelle case, chat. Je fais comme je peux. Ouais, on recule, hein. Ouais, hein. Bah, en fait, moi, je peux redescendre pour te filer un coup de main et invoquer, en fait, Darien, parce qu'il a l'air de vouloir redescendre, mais après, je vais remonter de l'autre quelques guerriers pour être sûr. Ok, j'ai une nouvelle... Tiens, le portail, on va le casser. Là, je suis un peu bloqué, ouais. Non. A humble devilfish. Je vais descendre le Tervigon, comme ça, je peux faire les invocations de ce pour les 22 mois. C'est ça, se faire couillonner, c'est ça. C'est absolument ça, littéralement. Ouais, bon, moi je vais rester là, j'ai bien battu en retraite. Ah, la forteresse de Melkor, c'est pratique quand même, hein. Ah, parce que tu continues d'assiéger sa ville, hein. On pourra peut-être le sniper, hein. Ah, c'est bien pratique, ça, les trucs que tu peux dropper, ouais. Ah, mais vous lui mettez une sacrée pression dès le début, hein, mine de rien. Oui, ce bah, sa ville elle est déjà quasiment midlife, hein, c'est pas rien. Les enfants du chaos, c'est quoi leur faiblesse, Mott? C'est qu'ils tirent pas. D'accord, donc c'est full cac, mais c'est rapide, non? C'est rapide, ça régénère en théorie dans le jeu, et ça a beaucoup d'endu. Ils ont la marque de Slaanesh, donc ils ont plus un de mouvement max, ils ont plus une attaque au corps à corps. La rage? Ouais, il cogne fort là. Ouais, ok. Après, normalement, ils percent pas l'armure. Donc une grosse armure ça passe pas, en tout cas en tabletop. Et ils ont pas d'armure, d'ailleurs. Pas poil quoi. Mais ils ont 40 PV. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ils régènent ou ils régènent pas là? Tabletop ils régènent maintenant, mais avant ils régénéraient pas. En verrant les anciens, ils régènent pas, le nouveau ils régènent. Ok. Oh les diables de Katachan qui lâchent pas. Ouais, c'est beaucoup d'XP hein. Bon moi je vais avoir ma nouvelle ville. Oui, tiens sur ma forteresse, elle aura rien fait. C'est très bien, ça les occupe. Ça t'a coûté cher de faire cette forteresse? Non. Ouais, c'est bien ça. Ça coûte juste de l'influence. Ouais, mais j'en ai 235 là. Ah, Melkor, faudra que tu te prépares parce que toi, avec les technologies, plus tard, tu peux balancer les drop pods. Hein. Ça sera quand même bien, bien pratique. Prends les. C'est pas que j'aime ça, mais j'adore les drop pods. Hein. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais bien les drop pods? Oh, c'est bon, Melkor, tu peux arrêter, j'en ai acheté. C'est bon, arrête. Ça compense. Ah, c'est un peu le principe des Space Marines, hein, ça compense. Hein. Plus qu'à acheter quelques petits dévastateurs. On en parle des canons. Des canons tôt ou... L'armée de la compensation. C'est. Non, parce que niveau compensation, ça s'y connaît quand même. Ouais, mais nous, les silhouettes restent élégantes. Hashtag Storm Surge. Nous en fait, quand nos canons sont trop grands, on a des exo-armures gigantesques pour les transporter. On n'a pas juste nos petits bras de lieutenant. Hein? Qui suffisent. Nos petits bras. Nous en fait, on est contraints par ce qu'on appelle la gravité, vous voyez? Pas vous a priori. La Storm Surge, j'avais pas l'air d'accord. La Riptide non plus d'ailleurs. Ou la Broadside. Attends, mais t'as vu la taille que ça fait la Riptide et la Storm Surge? Oui, non mais bon. Attends, quand tu vois la gueule du canon, il fait trois fois la taille de machin. Si bel or pour les 22 mois. Le Hammerhead, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais, le Hammerhead il fait des backflips arrière, tu sais quoi. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Oui, par contre, le Hammerhead il fait des backflips arrière quand il dit. Il fait la toupie même. C'est comme dans Crossout.
Quand il tire, c'est le baby. le Fenwick avec un canon de char dessus. C'est vraiment ça. Par contre, c'est moi où la ville se régénère plus vite que je lui fais de dégâts maintenant. Ah, c'est pas drôle ça par contre. Ça, hein, ça récupère quand même quelques points de vie à chaque tour. Hein. Elle a 86 HP actuellement, elle en avait 73 juste avant. Ouh, il y a le chaoteux qui augmente la pression. Les petits amis, restez sur vos gardes. Oh là là, il débarque avec des immortels. Putain, elle a refait une ville, l'assista. Sérieux? Ah ouais, elle a encore... C'est honteux. Et puis moi, j'en chie un peu niveau ressources, là. Après, les sortes de bataille, à première ville, dans toutes leurs autres villes, ne peuvent avoir qu'une case de déploiement autour, ils peuvent faire s'agrandir plus. Ah. Là, elle en a deux, déjà. Alors, par contre, s'ils sortent des... C'est quoi, là, les machines de pénitence, les machins? Ceux-là, ils sont ultra forts. Les mortifères. Ouais, c'est giga fort, hein. Faites gaffe de ces trucs là. Hein. Ça vient au corps à corps, mais alors ça tape très 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 fort. Je comprends ce que tu dis là. Ah, le problème c'est que... Attends, on est d'accord que l'industrie, ça s'augmente, t'es dans chaque ville que tu peux augmenter l'industrie. En fait, c'est pour chaque type de production. Comment ça s'appelle ? Ton industrie pour... Enfin, c'est bien la concurrence dont tu parles. Non, mais en fait, j'aimerais juste produire plus vite mes troupes. Et ce qui est chiant, c'est que... Il faut que tu fasses plusieurs bâtiments bâtiment. Plus tu as mais on me disait que j'ai un malus en taux si je fais plusieurs fois le même bâtiment. Mais tout le monde a des malus. Plus tes villes sont grosses et plus t'as de villes, plus t'as des malus. Mais tu as des bâtiments pour contrebalancer. Ouais... C'est vrai ce mensonge? Ouais. Ouais. Pas convaincu. J'aime pas trop beaucoup tu ça. Tu fais quoi ensuite? On push les immortels ou on fait quoi? On attend qu'ils viennent? Bah moi j'ai bientôt mes Crysis, j'aimerais bien les avoir. Le malus bon. Si tu fais le même bâtiment sur la même case. Ah. D'accord. Sur la même case. Ah oui donc en effet d'accord. Mais quoi c'est pas parce si que ça produit un peu moins. C'est non mais c'est un truc spécifique tôt. Ah ouais? C'est ton héros qui contrebalance le malus. Ah bon? On comprend rien. Pas compris. Comprends pas. Trop compliqué. trop compliqué. Compliqué. Quand on voit que deux ennemis là pour le moment. Ah non, trois avec le chaoteux. Bah non, on en a vu. Ouais, il y a le chaoteux. Ça veut dire qu'il y en a trois autres qui sont en mode free et qui peuvent se développer comme ils veulent. Exactement. Nice. Il y a un bleu foncé en bas à droite. Il y a un bleu clair. Je vais mettre un ping. J'ai vu un orange aussi. Ah mais oui, tu les vois toi. Ah, il y a un héros qui booste sa loyauté. Ça doit être l'orange, il est par là. Ah. Et t'as pas une unité que tu peux convertir, Alpha, là? Ah si, je pourrais si tu veux. Ah non, je peux pas. On a un scorpion, ah, si. On n'a pas où géré... Ça ah oui mais je peux pas convertir les scorpions, t'as fumé toi. Ah c'est dommage. Il bave trop sur le tapis le scorpion. Faut que ce soit un peu intelligent. Oui, faut que ça ait un minimum de jugeote, sinon c'est pas possible. On peut discuter mais à un moment il y a des limites tu vois. Après c'est genre que je peux l'essayer tu vois. C'est une partie versus des vrais gens. Non on est contre des IA très énervés. Merci, j'ai pas le courage. Merci beaucoup pour les 18 mois. Oh putain. Oh les petits Wind Rider. Ah non, c'est des Shining Spears. C'est rigolo à jouer les Shining Spears Eldar. Hein. Oui, je confirme. C'est le concept est trop cool de joute, genre motojet joute. Je sais pas si t'as vu un peu le détail des nouvelles figues. Ouais. Où justement sur le côté, t'as un petit truc dans l'avant pour mettre, comment s'appelle, le... Pour poser la lance pour que ce soit soutenu pendant qu'il charge. Ah ouais? Oui, sur la figurine, ils ont ça et c'est assez cool, j'avoue. C'est stylé. Mais les figurines sont très stylées et elles sont très agréables à jouer aussi. Ça bouge bien, c'est assez fun. Ça tire beaucoup, ça sature beaucoup aussi. Ça sature, correctement. Oh, ça j'ai pas fait une fois une game contre un Eldar, la vache, les sauts de dés qui m'arrivaient dans la tronche aussi, c'était pas mal. Hein. Mais ça a l'air. C'était des lumières ou des motos normales? Quoi? C'était dehors des lumières ou les autres motos? C'est les mêmes armes, de toute façon.
Non, parce que bah, typiquement, les motos, les gardiens de moto peuvent avoir des rayons laser, c'est 6 tirs par tête. Ah oui. Non, mais tu vas t'amuser avec les Eldar, surtout avec ton aéro là. Mais ouais, j'ai vu les Shining Spears, en gros c'est ultra fort si t'as un bonus si l'ennemi a chargé, c'est ça? En gros tu les mets derrière, t'as des unités qui sont chargées et elles viennent en contre-offensive fumer les mecs au corps à corps qui viennent de charger, c'est ça? Non, c'est juste quand tu charges, bah tu tapes à force 6 au lieu de force 4. C'est pas, tu tapes à force 6 au lieu de 4 si tu tapes contre un ennemi qui a chargé? Non, c'est quand toi tu as chargé. Ah, c'est quand toi tu as chargé. Ok, il me semblait que c'était pour les 21 mois. Bail de contre-charge. Avoir de la bière, c'est, comme le, c'est le même principe que les motos custodes, il me semble. Allez, super. C'est moto custode, super. Arrêtons de parler de ces merdes. Bien, moto custode, super. Terrible. Ouais, la prochaine fois qu'on va faire une game contre Trauma, avec Sansou, on va regarder trop mal ses motos. Alors ça meurt. Eh bah non, dommage. Est-ce qu'on fait buter la chaîne Onnes là? Ouais. On peut essayer. Attends, faut compter. Je peux tout mettre. Mais je suis pas sûr d'y arriver. Et j'aimerais bien finir les dominions dans mon dos. Viser les motos chez les custodes, c'est un peu la base. Ok, moi je peux mettre 3,1. Toi tu mets combien? Mais attends Alpha, tu dis qu'il existe une unité de cacto? Bah oui, il y a le commandant. Commandant. Les croûtes? Oui, non, on a dit une unité tôt. On a dit une unité tôt, pas des citoyens de seconde zone. On tue pas du coup? On peut lui faire très mal, mais on va pas la tuer. Pendant 5 tours, j'ai des crises. Une unité derrière, histoire que je tanque un peu plus. Quoi. Ouais. Tu veux lancer l'assaut là? Furgos? Bah écoute, moi je... Attends, je... ça bouge pas ta deuxième unité, je joue au Ranger. Ouais, il a du monde, ouais, mais je peux faire pop plein de drones moi d'un coup. Voilà. Hein. En fait j'ai mon guerrier Tyrannis qui arrive dans un tour, j'ai nice. Mon héros, mon Prima qui arrive dans 4 tours, mais on peut commencer déjà, ouais, je pense que c'est pas trop mal. Ok, moi j'attends mes Crysis et let's go. Et ben on attend un peu, ouais, je sais pas, il arrive dans combien de temps? 6 tours. Bien. Combien? Non. Mes crises, elles arrivent dans 5 5 tours, mes premières crises. Il est joli ton pédalo Alpha. Hein? Ouais, t'as vu, c'est un piranha. C'est un piranha, j'en ai un, j'ai jamais fini de le peindre. C'est quoi en face? C'est une clé USB, c'est ça? Il cherche un truc pour se brancher? C'est complètement une clé USB. Oui. Ah bah très bien. C'est le piranha, c'est bon, non, devant c'est un Fusion Blaster. Ah d'accord, ok. C'est un Fusion, c'est un Melta, c'est un merde, un putain, si c'est un Melta. Si, c'est un fuseur quoi. Il arrive proche de l'ennemi au corps à corps. Doudou. Et quand il meurt. Quand le piranha meurt. Ouais, je vais faire le son au stream. Voilà. Quand il meurt. Quel plaisir. Mon cher Sansou, ça se passe bien? Autant pour moi. Ah, voilà l'autre tyrannide. Voilà. Mais ça marche mieux quand t'es au cac le fuseur, comme les clés USB. Oh, les guêpes, elles ont l'air emmerdantes. Hein. Oh, ouais, voilà, c'est l'air tenir, hein. C'est pas que j'aime pas les guêpes, hein, mais. Ah bon, t'aimes bien les guêpes? Non, pas ça. Faites gaffe aux guêpes parce que si jamais votre unité, ça va en prendre une autre unité. Ah, hein? Quel enfer, hein? Elle pond dans ton corps. Super. Exactement. Ah! Ah oui, infestation. Elle donne naissance à une unité. Ah oui, ça peut aller vite. Non, c'est chiant. Ah oui, c'est un peu. Ouais. Ah, mais surtout que c'est résistant cette salope. Ah, il y a le Tarman, le Titi qui arrive aussi. Ouais. Où ça? Ah oui, là-bas en bas, ouais. Dans notre cul. Ah oui, oui. Que tu veux, où ça? Au sud, côté des Sista. Le point orange. On va les fumer. Ouais. Ah, mes guerriers tyrannides, voilà. Mes bébés. Allez, faut qu'elle meure celle-là, je viens sans de capter déconner. Que l'endroit où j'ai commencé, c'est vraiment le pire. Ça y est, c'est reparti. Que genre, il y a encore ce plein. Regarde où je suis. Si je veux aller. C'est moi qui ai le pire truc. Si je veux rejoindre mes petits orques, je suis obligé de faire tout le tour. Ça me spawn une unité de drone qui vient de se faire OS, j'adore. Mais du coup, je peux avancer.
Mais bah de rien. D'accord. Comment ça tu dois faire tout le tour Eventis? Bah regarde la base. Ah et c'est full heal évidemment le monolithe. Bah quoi, ouais. Tu dois descendre. C'est ça que tu veux dire? Je vois pas que genre en fait je suis littéralement dans un gouffre où en fait genre juste pour sortir de ce gouffre je suis obligé de taper tout le tour. Ah oui, il y a une falaise. Il y a une falaise effectivement. Tenons les bains. Et la mer, voilà, super. Non mais fais une autre ville, fais une autre ville au sud. Fais une autre ville avancée. Je suis en train de faire un bricolo là, t'inquiète. Un bricolo. Bricolo. Ouais, ouais, en vrai tu fais vraiment que de la prod économique sur ta première ville et puis. Et puis celle plus avancée, tu pourras prendre du militaire. Parce qu'effectivement, c'est mes 5 planqués. T'as pas pris l'avant-poste entre moi gentil et la ville Necron? C'est un avant-poste que tu peux prendre Furgos. Hein. Où ça? Bah là, juste entre les deux villes, tu regardes, il y a un petit avant-poste. Voilà, là. Oui, ouais, je l'avais pris, mais il a été. Ah, il a repris, ok. Les méchants. Oui. Les méchants. Oula, ils ont pas. Voilà, par contre, sa ville, elle fait super mal, hein. C'est un délire. Bah, toutes les villes, hein. Toutes les villes font très très mal. Toujours. Mais la ville Sista, par contre, c'est un délire. Dans la ville, ils prennent rien. Multifuseur. Ouais, la ville Sista, c'est un enfer. Bah, nous, la ville Necron, c'est par. Oh ah, putain, ça arrive. Les grenades. Ah, on manque de patates là. Hein. Ouais. Je pense qu'on n'est pas prêt encore là, honnêtement. Là, ça pique. Hein, là, non, recule, ça sert à rien là. En fait, faut qu'on ait des armes assiégeuses. Parce que là, c'est. Mon héros arrive, c'est l'arme assiégeuse. Alors je pense que t'en feras plusieurs à mon avis parties comme ça. Mais elle est où cette saloperie, j'en peux plus. Ah, t'es toujours après ta couille Mais oui, mais à chaque fois il lui reste 2 PV mais elle se barre. Elle me rend fou. Là je viens de tomber sur un milliard de cultistes. Ah non, c'est des hybrides. Ah oui, il y a du monde en bas de chez toi là. Comment on gère ça, Arna? Ah oui, viens m'aider, Melkor. Spoiler, we don't. Avec plaisir. En fait, j'ai pas trop envie d'avancer à cause de la ville. Ouais. J'aurais tendance, on va dire, à laisser s'avancer. Mais laisse nous avancer. Si c'est le dieu pour les 5 mois. Surtout que là, on est dans une zone. Capacron, merci pour les 14 mois aussi. Vraiment la lisière. Merci beaucoup. Ouais, on peut se planquer dans la forêt. C'est ça, et puis il y a la ville aussi qui est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On va faire une petite embuscade. Ouah, c'est long de faire les villes. Comme ça t'entraînera à faire des embuscades style. Vas-y Melkor, aide-moi à me débarrasser des cultistes et tout, et puis après on va aider Arnar et Sansou là. Oui, on va pousser au sud. Ah bon. Oh mais après c'est Arnar et Sansou, ils sont censés gagner la game eux seuls. C'est chaud frère. C'est genre l'assista, elle nous tient tous les deux tranquilles. Mais attends, mais le palatin c'est où là? Ah c'est là. Ouais. Je leur ai mis moins 9 en tirant. Putain, y'a plein de jean stealers là-bas, la vache. Ouais, ça c'est du terma. Ça va nous faire de l'expérience à Maf et moi. Maf il fait du PVE, mais oula les guêpes. Beaucoup de guêpes là quand même, Maf. Hein. Tout perdu sur la testicule là, je voudrais bien récupérer des troupes quoi. Je vais encore tout perdre. Ce qu'on arrive, Maf. Maf qui passe un bon moment. J'ai pas ce bon moment à chercher ça. Ton. Je vais perdre mes rangers, mais moi je me casse. Hein. Non, mais j'arrive. Bon, dans 2 tours j'ai mes premières crises. Bah moi j'ai juste à tenir la ligne, hein. Là, chose à gérer dans ma vie, hein. C'est pas foufou. À part acheter de la recherche. Ouais. C'est quoi le drame déjà quand t'as plus de production de bouffe? C'est fini, plein de parties. Ah! Retour au menu principal. C'est très important. Ça fait que la population dans ta ville augmente moins vite et la population c'est ce qui permet que tes bâtiments soient efficaces. Ok. Ouais, vas-y, mets le corps avec tes 2 escouades de Space Marine là, tu les manges les machins. Oui, ça devrait le faire. Oui. J'arrive avec d'autres rangers derrière. Oh, bah, parfait. Avec ma deuxième ville, je vais buffer un petit peu la recherche aussi.
Putain, je m'étais bien placé pour avoir les Nécrons en première ligne. Oh, le plaisir, Alpha qui fait des dégâts, la vie qui remonte instantanément du Nécron. Il lui fait pipi dessus. On frappe rapidement. Trop là. Putain, le seigneur score, ce machin. Le seigneur destroyer là. Il... Oh, oh, ah oui, oh le pédalo. Ah oui d'accord. Oh la clé USB. Ah. Ah ouais, y'a un peu de monde là quand même. Mais oui, mais non mais t'as vu le truc. Ah, mais Maf, il est dans un donjon. Mais j'en peux plus le moi. D'insectes. Ça va Maf, je me casse hein. Maf, c'est pas ça bon. Maf, Maf, il a trouvé une autre faction IA, sauf que c'est juste Gaïa. C'est ça. Je vous l'avais dit qu'il fallait bétonner cette planète. Moi, je vais m'en payer moi. Attends, 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 Melkor, parce que j'ai ma prod qui va un peu plus vite maintenant. Non mais moi je. Oui, peut-être, ouais, mais. Ouais, avec les Rangers de loin, ils ont 3 cases de portée. Regarde. Bru. Non, non, vas-y, 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 vas-y. À nous deux. Non, regarde ta tête, t'as des Space Marines d'assaut en plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Tiens, est-ce que tu peux bouger les Nécrons qui sont là où je t'ai ping? C'est juste pour avoir la ligne de vue ouais. Sur les hospitalières. Si je les bouge là, c'est good. Ouais. Ok. Maf, il joue à Avatar. C'est Avatar. Par contre, sans sous, est-ce que tu veux bien supprimer le ping que t'avais fait tout à l'heure? C'est un truc un peu chiant dans le jeu, mais tant que tu enlèves pas le ping manuellement, il reste. Indéfiniment. Je sais pas si tu vois où il était à côté de mes rangers. Tu reping la même case. Ah ouais? C'est le contrôle-clic pour le... Good. Ah mais quel coach. Merci. Rodeur. Oh, l'attaque de QSB, impressionnant. Piou, piou. Putain, mais il a un milliard de points de vie, il prend rien, vas-y, c'est un sup, c'est trop chiant. Vas-y, il lui reste plus beaucoup de vie, là. Ouais. Ah, mais j'ai fait tout tirer, j'ai fait tout tirer. Je comprends ma douleur quand j'ai affronté sans sous, maintenant. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Tu t'en sors, niveau prod, en ce moment, ou c'est compliqué, là? Bah, je prod, mais ça prend un milliard d'années, on se fait chier dans ce jeu, pardon, excusez-moi, mais enfin, genre, c'est les productions durent 1000, gars. Relou, chaque unité, c'est 6 tours, quoi, pitié. Le prochain tour, t'as des crises, fais pas chier. Bah oui, bah, ça fait 20 tours que j'ai prévu ça. Bah, évidemment, c'est des crises. Mais c'est la première. Mais non, mais c'est la première upgrade, hein. Sans sous. Oh shit. Hein? Oh putain, oui, ils sont dans les barbelés, les cons. Ah, il s'en va. Ah non, il s'en va, le. Mais il s'est soigné de 1 milliard de points de vie! Quel enfer! Regardez-moi ça, il est à ce. Oh pitié, hein. Ça a l'air de bien se passer pour toi. Oh bah là, adieu hein. Il faut du plus lourd hein, cool, faut du plus lourd hein, pour avoir un truc pareil. Non mais là, attendez, attends. C'est débile. Ah. Hey Melkor. Merci. Je suis obligé d'arriver par là. Oh putain, mais il met 1000 ans à venir le prince. Ils ont de sacro-sainte, putain de merde. Ça va bien se passer. Mais bon. Ouais. Bonsoir, non. Merci pour la forteresse, c'est très gentil. La loyauté, ouais, c'est comment ça va encore la loyauté? C'est par ville ou pour l'ensemble des villes? C'est par bâtiment construit. Est-ce qu'une dans la ville se heal dans un transfo? Oui. Ouais. C'est pour ça que tes transports c'est très bien. Et ouais du coup c'est la loyauté c'est par ville. Et c'est vrai que la dernière fois sur les grosses parties on avait mis tous les buffs. Si peu de dégâts les Nécrons mais c'est n'importe quoi. Du gros perse armure. T'as, quoi, mais... t'as mis encore le Seigneur Destroyer ou pas hein? Non, non mais là je recule hein, il me défonce hein. Je suis en train de redescendre parce que... Ah mais il va pas avoir... C'est tellement la guerre chez vous, c'est incroyable. Ah non mais c'est fou. Il y a deux flancs où c'est la guerre et puis les autres. Alors par contre là ça va commencer à devenir compliqué contre le Nécron hein. Il va être en 5.
Tout à fait. Jusqu'à maintenant, c'était simple normalement. Ah, d'accord. Ah bon ? Mais il va sortir les gros véhicules maintenant. Ah ? Ah. 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 Ah, je viens juste de sortir le Prima et tout. Regroupez-vous là. Et mettez tout le monde en état d'alerte. Mais je veux dire que c'était une bonne idée a priori quand même de faire ça. S'ils sortent des barges d'annihilation, ça... pas les barges, merde. Les arches du jugement dernier. Les arches, ouais. D'accord. Bah, faut focus fort parce que ça fait très très mal. Donc, je suis sûr qu'Alpha il est ravi d'être là ce soir. Bon, mais on cherche, hein. Ouais, peut-être que je fasse des... un commandeur. Effectivement. Un commandeur full burst cannon, là. Ah, ça arrive. Ah, j'ai perdu... Il avait écrit Seigneur, tué. Au secours! Comment ça, il m'attaque en bas avec les enfants du chaos? Eh, vas-y, c'est bon, là. Il m'a détruit mon... Il m'a détruit mon piranha! Ma clé USB! Oh non! Oh no! Toudou! C'est Toudou! C'est Toudou! C'est Toudou! Arnard, il aime pas les... il aime pas les tirs de lance-flammes, on dirait. Moi je me casse, hein. Ça... Bah là je suis un peu obligé, je... en bas je me fais attaquer. Je me fais si vraiment je vais attaquer sur partout, l'avant-poste, hein. Arnard, c'est good pour toi? Hein? J'ai pas entendu, pardon. Si je vais sur l'avant-poste pour tirer sur les dominions. Comme ça. Merde. Parce que en fait j'avais vachement plus de dégâts que mon escouade. Ah. Sauf si tu les butes. Non, merde. Oh shit, bro. Eh, vas-y, mets le corps. Les crises qui crament les scarabs. Petit plaisir. Ah oui, là, ça fait plaisir, ouais. Les crises font du bien. Je vais essayer d'en prod en boucle non-stop. Ouah là là, l'énergie, c'est complexe là. Quel enfer. Oh shit. Moi aussi c'est compliqué l'énergie. Bon, ouais. Tout est compliqué là en fait. Mais vite. Zéro ressources. Bah du coup je vais maintenir la pression ici, hein, comme ça peut-être qu'il va remonter. Bon. Espérons. Bah ouais parce que. Sinon je peux continuer de descendre, de toute façon mon interview on va descendre, mais. C'est résistant en plus les guêpes hein. Ouais, ils font zéro dégâts les diables là. Les Vespid, c'est vraiment merdique, c'est un truc de... Ouais, j'ai vu, mais je peux pas y faire grand chose. Ah. Je voulais aller choper un truc, mais. Je peux pas passer. Bon, après, il y a Melkor et Maf qui arrivent donc. Oh, oui, oui. Ouais, on pousse la faune là, mais dès qu'on aura battu. Vespid aussi mauvaise que dans Dawn of War. C'est vrai que les Vespid n'ont jamais eu le beau rôle dans les jeux 40k comparé à leur puissance sur le board. Dommage. C'est vrai que j'ai été assez surpris de voir les dégâts qu'ils mettent dans le codex. Les V-Speed. Ah ouais, non mais V-Speed c'est ça pique. Hein. Meilleur tueur de Space Marine. Ah ouais, ça j'avoue, PA-2, dégâts 2. Ouais, PA-2, dégâts 2, bah c'est très très bien pour, ouais, pour le custo, pour le SM. Ouais, ouais. Attends, custo c'est 3 PV ou 2? C'est 3 PV. Ah oui, donc non, c'est idéal. Bah oui, mais ça reste toujours bien. Ça. Oui, c'est bien quand même, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est PA-2, donc c'est cool quoi. Mais c'est vrai que le mieux ça reste du dégât 3, comme ça au moins pas une petit plasma là. Petit plasma là. Moins 2, ça lui met une sauvegarde à 4. Petite crisis full plasma là. Mais c'est pour ça qu'on t'avait foutu full plasma sur tes crisis contre ta. Oui, mais ça c'est que j'avais pas lu. J'avais pas lu mon codex. C'était avant que je lise. M'en fous le retour. Pas lu mon. Non, mais c'est surtout mes rail rifle de Pathfinder qui avait fumé des gardes. Mes rail rifle de Pathfinder, c'est très très bien contre les custes. Et nous, on avait quand même étudié Alice pour que tu lui meules la gueule, quoi. Oui, oui, mais franchement, j'ai fait n'importe quoi. C'était du tout. C'est dommage. Dommage, dommage d'être nul. C'est ça. On espérait une victoire des taux. Non, mais ça viendra là. Back. Comment ça, ça viendra? Comment ça, ça. Bah oui. Oui, ça viendra. Bah en vrai, c'est venu déjà. Tout à fait. Enfin, c'est venu. Ouais, mais c'était pas vraiment une victoire. C'est vrai. Attends, mais on est déjà chez Arnard, là? Bonsoir. Du coup, j'ai pas le droit de le taper, c'est ça? Ah, ils ont 4 HP, les enfants du chaos, j'ai envie de... J'ai pas de drone, non.
Ah si, peut-être. Hey. Alors que peut-être. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? L'humble drone qui finit le kill. Les là en bas. Ah mais c'est voilà, ils ont été tentaculés dessus. Ya. Yeah. Je crois qu'ils ont besoin qu'on leur retire les tentacules de la bouche. Ah ouais. Bon, j'ai géré ma petite saloperie en bas là, donc tiens, ça c'est nettoie. Cool. Petite victoire. Oh, l'énergie, c'est... Je bats sans sous. Comment on fait quand on a plus d'énergie? Bah tu construis des générateurs. C'est la merde. Alors, tu vas sur ta ville, et tu vois, tu peux désactiver des bâtiments. C'est vrai ça. Ah mais oui, hop là, je désactive le truc des bâtis, des véhicules. Ok, top. Voilà. Merci. C'est dommage que je puisse pas te passer d'énergie parce que moi je sais pas quoi en faire. Pourras-tu dire pour les véhicules plus tard? C'est vrai. Il dit c'est nul mais 3,3 sur des immortels c'est pas dégueu. De quoi? Ah les V-Speed là? Je sais pas, les V-Speed ça m'a pas l'air foufou moi. Non mais c'est surtout que les écrans sont complètement fumés. Oh tout de suite. Tout de suite quoi. Et n'empêche, intéressant le win rate des custodes, vous avez vu aussi? J'ai pas commenté, parce que je savais que je l'énerverais. Bah, on va pas rajouter, mais bon. Non, mais par contre, je me demande vraiment sur combien de games ils prennent le win rate. Bah, c'est depuis Arc of Omen, il n'y a pas eu des masses de tournois donc. On a eu quoi, 3-4? Non, ouais, je plus. Ah, peut-être bref. Plus, mais. Pas eu tant que ça non plus, hein. Mais en gros, même le VO, c'est en cornichine. Ça doit être quelques centaines de games pour tout le tableau, tu vois. Donc ouais. En gros, c'est peut-être genre 10 games par faction et encore pour les plus joués. Moi, je suis content. Empire, 50% win rate. Bonsoir. C'est balanced. C'est bien. Eldar aussi, c'est 50%. Ouais, Eldar mais par aussi. Contre, ça produit les sœurs de bataille, là. Et j'ai ouais, donné bien, à des petits Astartes, ça a à peine augmenté avec le up. À peine ça, ils ont eu un nerf aussi, hein, à Mort of Contempt. Non, bah, putain, mais le diable qui s'y met aussi, bordel de merde. C'est les factions, c'est les sœurs sur certains chapitres. Je peux. Vas-y, Barthes. Ouais, effectivement, il les garde tous dans le même truc. Si tu regardes les tournois de ce week-end, parce que toutes les semaines t'as Gunhammer qui fait les tournois de ce week-end, genre sur les 8 gros tournois qu'il y a eu, t'en as eu 3 où t'as eu les Iron Man, c'est dans le top 3 quoi. Ouais. Ouais. Dark Angel aussi ça a alerté en ce moment. Ouais. Ah Dark Angel c'est pété hein. Ouais. Il y a eu une finale de tournoi Dark Angel contre Dark Angel. Ah ouais. Ah génial. Ouais. Bonne ambiance. Mais c'est rare les miroirs. Meilleur match-up. Ouais. Et les seuls que j'ai vu. Oh putain, y'a un presse démon en bas! Blood Angel et Dark Angel. Voilà. C'est ce que j'essayais de vous dire. C'est bon quoi! Ah, putain, oh le prince démon, mais vraiment? Oh. Aïe aïe aïe. C'est bon quoi! Non, non, mais Crysis, je voulais pas que. Connard. Ah, t'as bien séché l'unité par contre. Ah bah les Crysis quoi. Oh merde, j'avais pas vu les Nécrons là. Non mais en vrai le prince démon si vous le laissez level up ça va. Ouais mais il a l'air bien parti pour level up j'ai l'impression. Et les autres à côté quoi. Il est pas tout seul. Eh t'as eu le scarabée. Ouais. C'était clairement la plus grosse menace. On fait ce qu'on peut par contre. Bon par contre Melkor et moi on avance là, on arrive les gars. C'est cool. On passe à travers la faune là, on arrive. Bon, j'ai une autre squad de Crysis qui va pas tarder à sortir. J'aurais perdu quelques marines ce passage, mais est-ce qu'on peut. T'en as perdu? Oui. Arrive, pas les escouades, c'est le principal. Mais des... J'arrive, pas avec tout le monde, mais j'arrive. La fin d'Armor of Contempt, ça fait revivre les Xenos. Ah, mais c'était débile, hein. Moi, je sais, franchement, tant qu'on jouait pas à ce moment-là, parce que c'était horrible, Armor of Contempt. C'est trop chiant. Fun, hein. Mais déjà, quand tu joues, c'est toujours en mode, ok, PA-2, en plus, il y a eu Armor of Contempt. À chaque fois, tu sais, les gens, ils disaient, avec ou sans Armor of Contempt. Quand tu vois les rapports de bataille, ça a l'air trop relou de non, toujours mais... constamment dire avec ou sans. Mais non, mais de en fait. Non, mais tais-toi, tu joues Space Marine, toi. Mais justement, mais enfin. Non, mais enfin... c'était bien. Non, mais c'est pas ça. Mais les Space Marines, ils étaient dans le bas du tableau et c'est pas pour non, rien. La plupart des factions. En fait, les Space Marines, c'est non, censé être design. Tanky et ça l'était pas. Oui, parce oui, que... oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était du mauvais design de EP comme ça. Oui, oui, oui. Parce que du coup, bah, typiquement, les guerriers de feu devenaient. Enfin.
il n'y a plus aucun intérêt parce que dès que t'as toutes les armes PA-1 du jeu n'avaient aucun intérêt. Bah faut saturer plus fort quoi. Mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'entre une arme 0 et PA-1 c'est OZEF bah, tu vois. Du coup oui, ça forçait à jouer des PA-0. Bah tu sais oui. Attends, t'es pas prêt à affronter certaines factions qui ont de l'invulnérable partout alors. Ah bon, bah, tu vas voir. Tu veux que je te rappelle, ce qu'on a joué bon. Ce qu'on a joué contre là. Bah oui mais voilà. Mais tu vois c'est la même chose, t'as des armées qui ont ce genre de spécialisation. En fait c'est comme dans Total War Warhammer, si tu prévois pas le coup en amont, effectivement tu rebondis dessus toute la soirée quoi. Mais non, mais indépendamment même de ça, pas. En fait, le fait qu'il y ait un natif moins, PA-1 enlevé, ça enlevait toute une partie de l'arsenal. C'est passé là ? Il manque plus que... Oh. Oui, je suis en train de jouer. Ok. Bonsoir. Joue plus vite ! C'est mon battle. Bonsoir. Ouais, je joue. Je clique. Mais ça... Ah putain, oui, c'est vrai que les sororitas avaient Armor of Contempt aussi, quoi. Bah tout ce qu'il y avait là, j'étais derrière. Sauf les custos. Oui, heureusement, t'imagines. Oh là là, le prince démon là, non. Les custos, on n'a pas besoin. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Mais ils ont déjà mieux. Oh non, mais Crysis. Ils ont la vue à 4, les custos. Là, ils ont un vue à 4. Oh non, elle meurt, non. Oh vas-y, j'ai envie de crever, putain. Oh, le prince démon, il annonce du lourd, là. C'est clair qu'elles ont pas 5 points de vie, c'est Crysis. Oh la vache. Les tartines qu'ils ont mangées. Ton moral a disparu d'ailleurs, Alpha. Il va falloir que tu fasses demi-tour. Oui, c'est là. Génial, ouais, j'adore. Ah, je peux comprendre. J'ai l'impression que le moral il a disparu aussi, RL. Ouais. Mais non, mais c'est chiant de jouer contre des ennemis surbuffés. Moi je préfère jouer contre autant d'ennemis que nous, mais qui sont normaux quoi. Là, ils ont 1 milliard d'HP, c'est chiant quoi. En fait, le problème c'est que s'ils sont normaux, on leur roule dessus. Ouais, bah ouais, bah le jeu il est fini avec le cul, c'est pas de ma faute, pardon. C'est comme Total War, hein, pas foutu de faire une IA compétente, c'est pas mon problème. Hein. Pardon. On arrive. Il a pas spécialement tort hein, sur les IA de Total War. Hein, comment ça? Attends. Ouais, non, il fait des trucs maintenant. Ouais. Il te sert le café au lit maintenant, le petit déjeuner là. Non mais il était peut-être temps en fait que l'IA commence à réfléchir effectivement. C'est ça. L'autre jour il m'a monté une baliste sur le point opposé pour sniper mes tours. C'est en mode bah super. Ça fait 20 ans qu'on attend que tu puisses faire ça frérot. C'est ouais ça. Moi je jouais l'autre jour, il m'a monté un meuble IKEA là comme ça, direct. J'ai rien eu à demander. Un meuble IKEA t'as monté? Ouais, direct comme ça, sans tournevis, sans rien. Impec. Un Kallax. Un Kallax. Oula. Bah on va dire au revoir au Galet Tyrannide. Non mais je crois qu'on va dire au revoir à tout ce qui est dans le sud hein. T'es sûr que tu veux pas faire une ville au nord Non mais j'ai mes glorieux drones qui tankent. T'inquiète. Voilà c'est ça. Ils enlèvent un point de vie à ce connard dès qu'il tire dessus. Attends. Marmotte. Il va se heal évidemment. Ôte-nous d'un doute, le prince démon s'il se bat pas pendant X tours il perd en force non? Y'a pas une histoire comme ça? Pas du tout. Ah. Il gagne en force en fait. Il gagne au contraire. Rien putain d'avoir. C'est trop chiant que j'ai perdu mes Crysis, ça me met dans la sauce quoi. Puis les prochaines elles arrivent l'année prochaine quoi. Ça qui est dommage hein. Ouais, j'arrive. Parce que tout se produit très vite dans ce jeu hein. Et là il peut pas, en fait là il peut pas contourner rien du tout, il est bloqué un petit peu là. Ouais il va être bloqué le temps qu'il tue nos unités quoi. On fait technique garde impériale. On le noie sous nos corps. Exactement. Continuez de lui jeter des corps et il finira par en avoir ras le cul. Exactement. Je suis en train de lui bousiller sa ville en attendant. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Je lui ai fait deux dégâts. Ah oui, t'es bien, t'as perdu 12 points de vie. Wow. Ça, voilà. C'est toi qui as fait ça, c'est joli, c'est quoi? Oui. L'IA en train de rager pour le moment. Mais j'en ai marre. J'en tue un, il en revient à 3. Qu'est-ce que vous voulez que je me batte contre ça, bordel? On peut plus là. Ah, ils sont nombreux, ils viennent. Ouais, ils sont très en colère. Ah, les drones, ils ont fait. Ah, mais c'est leur boulot. C'est non, complètement leur boulot. Apparemment, spécialité de la faction, les Crysis, ça fait la même chose. C'est le même oh, prix. les prétoriens du patriarcat là. C'est pas hyper balèze aussi ça? Mais pourquoi ils sortent Ah, mais ils sortent déjà ça? Wow. Non, mais les prétoriens du patriarcat, mais encore une fois, hein, le patriarcat, hein, vraiment. Hein, vraiment. Toujours pareil, hein. Vraiment, hein, le patriarcat, vraiment. Hein. Moi, je vois des Zeldar, faut leur taper dessus. Non. Non. Tu touches pas. Pas cette fois. Ah, vas-y, mais j'ai pas de drone de dispo là. Faites un effort quoi. Moi, je vais envoyer mes Vespides, hein. Désolé les gars. Hein. Allez les gars, faut descendre.
Non mais moi je vais reculer à ma base. Tu recules hein. Regardez... Ah bah oui mais là y'a pas le choix. Hein. Regardez la traînée rouge d'Eventis qui est en train oui, d'essaimer. Oui, j'ai vu là sur la carte. Et je travaille. J'essaie de venir. Tu as tapé les Umbra là. Ah mais les Umbra le pauvre. T'es pas sorti de l'auberge. Ouais, ouais j'ai connu ça. Ah, ah ouais, non, mais ah oui, bon, bonne chance hein, moi je te laisse tout seul. Non, ouais, non vous savez quoi en fait, je retourne chez moi les gars. Il y a la deux en plus. Attendez, j'utilise le c'est parti et je suis plus là. Hein. C'est parti. Ah ouais, me... T'as les technologies orc. C'est parti. Il me faut absolument le bâtiment de transport là, c'est quoi ce bordel. Je pense que je vais être le premier à mourir potentiellement là. Parce que là, le prince démon, il arrive, il est en mode... Ouais là, ou toi, viens par ici, toi, là, viens. Ça sent le poisson en bas, là, j'ai faim. Je vais prendre cher, je vais prendre très très cher. Il est au rayon poissonnerie, là. Ah, il est vraiment dégueulasse. Hein. Ce corps. Il est vraiment dégueulasse. Il a un gantelet énergétique en item, en plus 25% de dégâts, au secours. Hein ? Oui, bah oui, mais ça manquait. Non mais on va prier que mes crédits c'est ça. Mais vas-y là, tous mes 1000 ans à produire, c'est chiant quoi. C'est bon, j'ai fait 3 casernes, pitié quoi. Non mais ah, par contre, 3 tours. C'est un truc qui me saoule avec ce jeu, c'est tous mes 1 milliard d'années à produire. Et alors, puis, et puis les gens ils mettent une heure à jouer. Pardon, excusez-moi. alors en fait, un truc alpha, faudrait que tu fasses des bâtiments qui donnent de la loyauté. De la quoi ? Fidelia pour les 22 mois. Justement en fait, c'est à chaque fois que tu vas prendre un bâtiment dans ta ville, tu vas perdre un point de loyauté. Quand tu fais une ville, ça baisse de 6 points la loyauté de toutes tes villes. Ah oui. Et en fait, ça baisse ta production. Mais oui, mais alors comment je fais si j'ai pas de ville pour produire ? Bah tu fais des bâtiments de loyauté. Mais je mets une heure à faire une caserne. C'est ça qui est chiant, c'est que tout met une heure à faire en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu fais pas de bâtiments de loyauté, tu vas effectivement augmenter ta prod, mais en même temps, tu la baisses vu que t'as pas ta loyauté. Mais j'ai pas de loyauté, attends. Ouais, j'ai pas de bâtiment de loyauté. T'as pas la loyauté que les recherches. Il faut que je fasse la recherche, c'est super. C'est le moment du coup, c'est bon, c'est le bon moment pour ça. J'ai eu le même souci la partie d'avant. Ouais. J'ai que moins 4 en loyauté, c'est beaucoup ? Bah ouais parce qu'en fait ça a dû vraiment beaucoup la prod. Ah c'est chiant. Je vais pas dire genre 40% mais pas loin quoi. Hein ? Oh, non c'est moins 8%. Pourquoi ce qu'il m'a mis ? Chaque fois en moins c'est moins 2%. Non mais là ça va faire prout en bas hein, je vous le dis. Hein. Non mais là oui je vois pas comment il survit. Non mais j'ai un train demain au pire très tôt, c'est pas grave hein, donc moi je vais me coucher. Hein. Ah, il paraît qu'il y a un truc qui t'attend ce week-end. Ouais demain il y a un petit truc je crois, ouais. Petit truc. Tout petit. T'as dit, y'a un héros qui booste tantôt. Oui, mais. Bref. Oh, Melkor, tu vois les Repentia là ? Oui. Faut pas qu'elles survivent, hein. Ah bon ? Attends, vas-y, mets-toi devant. T'encaisse bien, toi. Attends, viens, de toute façon, je t'appuie. Mon petit Thermagone devant tout seul, là, en mode, vas-y, va devant, là. T'as un petit coup de pied là. Ouk. C'est bon, je l'ai fini. Je laisse le courir mon flanc. Hein. Allez les mecs, les sœurs, on peut les avoir. Voilà, 4 dessus, intérêt. Bon, moi je campe chez moi. Bah, moi je peux plus, avant, mais non, ce sera au prochain tour. Mais non, ils sortent. Attends, je peux rien. Ils font les cons là. Non. Ouais, voilà, moi c'est la merde. Hein. Il y a tellement d'unités Nécron. Ah ouais, j'avoue. Mais ils sont tous level 5. Moi je suis même j'ai pas Furgos, de level, c'est pas drôle. Furgos, on dirait la game d'avant. Toi qui étais face au Nécron et qui recevait des vagues à l'infini, et moi qui t'envoyais des troupes pour te soutenir. Ça va être pareil. Alpha, dis-toi qu'une fois qu'ils arrivent sur ta ville. Tes troupes qui sont à l'intérieur de ta ville encaissent beaucoup mieux et tu vas pouvoir avoir le tir de soutien de ta ville à toi qui fait super mal. Ouais, du bâtiment, ouais. Donc là, vas-y, hein, hésite pas à te replier dessus pour l'instant pour tenir un peu, quoi. En fait, Ilaï t'encourage à ne pas déco tout de suite. Non, mais je sais qu'en plus c'est fort les villes tours en défense, donc. Comment dire ? Furgos, si tu peux, tu peux essayer de revenir, de brain un peu l'IA. De mettre un ou deux coups sur sa ville. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il a rien fait en fait.
En fait, j'ai commencé à focus sa ville en mode je vais l'attirer. Puis en fait, il a continué de focus dans le sud. Et c'est pour ça que je suis descendu, parce que du coup, je me suis dit, bah là, si je continue, je vais pas péter la ville et Alpha va prendre trop cher, quoi. Ah donc, Ouh, ah oui. Ah ouais. Ah ouais, ouais, je l'ai vu. Ah ouais, celui-là. Non, mais Dominion, c'est honteux. J'ai pas reçu de mémo que ça faisait si mal les lance-lames. J'essaye de défoncer la chanoinesse là. Enfin, surtout que mon tervillon monte d'un niveau. Oh, elle a pris cher là. Tranquille, mais là. Oh la vache, tout ce qui est encore derrière. Oh merde, les éphirimes et tout. Bon, Furgos, Melkor, je vais te laisser tonker. Hein. Non, mais. Comment ça, elle a survécu à ça? À quel moment? Non, mais ils ok, hein. Y'a pas de soucis. Oh la vache, je suis restaurien. Oh, mais y'a tellement d'unités, c'est ça là. En vrai, Furgos, essaye plutôt de tenir le front au nord. Te mets pas trop devant ma ville parce que je pense que faut mieux se placer pour qu'elle tanque, tu vois. Bah en fait je me suis dit ouais ok je vais faire ça. Et au nord en fait moi j'ai... enfin il m'envoie pas trop sinon j'attaque. Elles sont au niveau 6 les unités Nécron. Tu vois vu comment il est placé moi je manquais devant avec. Là c'est quoi ce bordel, pourquoi j'ai des hélicoptères là de orcs. On vient de découvrir le dernier joueur. Y'a les deux derniers joueurs y'a. Mais qu'est-ce qu'il fout là l'orc, il vient d'arriver là, j'ai la carte au trésor qui arrive chez moi là. Là non, là c'est terrible hein. Furgos, il faut que t'envoies tout ce que t'as chez Alpha hein. Eh bah ça y est, j'y suis. J'y suis, je suis là. Il faut que Marmotte et Tite viennent aider aussi. Je suis là. Ah ouais. Je pense. On est dessus, on arrive, il y a un peu de faune entre nous. Et vous. Non mais la faune c'est horrible dans ce jeu, par pitié là. Ah, ça fait 42 tours contre la faune avec Evanfist. Oh les sacro-saintes. Les prochaine fois on vire hein. Ah, elles sont là, trop belles les sacro-saintes. C'est vraiment... Ouais, elles sont belles, très jolies, j'avoue, j'aime beaucoup. Ah ouais hein. Saloperie. Ah non, non, je les ai fait rentrer dans le... Ah, je vais pas faire ça, je vais te crever. Ah mais il y a l'orc aussi qui est là, d'accord. Il est partout en fait. Bon au moins, voilà. Merde. Pourquoi ils peuvent pas tirer dessus, ils sont à deux. Bon les coptères là. Ça dégage l'hélicoptère. Oh, moins 5. Ah voilà, ça dégage. C'est bon. Heureusement qu'il y a des crises. Putain, c'était pas le même bleu. Hein? Oh le con. Quoi? Je croyais que c'était le bleu de meuf. Beaucoup de grossièreté. Voilà. Ah non, mais non, c'était un or. C'est lui la carte au trésor là qui me fume. Non. La Sainte Jay. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien ce qu'il dit. Bah, sur la fight avec le Lissita. La garde impériale. Pas la garde impériale. Ah oui, il y a le même bleu que l'Adeptus Mechanicus. Sauf oui, que oui, c'est oui. Eh non, c'est pas les mêmes. Je peux pas le tuer. Oh, vas-y. Chandelle de nourriture, ça y est, c'est super. Non, mais la game, elle est perdue là. Tu peux le cibler, le guerrier Nécron, celui de tirer ou pas à la fin? Le seigneur? Non, le guerrier. Le guerrier sur lequel tu viens de tirer. Ah ouais, je tire dessus, okay. Avec la ville. Piou piou, je l'éclaire. Je mets un coup de lampe. Bon, comme ça, je peux le finir là. Ouais. Attends, c'est pas une bonne chose de tirer avec ma ville? Parce qu'il y aura plus l'action, non? Ah ouais, elle va pas pouvoir Overwatch? Non. Ah, ça consomme ton action, ouais. Attends, non, là c'est pas le même mode de jeu. Là tu peux. Comment ça? Ça va être reset. Attends. Ah non, pardon. Non, ça va pas être reset. Non, je dis de la merde, t'as raison. Bon, je leur mets des petits drones partout pour les emmerder. Piu-piu, look at me. Cramé, ouais, bon. Moi, je vais avoir un problème de nourriture. Qu'est-ce que quoi? Il est à 0,2 points de vie. Envie de canner. J'ai envie de canner. Oh non. Oh, j'avais... Oh, je suis un bolos. Attendez. Si, c'est gagné. Les guerriers de feu héroïques. Ah, j'ai le soin en plus. Pew pew.
Ils l'ont eu. Oh là là. Let's go. C'est beau ça. Putain, c'est une petite victoire ça quand même. On a tué un seigneur. Le prince démon est toujours pas là. Hein. Au fait, le prince démon il s'est arrêté pour prendre un café. Il arrivera très 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 vite. Moi, je vois plus. Prendre une petite bière, le prince démon. Là. Tikawa là, il s'est arrêté sur la route. Bon, je pense qu'on va repousser cet assaut, mais en fait, le chaos, il a décidé. Déjà, ils prennent pas mes avant-postes. Ouais, l'IA, elle est aux fraises. Hein. Pff, c'est terrible. Hein. Là, j'ai plutôt comme un doute sur le fait que nous, on va réussir à push. Attends, il y a des tyranniques drones, ils s'appellent. J'ai une squad de drones qui s'appelle Une meilleure solution. D'accord. Une meilleure solution. Merci. Ah ouais, mais là on là, a. C'est, ah oui, c'est le spoil, là, c'est fou! Ouais, on a trouvé le nid de frelon là. Ah ouais, vous avez mis. Ah ouais, il y a tout le monde là. Ouais, là, ouais. C'est bonsoir. Ouais, ouais. Il y a des boîtes qui tuent, des Tempestus Science. Là, c'est du 4v4 là. T'as tout l'Imperium, tous les orcs et. La vache! La vache! J'ai beaucoup qui arrivent dans la forêt. Mes motos! Comment ça, t'as beaucoup qui arrivent dans la forêt? Là, sur ma droite. Tu veux dire toi qui arrive avec des troupes? Non. Ah, en face, il y a beaucoup qui arrivent. T'as pas une bonne nouvelle? Ah oui, oui, oui. Non mais ça, oui, on avait vu, ouais. Oh putain, il y a des équipes d'armes avec des mortiers. Ah non, lance-missile. MDR, j'ai plus de troupes. Lance-missile, ouais. Non, mais en fait, c'était joli, mais je vais partir, je crois. Mais Spectre Canoptect, c'est fragile ou ça va? C'est... Non, ça tank. Ça tank. Ah tiens donc, ça change ça. C'est nouveau ça. Ça tank et ça meule. Une unité de Nécon qui tank, c'est. Ah oui, non. Pas d'habitude, désolé. Je les chatouille. Hein. Oh putain. On refait zéro dégâts. On met tout. Hein. Avec un peu de chance, on arrivera peut-être à tuer dans 3 tours. Il y a peut-être un qui va se mettre à rire et il va être distrait. Oh, il lui reste quoi? Arnard, tu peux pas le finir? Non. Je vais laisser que dalle. Nice. Ouais, ça va. Il faudrait partir à côté parce que elles font du bien les Crysis là. Hein. Je t'avoue. Bon, on est presque là, Kevin. Ici 5 tours, ouais, on est là. On avance doucement, hein. Franchement, ah, nice. C'est. Ça fait plaisir. Tout. Ah là, il faut kill, kill, kill. Ah, mais le corps, je vois que t'arrives avec les dévastateurs, c'est déjà ça. Un jour, ouais. C'est bon, j'ai fumé ces guerriers, Nécron. Attends. Non, c'est toi qui les tue, ouais. Okay. Non, mais si, ça va, une fois que vous avez géré les Nécrons, il y a juste le prince démon derrière. Ah, ouais, super. Mais. Oh, 0-6, quoi. Oh la vache, les Nécrons, quel enfer. Oui. Heureusement que c'est des alliés. Hein. Ah, moi, j'aime bien quand on peut discuter avec les Nécrons. Là, je t'avoue que. C'est complexe cette game pour moi. T'as le Prima Tyrannide au milieu des Nécrons et des Space Marines là. Oui, ouais, j'ai à le 2 HP. Derrière, donc c'est bon. Attends, je le finis avec la ville. Peut-être. Mais alors que oh, peut-être. Elle a tellement d'unité quoi. Oh non, il a 2 HP, j'ai envie de crever. Je peux finir. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Parfait. Je vais désignateur laser lui. Bon, ça va, on a repoussé l'assaut Nécron. On a kill pas mal d'unités, hein. Il y a peut-être moyen qu'on puisse comeback. Ouais, il y a le seigneur démon qui est de retour. Oui, oui, ouais, oui. Tu oui, vois, les villes, ça sert de tremplin. Enfin, ça sert de tampon. Ouais, c'est pratique. Là, on s'est fait tamponner au début là par leur ville, donc. Ouais, c'est dès que tu t'approches, après, t'es là en mode. Bon, ok. Arrête, Après, t'inquiète, Rintis et Marmotte sont pas loin. J'arrive, hein, j'arrive. Vraiment, dans 10 tours, je pense qu'ils sont, là. Non, parce que là, il y a plus grand chose entre Marmotte et Rintis et vous. Il y a un couloir là, vous pouvez descendre. Par contre, descendez pas par le brouillard de guerre. Hein. Pensez à prendre le truc que j'ai ping juste à côté de l'armée de Ventis. Alors, Flogos et sans sous, on est tout. Ouais, je suis en train de finir. Attends, je peux te convertir les V-Speed là. Ah, mais trop tard.
Ah, les Vespid qui est à côté de mon. Ouais, ouais, qui est un... ah, à côté ouais, cool. de toi. Ouais, parce que je vais faire une B2 là. Pff, la B2 elle arrive tour 44, c'est trop long, mais bon. Un plaisir, les sœurs. Ah non, mais là, les sœurs elles vont nous bourrer. Il y a 4 unités dans la forêt. Non, mais là, surtout, il y a les tyrannides et les. Ah, mais il y a tout en fait, il y a des orques, il y a de tout. Ah, y a ils sont 4, hein. Il y a 4 unités. Ah. 4 factions, tu veux quel dire. Quel bordel. Pour ce temps, chez Eventis. Ah, ils viennent de me défoncer les rangers. Oh, il y a quand même pas Let's go. Allez, crève, saloperie. Hein. Bah alors. Oui, Mais alors, comment il parle, lui? Mais dis donc. Oh non. On n'a pas les couillasses. Quoi, comment ça? Non, non, c'est bon. Chez les couillasses. Mon capitaine, disons que... Oh, des patrouilleurs. Moi, je back un peu dans la forêt, hein. Oh, regarde à gauche, aussi, maf. Je me replie, ah. Bon courage. Oh, ils sont revenus. Des quoi, les méchants 07, Mais ils étaient contrôlés par les coucouilles. Ah non, c'est Skidari, oui. Oui, t'as eu de la chance, je les ai pas tués. Ils étaient contrôlés par les coucouilles, et maintenant, vu que les coucouilles sont mortes, et ben ils sont revenus à eux. Ils se sont réveillés ouais. Un lendemain de soirée. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé, là? Pourquoi ouais. Je suis tout gluant? Comme une odeur poisson. Je me souviens pas de ce qui s'est passé hier. Oh, une autre ville. En vrai, tu peux t'acheter celui-là. Je vois qu'il y a des questions sur ton chat, Alpha. Et oui, oui, l'IA triche. L'IA triche, c'est abusé. Pouah, un point de dégâts. Pouah, chouah, chouah. Je viens de trouver la deuxième ville du Necron. Ah, non, ah il a deux villes. Moi, je pense. Oh, le petit bâtard. Deux villes, à mon avis, il y a plus que ça. Ouais, il a dû s'étendre. Je suis en train de préparer des petits buffs ouais. Pour mes packs de rangers. Ça va commencer à faire très mal. Mais après tout, le Necron, il n'avait que deux joueurs sur lui. Donc, après tout, rien qui pouvait l'empêcher de s'étendre. Non. On parle même pas de menace à ce niveau-là. Non, clairement pas, non. Oh, il va pas mourir à 0. T'as de quoi tirer sur les sur les immortels là-haut ou pas? Non. J'ai tiré avec tout ce que j'avais. Bon après c'est des immortels, hein, c'est une troupe de base. Ouais ouais c'est ouais. Sûr, c'est sûr. Parce qu'après je descendrai sinon avec le Prima pour aller chercher le Seigneur Destroyer, mais... Le Seigneur Destroyer, on va pas le tomber et comme ça. Il peut y avoir ouais, tellement d'explications possibles. Ah attends. Si, je peux tirer sur les immortels. Ah bah oui. Mais... avec des drones, hein, donc bah bon oui, voilà quoi. Ah merde. Bah c'est dommage, c'est... Bah c'est pas grave, je leur ai mis un petit malus. Oh no, cringe. Ouais, bon. Qu'est-ce que j'ai pu... En priant pour qu'ils focusent mes drones comme des teuteux. Alors, ce qui serait parfait, c'est que le Seigneur Destroyer tape les drones, les tue pas, et ensuite le Prince Démon gaspille son attaque cheatée sur les drones. Voilà. Dans le pire des cas, il descend, il détruit mes Crisis en bas. Dans le meilleur des cas, il tue des drones déjà endommagés. Là, on est bien. Je ramène le Prima. Il peut pas avec la falaise, non peut-être. Bah, c'est comme tu le sens, mais vas-y, il va prendre cher. Hein, le Prime. Ah oui, oui. Ça fait quoi un Tyrannide Prime, en gros? Ça tape or, très fort. Abonnez-vous surtout. Oui, le Prime, hein. Le Tyrannide. Tu veux savoir quoi? Le Tyrannide Prime. Je sais que j'ai plus de bouffe, mais j'ai un bâtiment de bouffe qui arrive. Merci pour le Tyrannide Prime. Merci à tous, merci beaucoup pour le Prime. Le Tyrannus. Le Tyrannus, c'est l'autre nom des escouades de compensateurs Space Marines. Ah mais tu voulais savoir quoi? Qu'est-ce qu'il fait Non mais voilà, c'est quoi son petit nom? C'est quoi, c'est quoi ses passions dans la vie globalement, c'est quoi son deal à lui, tu vois? Sans se foutre de lire les technologies. On sent qu'il est pas, il sait pas trop s'il veut tirer avec un flingue ou taper avec des épées, il tape, quoi. Il tape au corps à corps, il réduit ses dégâts au corps à corps. Quand il a déjà pris des dégâts, il est réduit après. Et pourquoi il pas il les deux fort. C'est vraiment, tu préfères te battre au corps à corps ou à distance? Oui. Oui, voilà. Oui. Non, non, corps à corps, là. C'est le héros. Voilà, le combattant à 1v1, quoi.
Je crois que ça va être un personnage qu'on va adorer affronter dans Space Marine 2 vu la bande annonce. Ah oui. Voilà ce genre de. Voilà, là, là, il pousse, hein, il pousse là. Ouais. Non, mais ça t'inquiète avec mes deux marines. Sont, Ah, on a perdu, on a perdu Alpha. Alpha, Alt F4. Il en avait marre. Hein. Mais en même temps, je comprends. Hein. Il est encore connecté au jeu. Non, c'est chez. Non, non, son stream est F aussi. Ah, bah voilà. Ah. Il a pas aimé l'explication de, du Prima. C'est, non, c'est... je pense que c'est la, je pense que c'est la blague du Tyrannus. Il est parti là. Mais c'est ça, la pédale Elgato qu'il a sous son bureau, en fait, il l'a configuré comme ça pour couper la connexion quand il en a marre de jouer à un jeu mais qu'il a pas envie de le dire. Oh, coupure. Oh, bah non, oh, internet. Oh non. Ah, on a des couilles, Marmot, faut gérer les couilles. Mais du coup, qui c'est qui le joue là, faire exploser. Hein? Je comprends pas pourquoi ces unités elles bougent à le front. C'est l'IA qui joue là? Il y a une IA qui a. Non, c'est juste qu'il doit être sur, il doit être sur son PC de jeu. Ah! Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, mais j'ai toujours pas fait ça moi. Ah bah du coup les gens qui arrivent chez moi, bonsoir, Alpha ne stream plus ce soir, installez-vous, claquez votre prime. N'hésitez pas à rester chez moi. Claquez votre Tyrannus Prime. Lâchez le Tyrannus Prime, y'a pas de soucis. Lâchez votre Tyrannus Prime ici, pour les pas là-bas. Ah c'est beau. C'est l'exoto, ils sont là, nous n'avons pas de stream, nous n'avons pas d'endroit où rester. Maître. Nous avons une connexion assurée par l'Imperium, ici on fait les choses correctement. Nous c'est vieux mais au moins ça fonctionne quoi. User joined your channel. Heureux. Heureux. Ah. Ah. Il est là lui. J'ai eu un petit crash. Ah la technologie tout. Ah hein. C'est juste un crash. Ouais non mais je suis là. Non, en gros mon PC de stream a crash mais mon PC de jeu a pas crash. Donc I'm still in the game. Trop tard, bouger, je les garde. Mais pas. Pourquoi? Ok. De quoi de qu'est-ce qui t'a. Je comprends rien, hein, vous parlez de quoi là? Non, je faisais juste l'idiot quand t'es parti en disant, parce qu'il y a des gens qui venaient de poser la question chez moi pour savoir pourquoi t'étais down, alors je disais, ils sont chez moi et ils y restent. Oula, Space Marines du Chaos là, ils font pas du bien eux. Y'a pas grand chose qui fait du bien pour le moment, j'avoue, sur la main. Non. Ah, c'est compliqué, ouais. Ah non! Quoi? Oh, bah, non, mais c'est pas grave. Pardon? Non, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, on avait pas envie de gagner de toute façon, non? La reconstitution des troupes, c'est tellement long. Faut vraiment les mettre dans une ville, sinon ça marche pas. Hein. Il a 10 HP le. Je peux pas. Le en fait, moins 5 PV. Oh là là, il a trop de points de vie. Hein. Ah, je vois que Eventis est en train d'arriver à la rescousse. Avec des unités qui vont mourir en un tour. Ouais, beaucoup, ouais, j'arrive, enfin c'est... Top Gun. Il va traverser toute la map pour se faire wipe en un tour. Mais à mon avis. Ah oui, non, mais je plaisante à moitié. Bah, je suis en manque de bouffe. Vraiment, j'ai pas fait ma B2. T'as pas fait ta B2? Le son est un peu fort. En fait, j'avais pas assez d'influence. Ah oui, il y a 10 FPS. Il y a 10 FPS parce qu'évidemment, faut que je relance le truc à le gâteau. J'ai pas pu faire ma B2 parce qu'il fallait que je prod un maximum d'unités, donc pas de bouffe, donc derrière j'étais là en mode au secours. Mais c'est pas grave, bon. En vrai ça tient pour l'instant. J'avoue que j'ai assez bien priorisé pour le développement. J'ai assez bien priorisé pour du développement justement de ressources et tout, et je suis assez confort pour l'instant. Ouais, vous avez un tyran des ruches qui arrive là. Où ça? Ah ouais. On va au sud de MAF. Ah ouais. Bah il bombarde de MAF. Ah. Oh ouais. Non, mais Skitari que je viens de récupérer. Ça par contre c'est très très fort le déruchelé. Oh non. Ah. Hésite pas à rentrer dans ma ville si jamais avec tes unités qui sont endommagées.
Vais-je perdre mes crises? Oui, c'est la question, mesdames et messieurs. Possibilité de vous revoir sur du Dawn of War en 2023. Oh oui, on va refaire du Dawn of War bientôt. Vas-y, la joue là. Non. C'est oui, bon. C'est vrai qu'on avait oui, reparlé bon. De faire du Dawn of War aussi. Allez. Ah oui, oui. T'as des gages. Ah oui, oui, petit Dawn of War. Ah ouais, ouais, ouais. Dawn of War 3, Event is Dawn of War 3. Let's go, le prince démon est down. Pardon. Ça va, Eventis. J'ai fat finger sur le mauvais bouton, pardon. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Et c'est toi. Hein. Ok. Ça va oui, pour toi, Sansou, ça a l'air bien se passer dans la forêt. Voilà. Ok. Ouais, il faut que ça arrive vite là quand même, la bouffe. J'ai un peu faim, mon perso, j'ai un peu faim moi là. Allez, vas-y là, le bâtiment de prod. Donc c'est le tyran des ruches. Ouais, 35 PV. Ah, 8 d'armure, oh là là. Il a même pas pris un seul point de dégâts, le seigneur destroyer. Let's go! Tout se passe bien. Ah, les gun drones, ça devient vite useless quand même. Hein. Je pense je vais rechercher les marqueurs drones. Merci Melkor. Cette petite forteresse. J'aurais dû me mettre en jaune en fait, en couleur, vu la partie. Ça aurait été thématique au moins. Oula, la bébé. C'est Imperial Fist. Ah, vas-y, reste là. Oui, par contre, n'avance plus. On va essayer d'établir une ligne de défense ici le temps que j'ai des troupes qui reviennent parce que j'en ai. C'était prévu, mais là je voulais essayer de buter les boîtes qui tuent, Max. J'en ai qui arrivent là, mais. C'est chaud. Ouais, un peu, ouais. Bon, la ville Xnécron, là, je sais pas, je nous sens en bonne posture là. Bah, je le sens bien. Je m'avance le plus possible en fait et je vais commencer la focus. Hein. Ouais, t'as raison. Et c'est ça bien, hein. Si vous tombez, il y a toute la technologie qui tombe dedans. Chut. Il pourra rien reconstruire. Ouais, c'est pour ça. Ouais. J'ai du soin en plus en soutien. La base. T'as vu Furgot là qu'il y a la deuxième apparition. Il y a des Nécrons qui arrivent vers chez toi là. Des prétoriens là-haut là ? Non, des Nécrons. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, pardon. Ok. Je crois que c'est une invocation. Bah écoute, pour l'instant, ouais, je sais pas trop. Je vais... Ah ouais, je vais rester là, hein. Je vais poster mes orques ici et essayer d'interrompre... Ouais. Du coup, ça se passe contre les Sistas Non. D'accord. Non. Non, bah, mais disons qu'il n'y a pas que des Sistas, quoi. Non mais disons qu'il avait de belles unités dans une jolie forêt chez le Sansou et malheureusement bah la forêt est toujours là. Enfin, y a des bâtiments chez les Eldar, on dirait les mêmes que dans Dawn of War et je sais pas si c'est des designs qui ont été avant enfin créés pour Dawn of War ou si c'est des designs qui existent dans Games. Le portail sur. Il y a les portes warp de Dawn of War, le générateur à plasma. Par contre un écho chez toi Arnar. Ouais. T'as un écho chez toi? Ah, attends, juste un instant. Il a remis j'entends pas, j'ai un écho! Hein? Qu'est-ce que hein tu dis? Hein? Mais non, je pense que ça, c'est des designs qui ont été faits pour Dawn of War, le premier jeu. Après, c'est la figurine de portail Eldar. Mais les petits bâtiments dans la ville, tu vois, genre les générateurs, les portails warp, les petits portails warp, tu sais. Ah oui, c'est vraiment les mêmes que dans Dawn of War, même le truc des véhicules, les bâtiments oui, de véhicules. Tout à fait. Bon, le jeu incroyable. Mais je pense que c'est le design Dawn of War. Il y a Sansou qui manque à l'appel. Putain. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. J'ai fait sauter la ville, mais pas finir tôt. Aïe aïe aïe, le petit guerrier de feu, il meurt. Oh, les tyrannides là, les guerriers de tyrannides, ils ont pas aimé. Ouais. Non. Oh là ah, mais ils vont mourir. Même. Oh! Il y a une Space Marine du Chaos qui arrive derrière. Ici, il y a un Mekara qui est encore derrière. Et pas. Ah, il y a les petites Crysis qui commencent à arriver là, je vois. Ouais, j'en ai un paquet là. Ouais, on en a perdu quelques-unes aussi. Oui, bah ça va. Ouais, sois pas des objets là. Bon, on fait ce qu'on peut.
Oh t'inquiète, j'en ai perdu, j'ai perdu mon lot de marines ceci. T'appelles pas Henri Lecomte. Ouais. Non mais ouais. 8 tours. Oh. Ah c'est tout. Si t'as moyen de buter la dernière petite Zéphirie en débarquant tes troupes juste derrière. Enfin t'es de ma ville. Comment je fais? Alors tu cliques sur ma ville. Attends, je peux les débarquer moi-même ou... Attends, je tente un truc. Non, ok, tu cliques sur ma ville. Bon. T'as trouvé? Je crois que j'ai trouvé. Non mais Maf, voilà. On a pas ce qu'il faut, on est d'accord. Vas-y là, un HP, mais c'est bon quoi. Merci monsieur. Comment ça on a pas ce qu'il faut? Ah merci pour les... Ah oui, pour résister là, pour tenir. Ah oui, là il y a je quand même beaucoup si de trucs qui arrivent. Genre là, si. Ouais, si. J'ai pas très envie de perdre mes troupes. Non, vas-y, back. On recule. Il faut qu'on se regroupe. T'as des troupes qui arrivent là? Ah, j'ai plus de nourriture! Je crois que le capitaine il est mort là, à mon avis. Non, mais recule. En plus, t'as un bon moins 9 sur ta nourriture. Il va falloir quelques bâtiments pour rattraper ça. J'ai pas envie de perdre toutes mes troupes là, parce que c'est ce que j'arrive pas à faire moi, c'est blober des troupes pour essayer d'être un peu efficace. Donc là, il faut. Faut que j'y arrive là. Recule. Tu veux plus reculer? Non, c'est bon, j'ai fait mes actions. Au revoir, capitaine. Non, mais moi je tiens le terrain pour que d'autres puissent vivre à l'autre jour. Regarde comme ils sont bien placés, tes dévastateurs là, avec les canons laser sur la colline. Ah bah oui. Ah nice. Jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Bon, on est bien là, quand on fume les nécrons là. C'est pas mal. On fait comment quand on est en négatif de nourriture? T'as moins d'unité. En fait, ah ouais, oui, c'est que t'as beaucoup d'infanterie. Soit t'as moins d'unité, soit effectivement bah, tu fais plus de fermes. D'accord. Parce que c'est. En fait, c'est non, mais ça, là j'ai une ferme qui arrive, hein, mais c'est juste ah, que c'est mais long, attends, quoi. Y a... En fait, tes Crysis ça consomme 3 de nourriture. Mais oui, c'est beaucoup. En maintenance, c'est 3. Ouais, c'est beaucoup. Alors après, sur le moment, c'est pas dramatique, c'est juste. En fait, c'est 1,5 des guerriers de feu et puis c'est 10 fois plus merdique, donc bon. Oui, effectivement, le jeu est pas ultra punitif là-dessus non plus. Tant que t'as du stock de bouffe, t'auras pas de problème en fait. La musique, y'a un souci avec la musique de bouffe. Hein? Mais mes unités vont pas mourir là en gros, c'est juste que je peux non. plus en ah faire. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as pas vraiment de punition, t'as pas de l'attrition quoi. Merci Phil, je ferai une sentinelle pour les 19. Oh, le capitaine de Melkor, bah alors? Ah bah. Il a fait prout. Ah ouais, il a pris un petit lance missile dans les dents, il a essayé de l'arrêter et. Il était en mode I am Katosikaris! Il est mort en It is I, Katosikaris! Non mais c'est pour ça que je l'ai laissé là, j'en avais marre, puis il me cassait les oreilles. C'est un Space Marine ou Mickey? Et tu regardes pas If the Emperor had a text-to-speech device? J'ai pas tout regardé, j'ai regardé un petit peu mais pas tout. Bah c'est un perso, c'est Kato Sicarius, dedans il a cette voix. Il est insupportable parce que I am perfect. Il est tout le temps parfait, tout ce qu'il fait c'est incroyable, il est insupportable. Maf, le pique-nique il tourne mal, il y a des guêpes qui me chassent le cul. Ah oui, j'ai vu ça. This is fine. D'où elles viennent? Oh, elles vont se balader je pense. On casse couille hein. Non mais déjà on est assez embêté comme ça là. Bientôt le Seigneur Destroyer il prend rien, ça rend dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est insup, hein. Putain, enfer quoi. T'as rien d'autre qui peut lui tirer dessus hein? Non, rien du tout. Bientôt les balistaries de mon côté. Ah, ça va faire plaisir ça. Ma prod d'unité s'est arrêtée temporairement. Ah, je suis à moins 1 de bouffe moi, c'est super. Oh merde, il y a des machins derrière. Des machins? Des trucs et des bidules. Putain, c'est fort les trucs et bidules, ouais. Faut faire gaffe. Un peu trop, ouais. Ah ouais, c'est fort. Attends. L'or qui sait de quoi tu parles. Bah oui. Il a tout compris du premier coup. T'as des trucs bidules. T'as des trucs forts. Tard, moi j'ai que les machins. Bon, le moment j'ai que des machins. Eh, partage. J'espère avoir des trucs bidules la prochaine fois.
partage, Il moque les choses aussi. Tu sais, c'est les spécialistes, ils démontent un cœur thermonucléaire et là, ouais, je le branche où le machin. Bon, as-tu le truc? Oh ouais, ça marche. Très belle, très belle imitation, vraiment. Là, je vous critiquais, mais... Bravo. En attendant, ils ont inventé le voyage dans le Loir. Hein. Exactement, exactement. Ah, les taux aussi, hein. Ouais, ils ont pas fait exprès, eux, non plus. Hein? C'est quoi le warp? Connais pas. Connais pas, non hein. Franchement, le cas où il est au-dessus, il est et le warp. Non, j'ai perdu une crisis! Vas-y, mais le Seigneur Destroyer, il est insupportable, hein. C'est bon, quoi. Vous avez pas de PA dessus? Hein? Aïe! Je sais pas, mais il est level 6, là. Réduction des dégâts par armure, 60%. Réducto. Eh ouais, bah ouais. Ma voiture! Ah là, faut des gros missiles dans sa bouche. Il m'a volé ma voiture. Prends ma voiture. Bon, il a 12 HP là, on va le tuer quand même. Je lui mets 7 déjà. Bon, là par contre, Melkor, on peut réattendre à cet endroit-là pour faire un gros tir d'état on d'alerte tue, si jamais il y a quelque chose qui s'approche. Oh, il a un HP, j'ai regardé. Bon, la ville, je suis avec mon David Fish. Je peux le taper. Mais de toute façon, je vais me mettre en bordure de ville. Ah, ouais, la suite. Si tu veux. Oui, mais bon, l'instant, je me place derrière toi, je puis prendre les coups. Ah, j'ai de quoi soigner en plus. Allez, let's go. Là, ça va aller là. Allez, mieux là. Oh, tu commences à prendre des destroyers, c'est bien ça. Oh, est-ce que je l'ai mis? Ouais, il est temps. Oui, Balistari qui arrive. Je galère trop en loyaux, j'ai mis trop de temps à sortir mes seigneurs. Ah non, mais moi aussi c'est la merde, allez, vas-y. Voilà, maintenant je réduis l'armure autour de moi. J'ai un bâtiment de prod de bâtiments qui sont en train d'être construits, ça prend 10 ans. J'ai voulu faire B2, B3 rapidement, erreur. J'ai fait B3 mais elles sont pas safe, bah, c'est le problème. Faut vite passer les tours où on n'a pas grand chose à faire. Hein. Oui, c'est ça, moi mes tours actuellement c'est passé. Ah, moi ça fait 20 tours que c'est passé. Kip. Bah, ouais, moi je fais de la bouffe. Hein. T'as pu bien te refaire, n'empêche Alpha, quand je vois l'armée que t'as. Oui, ça va, je me suis refait, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Ah. Bah, ça, c'est pas grave. Vite, là tu peux lancer une petite contrat, quoi. Et ça va bien, avec les Crysis, t'arrives à amocher le bâtiment ennemi ou c'est pas top? Bah, il a beaucoup de points de vie, hein. Ouais. Mais il y a aussi Furgos qui tape dessus, donc c'est bien. Non, mais il va tomber là, je pense que les Nécrons ils sont dans la merde là. Hein. Ouais. Ah, il a un mec Arachnid, il va B2 pour l'intercepter, les Wilsons là. Ah, c'est le mec Arachnid. Ah, bah, c'est trop tard, il est dessus là. Comment ça B3? Il a deux bases le Nécron? B5 au moins. Oh, vas-y là! Mais vas-y! Je pensais pas qu'il avait B2! Quel gamin! Là, t'es en train d'attaquer sa B1, donc c'est la plus importante. Oui, mais bon, oui, c'est là qu'il y a la techno. C'est ça qui allait nous foutre la paix. C'est là qu'il y a la prod, surtout. Merci MCC. Ah ouais, ça va quand même faire un petit coup d'arrêt, hein, donc c'est déjà ça. Via open up, j'avais pas vu l'unité. Ah, c'est le Devilfish. Enfin, oui, évidemment. C'est la base. Open up! Ah, parce que regarde derrière Eventis, tu vas voir sa deuxième base. Quoi? L'armée d'Eventis. Oh, y'a rien dedans. Alors, comment ils vont... Ah ouais, ils aiment pas les Crysis, les Marines du Chaos. Putain, comme je les ai séchés. Ah oui. Ah bonjour. Oh, c'est rigolo, hein. Alors, on s'amuse, hein. Corruption. Par mode, il fume des portails. Bon bah, je focus la ville, hein. Ouais, t'as raison, je fais de même. Ah, ça y est, je produis plus assez de bouffe non plus. Ibiart. Je crois que je peux réduire la... Attends, je sais pas si je peux faire ça. C'est vrai que je peux réduire l'armure maintenant. Du coup, alors, la mécha arachnide, c'est quoi? C'est une menace? Soit royal, c'est de la saloperie. En fait, tout ce qui est Nécron est une menace. Oui. Bah, en fait, ça peut potentiellement faire une autre base, donc c'est relou, quoi. Et on lui fait super mal. Là, la vie, elle prend très cher. Hein. On va bientôt down le Nécron, là. Ah.
Bah là, j'ai des bonnes nouvelles pour te donner un truc. Genre, la ville, là, Nécron, qui est niveau 6, n'a que 6 d'armure, la Mécaracnide a 8 d'armure. Donc là, je fais quoi? J'envoie mon armée sur la ville ou. Bah, regarde, si t'as de la PA, enfin, si t'as de la PA, tu peux défoncer la Mécaracnide, mais si t'as pas de PA, t'arriveras jamais à lui faire assez de dégâts. Dans le doute, je vais quand même aller là... je vais quand même aller dessus. Dans le doute, taper. Ouais. Bon. Oh, ça va. Ça va. Si, ça va, hein. Oh, si, ça va. Ouais. Attends. Fort, hein. Oui. Ah, oui. Mais pas beaucoup de PV, en fait, non? Ouais, oui, 22 PV, en fait. Avec les Warthog là. Ouais, moyen que tu l'aies là. Les petits Warthog. Ah, le petit Warthog. C'est quoi le Bizarre Boy? Il fait quoi lui? D'accord. Et un petit coup de. Le clé à molette. Allez, des coups de taser. Allez, tu vas l'avoir. Non. Dommage. Où c'est qu'on se bat? C'est con, c'est ça. Pas mal, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà. Et là. Et là, elle pose une ville directe. Une ville, là. Non, je sais pas. Ah, ça va être très drôle. La Sainte-Célestine. Ah, vous avez Sainte-Célestine en face maintenant? Non, Marmotte. Mais nous, peut-être aussi, hein, mais. Attends, Marmotte, il est où déjà? Ok, ah, je choisis une recherche. Je suis en train de changer le nom. Eh non, mais en fait, là, je regardais les unités d'événement. Ah, il y a Il y a Montpellier. Sonpellier, Leurpellier. Ah oui, elle est là, Sainte-Célestine, avec ses petits. Putain, elle a ses goélands avec elle qui lui chie dessus. Non, mais vraiment, elle a des petits oiseaux qui sont au-dessus d'elle, ça me fume. Elle est là, mais putain, mais foutez-moi la paix, insupportable. Je suis allé en Bretagne une fois, maintenant j'ai des goélands qui me suivent partout, quoi. C'est bon, j'ai mangé une gaufre sur la plage une fois, foutez-moi la paix. Elle est partie! Elle est F, 100%, elle fait une ville. Non, elle fait pas de ville, vous avez de la. Non, mais ça se trouve, elle va poser la ville. Si, non, mais là, c'est un truc. Oh là là, la régène. Si, c'est ça. Des un crime tech. Construire sur des cases spécifiques. La case où t'as les trucs verts terre, c'est la seule et unique case où elle peut faire une ville. Ah ouais? Attends, le crime tech, c'est dangereux ça? C'est chiant, ouais. Non, c'est un buffer healer. Ok. Ça va heal les mechas. C'est no more. Mais attends, mais là, l'ennemi il a arrêté de pousser là. C'est nous, maf. Oui, tu veux avancer? Non, j'ai rien pour avancer, j'ai que deux dévastateurs. Hein. Bah, moi je commence à avoir un petit peu de monde. À nous deux, on devrait peut-être essayer d'avancer en fait. J'ai du soin en plus. Je vais vous apporter des destroyers et t'aider un peu. Oh, le plus 1 de PA. Ouh là là. Honnêtement. Bon, la Mécaracnide est morte. Honnêtement, là en termes de dégâts sur les Rangers, je vais commencer à avoir des trucs cool. Ah, c'est bien, le flanc gauche, il se démerde bien, il n'y a que à tenir le flanc droit. Ouais, mais par contre, ils sont en train de se préparer avec des armées de ouf en face, hein. Ça tu peux en être sûr. Ah oui. Bah après, là, moi j'ai mes bâtiments, de prod de bâtiments qui se finissent, donc je vais pouvoir commencer à bien m'améliorer. Plus que 22 PV, leur base à la con, là. J'ai pas plus que 19. Ah, plus de cryptech, ça dégage. Allez. Plus que 9 PV. Allez. On peut pas la down ce tour-ci, c'est sûr. Je crois pas, hein. Bon, ça débecte, hein. Non, ah, vous y êtes presque. Ouais. Prochain tour, vous y êtes. Ouais. Ah, je suis encore en déj de nourriture, moi. C'est bon, ils ont faim. Il faut manger. On peut pas. Il faut se forcer. Ouais, je vais acheter de la science. Pratique d'acheter de la science. Mec, il achète de la science, quoi. Ouais, j'ai chez les tous comme ça. Ouais, allez, vite là, développer la bombe nucléaire là. Là. Plus vite que ça. C'est long là. C'est des colombes avec Sainte-Célestine. Ah oui, bah. Non, c'est des moitiés partout. C'est des piafs, quoi. Elle est forte, Sainte-Céleste. Ah, mais elle a que 11 HP, mais c'est merdique. Non, elle a 11 d'armure, dont une vulnérable. Intouchable. Oh putain. Non, mais je vois qu'elle a 11 points de vie là. Oui, mais elle a, oui, mais elle a intouchable. Elle a 11 d'armure, elle a de la vulnérable sur les points de dégâts et elle ressuscite quand elle meurt. 11 d'armure, quand tu regardes, c'est 83,3% de réduction des dégâts. Il y avait des petits détails après l'encontre. 11 d'armure, aussi, mais elle ressuscite quand elle meurt. Ah oui, c'est embêtant là, ça. Tu te dis, un QC, c'est 3 PV, c'est facile à tomber. Oui. Bah c'est comme en gros là. Bah c'est pour un hammerhead, ça va, hein.
Ah mais j'ai toujours pas croisé en plus Célestine sur table de jeu. Oh, ça non je l'ai pas croisé, elle revient c'est ça, c'est Jésus. Ouais. Attends, en gros il peut revenir aussi apparemment. Ah, c'est un héros de quel tiers? Apparemment en gros tu peux le tuer mais il peut, le joueur World Eater peut le ressusciter. Allez, okay. Tant que ça cesse là, bullshit des nécrons. Ouais, salut, ça dégage. Moi je te suis. Oh, quel plaisir. Oh. Ça y est, on a fumé la B1 des nécrons. Ouf. GG. On respire. Vraiment, je peux pas aller chercher les. Celle de crâne a fourni bénédiction sanguine. Qu'est-ce que c'est? C'est un des avant-postes. Et 10 tours en fait, ça te donne un buff. Donc là, c'est plus 17% d'attaque. Pour l'unité qui va dessus. Oh. Ah, il faut finir de clean les petites unités. Bah, j'aimerais bien aller chercher les prétoriens, mais j'ai pas la porte avec le. Tant pis. Je vais faire ça, mais. Vous avez des armées en fait, Sansou et. Ah. Ouais, j'ai deux destroyers et un seigneur. J'ai une unité de moto. Ah ouais. Est-ce que éventuellement vous pouvez venir envoyer ce que vous avez là pour nous appuyer? Il faut finir le nécron. Où il y a Kabim là. Attends, tu veux qu'on envoie où? Bah, tu veux qu'ils envoient à quoi déjà? J'ai pas. Eventis en tout cas, poutre le nécron au nord de toi. Moi je suis là. Hein. J'arrive. Je suis sur un problème de frelons là. T'as une tête de guerrier dans ma. Ouais, j'avoue, les frelons, mais il y en a tellement en plus. Mais parce que, en fait, j'ai tué le ver. Tuant le ver, il y a des insectes qui sont sortis. What? D'accord. Ah bon? Ok. Ah. On sait que c'était que quand les abeilles les tuaient eux, mais non. Non. Bizarre. Ah ouais? Ça a l'air sympa. Oh, quel enfer. Non, en fait, dès que ça meurt. En fait, elles doivent mettre un debuff à une unité et quand l'unité crève, t'as des abeilles qui sortent. Oh là là, bah oui, elle pompe dedans quoi. C'est bizarre. Ça dégoûte. Et chacun ses trucs hein. C'est dégueulasse. Ouais, c'est le dernier qui est là. Il coulait quelqu'un de ses trucs. C'est dégueulasse. Il pas le problème. En tant que futur Jet Sealer, ça m'a je vais essayer de prendre un héros dès que je peux. Et j'aime cette idée. Mais attendez, parce que là, moi, j'ai pas de commandant qui augmente la loyauté hein, en taux là. Bah dans ce cas tu dois avoir des bâtiments qui le font. Bah non. Bah c'est dans tes recherches. Regarde dans tes recherches. C'est un bâtiment ou c'est un drapeau? Bah totem... Ah oui, totem tone. Merde. Cette connerie là. Okay. Ah oui c'est une technologie en fait. D'accord. On commence à avancer un petit peu Melkor pour voir. C'est marrant parce que Alpha t'as vraiment genre... Avancer avec les trucs d'assaut. Bah, t'as la même game que ma dernière. Problème électrique, ah ouais. Into problème de loyauté. C'est l'enfer. En fait, tu peux vite te snowball, mais aussi à l'inverse, j'ai l'impression. Et après, ça devient vite pour, snowball de merde. Voilà, c'est ça. Super. Un torrent de fiasse, j'adore. T'as Eventis, il a pris tellement d'avant-poste. Vas-y. Et encore, il y en a un que t'as lâché. C'est surtout qu'un scorpion m'a volé. Ah merde. En arrière, c'est chiant. Solo. Allez, let's go. Oh bah voilà. C'est super, les gars. Mais voilà. Ah bah c'est sniper, ouais. Mais là, mec, on stack les buffs et puis on tire. Pardon. Tu stack les buffs pendant chaos, 10 là. Minutes et puis tu tires. Et là, ça pique. Mais dans un champ, tu cries. C'est ça. Et t'as vu les dégâts que ça fait, hein. Attention, derrière vous, il y a des dégâts. Tu l'as fait boule de merde. Oh, il y a un mec qui a fait une conversion. Ah, le premier héros en Skaven 44. Trop stylé. La drogue a pris tellement fort déjà dans son esprit que pendant qu'il joue à Gladius, il regarde. C'est beau. Insane. C'est magnifique. Je suis fier de lui. Désolé. Ah bon, ça me touche. Je crois que personne ici ne va t'en vouloir. Manger. Des prétoriens. Je peux pas. Où est-ce que je lui ai mis? Bon, tu l'as défoncé. Ah ouais.
Ah oui, quand ça commence à pex un petit peu le... C'est vraiment fort. Ah, l'incubation de masse, je vais pouvoir invoquer en masse. Ouais, il me faut un sabre de feu. C'est le sabre de feu qui augmente la loyauté apparemment, mais c'est un spell. C'est un skill. On avance, Melkor ? Ouais, je vais essayer vers le sanctuaire des trois nés. Petite B3 là, ce serait bien. On peut avancer, hein, on peut avancer. Alors j'avance un petit peu. Je te laisse passer devant. Quand commence ça ? Non, ah mais... comprends bien ce qui t'arrive, c'est quand même plus facile à remplacer. Dans cette couleur, les taux ils sont vraiment couleur Farsight. Il suffit de quelques pièces détachées là, c'est ça ? C'est ça. T'es au pire, tu prends un humain, tu fous 2-3 guns dessus, c'est bon quoi. C'est pas faux. Ouais, ok, là on peut avancer, on peut y aller. Hein. On peut y aller. Regarde, je prends même du risque. Allez. Bah en plus t'as l'Overwatch là. Ah oui. Bon, là s'il y a un truc qui s'avance vers nous, il meurt. Et en même temps je m'occupe de faire le socle de mon dreadnought, parfait. les pigments. Dégage là. Bah oui, non, mais en fait tu m'as redonné envie de retoucher au socle avec mes pigments là donc Oh, c'est tellement bien. Et par contre en fait je pense que je vais changer comment je vernis. Maintenant je vais vernir avec du mat sur le socle et du satin sur l'armure. Pour que l'effet pigment reste sur le avec le vernis mat. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Insane. Balistari! Pourquoi ils peuvent pas aller là, eux? Quoi ce bordel? N'empêche, là on a des motos. Arrive. Ouais, non, mais ouais, tu vois, là il y a des motos, c'est bien, c'est joli, c'est beau. Mais quand même, je préférerais voir des seigneurs fantômes. Ça arrive. Ah, j'aime. Je travaille. Bon, allez, je vais scouter. Ah oui! Très bon scout. Je vais faire demi-tour maintenant. Oh ah, c'est un skill qui chope à partir de niveau 6. Du coup, c'est pas du tout pour maintenant. Super. Ouais, c'est comme j'ai mon otard, son level 6, et il double la prod des avant-postes que j'ai capturés. Ah ouais? Ah, mais les avant-postes. Mais tu vois, genre par exemple, un truc, c'est genre ça prod 2 d'énergie. C'est. D'accord. C'est sympa, mais ça fait pas non plus tout pour un level 6. C'est pas mal quand même. Oui, bah, la loyauté c'est bien aussi. Oui, c'est vrai. Du coup, vous commencez à taper le Necron. Oh, il a pris cher déjà. La Sista là. Sainte Célestine, elle lui apprend la vie là, c'est ça? C'est ça, exactement. Ayez foi en la lumière, tout ça. Ayez foi en la lumière. Bon, nous on progresse bien. Tout ce qui est véhicule, ça craint pas les barbelés, hein, on est d'accord, non? Tout ce qui vole. Ah, les véhicules prennent aussi. Hein. Il me semble. Non, je passe avec les voitures, je peux F4 dedans. Ah non. Ouais, je regarde. Non, a priori, ils vont prendre hein, tes. Tes bestioles. Bah écoute, je sais pas, je verrai. De toute façon, je peux le soigner au pire. Comme ça, on verra. Bon, j'ai mes chars qui arrivent aussi dans quelques tours. Eldrake. Ah. Oh là, Eldrake, ça rigole pas, ça. Ça, ah. C'est fort. Donc ça, c'est un des trucs que Vashtor y produit? Non, on le fait déjà, matin. C'est depuis longtemps, on a le... Oui, mais c'est Vashtor qui s'occupe oui, de toutes les forges oui, de démons. Les forges démons, oui, ils gèrent ça, oui. Ouais. Je sais, mes motos.
C'est quoi? On appelle les taux? Ça fait deux fois que vous motos. Faites ça, mes rangers, les motos. Mes motos. Du moment que c'est pas mes marines, c'est bon, c'est vrai. Avec 42 PV, 8 d'armure, le Eldric. Ah d'accord. Bon, t'as vu ce qui arrive là, Melkor? La mort? Oui. La mort. Yeah. Mais là, faut mettre la max, quoi. Ah! Bonjour! Putain, mes destroyers, ils ont pris clair. Ah, ils sont morts, mes marines. Hein. Comment ça, ils sont morts? Ah non, mais ils vont pas survivre. Mais c'est une petite chouette, chanoinaise de rien du tout. Ouais, ouais. Attention aussi à toi, Balistari, il y a des rétributeurs dans la ville, le sanctuaire des trônés. Ça a du multifuseur, sa mère. Je crois que c'est quand même mieux quand il y a moins de villes nécrons là au milieu. Là. Ouais, hein, ça gêne beaucoup. Hein. Ça gêne beaucoup. c'est gênant, c'est chiant, c'est pénible. Okay. Bon, moi je vais avoir bientôt. Non, non, mais pas les vôtres, alliés. Plus il y a des vôtres, plus on aime. Ouais, mais c'est-à-dire les autres dynasties qui ne partagent pas votre finesse. Hey, j'ai checké une vidéo de lore sur Thrazine, le meilleur personnage. Thrazine The Infinite, il est incroyable, il est trop marrant, quoi. C'est vraiment un giga troll, quoi. La lettre qu'il envoie à un commandant de l'Imperium en disant « Ah, je dois dire que vous avez un œil averti, vous avez remarqué qu'il me manquait un régiment de diables de Catachan. Merci de m'en avoir fourni, vraiment un plaisir. » Bon, ils étaient un petit peu énervés, mais vraiment, il envoie une lettre où il fout le troll et vraiment, il remercie un commandement de l'Imperium en mode « Je vous ai donné un petit cadeau. Un amateur comme vous appréciera la finesse. » Et c'est genre un labyrinthe mental horrible apparemment. Enfin bref, c'est vraiment les dialogues et les interactions de Thrazine sont trop drôles, quoi. Le personnage est incroyable. C'est vraiment, en plus c'est vraiment un gros troll, quoi. Non mais je vous fais je fais ça pour préserver l'histoire de la galaxie. Je collecte tout. Et c'est vraiment, il pense vraiment qu'il fait qu'il rend un service à tout le monde. Alors que juste il se fait sa collection. Il fait ses petites armées, quoi. Alpha, je sais que t'aimes pas Warhammer Plus, mais il y a une vidéo dessus sur Thrazine justement. D'accord. L'histoire, effectivement, il troll bien. Il est trop drôle. Je t'avais dit, ma fin. Ouais. Non, mais là il y a beaucoup qui arrivent, là. Ouais, ouais. Bon, ça va. Nous on respire au sud, hein. Ça se passe beaucoup mieux au sud d'un coup. Là. Non mais disons que moi j'avais des unités. On va pouvoir pousser maintenant. L'utilisation du passé est importante. Ces bouquins sont incroyables. Mais apparemment, il y a un bouquin qui est trop drôle où en fait, c'est un peu un buddy cop movie où en fait, il est avec un autre c'est Overlord. Et en fait, c'est des gamins. Enfin, littéralement, ils arrêtent pas de se foutre des bâtons dans les roues. Je sais plus exactement c'est quoi, mais... Ah oui, ils trollent tout le monde, même les autres Nécrons. Genre, ils possèdent les autres Overlords, je crois, quand ils meurent, un truc comme ça. Genre, ils changent de corps. Thrazine, il est intuable. Thrazine, il s'en bat les couilles. Ah, il fait ça. Ah, j'ai trouvé à l'aide. On va dire au revoir à cette escouade de guerriers de feu. Hein. Allez, hein, c'était sympa. Bonsoir à tous. T'as trouvé quoi? Ah oui. Ouais. Le bouquin, la chute de Cadia. Oh, les Nécrons vaincus. Ah, voilà. Nice. Ah, bravo à tous. J'ai cru que c'était d'autres Nécrons que je venais de découvrir. J'avais envie de crever, mais non, c'est le chaos que j'ai découvert au sud. Incroyable, il me reste ma forteresse de la rédemption, c'est formidable. Ouais, vas-y, hein. Pourquoi j'arrive pas à monter ma loyauté ? C'est la guêpe de ses morts. Elle a déclenché mon tir d'Overwatch. C'est pour ça que j'ai plein d'unités qui peuvent pas tirer. C'est dommage qu'on puisse pas choisir sur quoi on tire dans Overwatch. Bah tu peux le désactiver si c'est ce que si tu veux oui, choisir. Oui mais tu sais qu'il n'y ait pas un petit bouton qui te propose en mode tu sais si tu valides ou pas si tu veux te tirer sur l'unité quoi. Oui. Ouais, j'ai le bâtiment pour la loyauté, yata. Ah il me faut plus de minerais. We need more minerals.
Mais croyez-moi, qu'est-ce Vespin Gas? Le bouquin sur Trazine et Orican, c'est ça? The Infinite and the Divine. C'est ça, c'est The Infinite and the Divine. C'est ça, ah, le... je l'ai pas encore lu. Eh ben apparemment, il est trop drôle. Genre, le livre est trop bien, apparemment. Faut que je le lise. On m'a déjà dit ça, ouais, qu'il était super cool. J'ai entendu ça. En fait, Trazine est... Avec sa collection des races de la galaxie, comme nous avec nos figurines, c'est notre représentant dans 40k. Mais complètement, et il collectionne toutes les armées. C'est trop marrant, que mais... ces petites armées. Non, mais ce qui est fou quand même, c'est que t'as Fabulous Bill, le mec des Emperor's Children. Oh. Donc c'est... en vrai, c'est pas son vrai nom, mais c'est plus mignon comme ça. Fabulous Bill, il a créé un clone parfait de Fulgrim avant qu'il trahisse. Et littéralement, il l'a filé à Trazine. Donc t'as Fulgrim, Primark, clone parfait, chez Trazine. Ah ouais, Fabius, bah il a fait ça. Ouais. Il a fait des clones. Il a réussi à créer, et en fait il a créé Fulgrim, et je crois que quand le clone en gros est né, il avait les remords de ouf. Parce qu'il n'était pas corrompu par l'épée, il n'avait pas l'épée, tu sais, de Fulgrim. Ah bah oui. Il a trahi, et du coup il était en PLS, et Fabulous Bill, il l'a filé à Trazine. Ah d'accord. Donc, contre je sais pas combien de trucs. Putain, je peux c'est jouer trop drôle quoi. Ouais, tu peux jouer Fulgrim. Je suis pas sûr que Fulgrim soit chaud pour se laisser gérer, mais ouais non mais c'est trop marrant quoi. Genre c'est n'importe quoi. En fait, l'impression que tous les points de lore qu'ils ont pas encore développés mais qu'ils vont peut-être développer plus tard, ils les foutent chez Trazine. Ils mettent là, ils font ouais. On verra plus tard. Allez. Hein. Ça marchera. C'est ça. Par contre, les cultistes, là, vous avez les crazies qui vont vous dire bonjour. Ah oui, d'accord. Ah oui, les dégâts. Elles ont disparu, d'accord. J'ai mis ce clic, vas-y. Oh, j'aime ce que je vois, Melkor. Alors non, il me semble que le clone de Fulgrim est imparfait, mais bah, il a créé un clone d'Horus parfait en avance. Ah, je confonds peut-être les deux. Badon a dû le tuer pour garder le contrôle de la Black Legion. Il est dans la forêt. Ah. Tour. D'accord. C'est bien la seule chose qu'Abaddon a réussi à faire en 10 000 ans, ça. Eh, c'est beau, ça. Hein. Oh. Oh, ça balance! C'est le joueur, non mais c'est le joueur KO qui se fout de la gueule de son camp! Pical! Faire du KO là, les Unico, ils sont venus uniquement pour se foutre de sa gueule à chaque fois qu'il rate une croisade noire. Après, Trazine, il a été cool avec l'Imperium sur Kadir. Hein. T'es en mode, j'ai un coup de main, juste, il y a une petite taxe. C'est vraiment alliance évidente! Bon, par contre, là, le mec. Là, alliance évidente, par contre, ramasse vos poubelles, ça vous dérange? Le mec. Le mec aux cheveux blancs, là, je peux l'embarquer, là? Mais c'est Creed. Oui, non, mais pas besoin, il est quasi mort. Il est cané. Il est quasi crevé, ça machin. Rien, hein. En vrai, admettons, il faut quand même lui donner ça. S'il n'était pas intervenu, de toute façon, l'autre, il serait mouru, donc. Bah oui, non, mais de toute façon. C'est pour ça! Mais j'ai lu la rencontre entre Belisarius Cole et Trazine, c'est cool. Genre, c'est très cool comme dialogue. Les deux se rencontrent et t'as Belisarius Cole en mode « Oh putain, qu'est-ce qu'il veut lui ?» C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qu'il veut celui-là, là ? Trazine est en mode « Non, mais tranquille, bébé, tranquille. » Vraiment, Trazine est en mode « Tranquille, calmez-vous, c'est bon, les xénos, c'est... » Belisarius, c'est pas le cas, moi, c'est le dialogue. J'ai une gueule de robot, mais je vais tranquille. Vraiment, il est comme ça, c'est assez marrant. Et c'est surprenant de voir des Nécrons un peu interagir de manière entre guillemets diplomate des fois et pas être juste tué. Parce qu'au début c'était ça quoi, quand ils sont sortis au début les Nécrons en termes de lore c'était vraiment le côté zombie version métal quoi. Alors c'est vous arrivez sur notre planète, cassez-vous, adieu quoi. Ça avait pas de personnalité, ça parlait pas. Oui voilà c'est ça, il y avait ce côté juste avancer implacable et mindless tu vois, alors qu'en fait les leaders c'est des excentriques de ouf, ils sont marrants quoi. Quand ton chef s'appelle le roi silencieux, tu te sens que c'est diplomatique, pas ouf quoi. C'est un peu ouais, c'est un peu un taiseux celui-là quoi. Mais attends, mais il a des solo. C'est qui Imhotep? Non, c'est Imhotep, le seigneur de la tempête là. Lui, apparemment, ouais, il a dit chais au roi silencieux. Il l'aime pas, c'est ça? En termes de lore, apparemment, lui, c'est un badass. J'avoue que je sais pas. Imhotep, il en a rien à foutre. C'est un ouf. Et il a une arme de dingue et je crois que Trazine une fois il a foutu la merde parce qu'il voulait l'arme de l'arme d'Imhotep. Il a foutu la merde et il m'a dit je vais pas avoir ton arme. Il est trop chiant, dès qu'il voit un truc, il peut avoir ça à lâcher. Trazine, il a une arme de fou aussi. Hein. Oui, mais il a la flemme de s'en servir. Je crois qu'il aime pas s'en servir contre des humains, enfin contre des espèces moins bonnes. Tu sais, genre quand il doit se battre, il est en mode oh la flemme, j'ai envie d'être chez moi avec mes figurines là. Je veux pas être chez moi à peindre mes figurines, c'est vraiment ça quoi, Trazine. J'aimerais les compter. C'est trop drôle. Non mais c'est assez ouf quoi, ça j'ai vraiment marrant.
Oh là là, ça arrive en masse hein, sur moi. Oh. Ouais, Imhotep veut prendre la place du roi, c'est ça. Tu sais qu'il y a un Lord Nécron qui voit tous les autres êtres vivants comme des Nécrontyrs et son garde du corps tue en cachette leurs invités. Ce dernier les invite en mode grande classe, MD. Ouais, c'est Zandrak et Obi-Wan, ça. C'est trop drôle, ça. Il y a un Lehman Russ qui m'arrive dessus. Zandrak. Ah oui, Oberon, c'est son garde qui est tout le temps avec lui, là. C'est ça? Bah, ça va être lui, ouais. Ouais. Il a l'air de paniquer un peu, Maf. Mais t'as vu ce qui m'arrive dessus? Bon, je vais t'aider avec le Eldrake. Ouais, je cours après avec mes on va le tuer, on va le tuer, là. Là, je vais lui mettre cher, déjà. Ça marche plutôt bien. Chez les rétributeurs. Ah. Bon, je vais sauvegarder mes guerriers tyrannie niveau 7, hein. C'est une bonne idée. Pour bête. Loyauté augmentée, cool. Courage, Maf. Oh, j'ai trouvé un attrape-coquin. Ok, les rétributeurs. Ça a attrapé du coquin. Un attrape-coquin. Oui. L'attrape-coquin. Un item. Comment ça, un attrape-coquin? De quoi il parle? Un attrape-coquin. What the fuck? Putain, je suis sous l'eau là avec la loyauté de ses morts. L'oiseau de ses morts là. C'est bon, tu l'as eu? Ah, juste fallu toute notre armée. Il a juste fallu environ 25 unités pour tuer un Eldrake. J'ai trouvé la ville! T'as vu Melkor? Ah, j'ai plus d'orques. J'ai one shot les Tempestus avec des Rangers, avec les bons buffs, je les one shot. Ah non, j'ai pas vu, mais j'aurais bien aimé. Ah ouais, je suis je les ai pas trouvé ouf hein, quand je les avais joués. Je peux réparer ta forteresse. Jure. Ah non, pas du tout. Si elle peut tanker. Ah non, en fait, pas du tout. Je vois tellement Thrazine pétant un Marine des Iron Warriors juste pour le repeindre de façon Imperial Fist. Non mais. C'est parce que t'as plus d'action, ça consomme une action. Ouais. En parlant de Cole, tu es au courant que ce dernier a connu l'Empereur de son vivant. Il est d'ailleurs un des responsables du fait que la défaite de Beta Garmon n'a pas été un désastre absolu pour les loyalistes. Oui, non mais Cole, c'est un moment qu'il est là. Hein. C'est Cole qui a designé tous les nouveaux tanks, répulseurs et tout aussi. Oui, oui. Oh, les Primaris, oui. C'est lui qui a tout fait en fait. Oui, il a tout fait. Hein. Lui, il est arrivé, il a fait bon, allez, un petit upgrade. On va upgrade tout ça, on va un peu mettre à jour la gamme. J'ai commencé à lire le bouquin d'ailleurs où il révèle les Primaris à Reboot. Et il fait son show en mode théâtre, il est trop heureux, il est trop content. Ah, il a fond dedans quoi. Oui. Il dit, regardez-moi comment ils sont tout beaux là. Il fait un combat à mort avec regardez, là ils sont grands là, regardez, on va bien en vendre. Ouais, mais c'est ça. C'était le board de Games Workshop en fait. Mais en plus, à un moment là, il balance des serviteurs de combat mais mortels contre les Primaris. Il dit, regardez comment ils sont beaux là. Il y en a quelques-uns, ils vont survivre à ça alors que d'habitude, ils meurent tous. Quoi. Putain. Coup, quoi. Les rats de laboratoire, tu sais. Marais sombre, ça a l'air costaud comme ville. Hein. Je pense que je vais avoir besoin de toi, Furgos. Je descends, hein. Ouais, pas de soucis. Ah, il y a deux gris. Sa... Ah, bah oui, c'est la ville du ça, chaos. Hein. Ouais, c'est sa B1, ouais. C'est complètement sa B1. Il va la défendre salement. Mais il y a une ville à côté en fait. Gladius, il a pas l'air heureux. Je reviens. Adieu. Hein? Au revoir. Oh putain. Ouais, je vais faire une autre ville, Strixon. La trappe coquin est un objet qui a réellement existé et qui servait aux forces de police et autres milices. Cal a attrapé les malandrins et autres coquins. En gros, ça consiste en un bâton avec une fourche à l'extrémité, avec deux pièces de métal tenues par des ressorts où tu bloques le membre et le cou du coquin pour mieux le maîtriser. Mais non. Ah ouais, mon père en avait un. Avec... Oula. Alors. Comment ça? Quoi? Quoi? Putain, c'est la merde là. Je peux pas rejoindre la partie là. Hein? Ah non. Attends, si Maf t'invite peut-être. Bah, attends. Tu peux pas me rejoindre. Non. Ah. Faut invite-le. Et si tu vas dans partie multijoueur, mais je peux pas l'inviter, attends. Ou alors directement par truc? Directement par Steam? Par Steam? Ouais, c'est. Non, je peux pas.
Ah what? Putain, on avait eu le coup l'autre fois. Est-ce qu'il fallait pas relancer la partie là? Si, je crois qu'il fallait qu'on relance tous, mais du coup, pour qu'on retrouve nos factions à 8, pour retrouver la strat. C'est ça. Oh, quel enfer quoi. Ben, let's go hein. Ça va, oublie pas la sauvegarde et puis c'est bon. Bon, attends. Petite save. Hop. Mon set me manque. Hein ? Pourquoi il a dit ça, ton personnage ? Bon, alors, vous pouvez y aller, un retour au menu principal. Bah, vas-y, tu nous ravites, hein. Ouais. Charger partie multi. Alors. Ah oui, mais non, c'est pas ça. C'est quoi que je dois faire encore? Oh putain, c'est quoi encore l'astuce? C'est un truc qui est pas logique du tout. C'est pas une nouvelle partie, tu crées une partie multijoueur et après tu charges dedans. C'est pas ça la dernière fois? Ouais, c'était créé. C'était ça? Fallait créer directement? Faut créer, charger. Attends, je réinvite. Tac, tac, tac. Normalement, je vous ai tous invités. Oui. Attends. Je suis. Non, mais what the fuck? Je l'ai reçu. Qu'est-ce qui se passe? Mais Melkor a crash, on doit relancer. Attends, on doit recréer une game? Non, il faut qu'on fasse ça pour recharger la partie en fait. Le problème c'est que j'ai pas... Attends. Attends mais pourquoi je suis en aléatoire moi? Ouais, en fait on a récupéré les bots là. Alpha et moi on est à la place des bots. Alors il faut trouver les troupes. Faut sortir et revenir. C'est chiant mais c'est mal foutu pour ça mais... C'est pas comme ça qu'on avait fait je crois. Si. Comment je fais pour te rejoindre? Je t'ai invité. Ouais mais faut me réinviter en fait. Parce que là j'ai dû quitter. Ah. Attends. Hop. Faut que tu me réinvites aussi meuf. Je suis orc MDR. Alors orc attends. J'ai quitté. Vas-y. Essaye de rejoindre Eventis. Ouais. Vas-y. Sauf que là du coup je vais rejoindre et je vais être en bot c'est ça? Ah c'est bon je suis orc. Changement de règle. Ok vas-y Alpha. Aléatoire. Alpha c'est les jaunes. Non. Mais comment ça aléatoire? Comment c'est possible que ce soit aléatoire là? Ah mais non, attends. Quand vous y êtes tous, mets-toi en taux. Hein? Mets-toi en taux. J'ai quitté là. Je suis pas sûr. Mais si, attends, parce si que Sansou, c'est pas les bons écrans là, Sansou, qu'il a. Moi j'étais en random et j'ai sélectionné Nécron. Mais si, équipe A. Oui, mais non. Non, c'était tu sélectionnes. Oui. Oh là là, le bordel. Bah, je regarde attends, là, tu si vois. Je fais ça, merde. Oula, attends, t'as fait quoi? Si, attends, mais j'ai fait charger la partie multi, voir. Qui est où là? Moi, je suis plus dedans. Moi, je suis pas encore. Tu es dans le chargement. Ah, la Melkor, quoi, merci. Ah, le jeu est ultra mal foutu pour ça, pour récupérer une partie, c'est horrible. Avec plaisir, je montre les limitations du jeu. Le jeu est très très mal fait pour ça, ça, il faut reconnaître que. Là, je suis sur mes orques. Putain, la figue de trauma est trop belle. Hein. Oui. T'es sur les orques. Ouais, je suis complètement d'accord. Et toi, Marmotte, t'es dedans là? C'est juste dommage pour l'OSL, marche moins bien qu'avec une figurine sombre parce que l'armure est brillante. Qui est pas dedans là? Moi, je suis pas dedans. Moi. Et est-ce que via Steam vous arrivez à rejoindre ou pas? Non. Moi, je peux regarder la partie, mais c'est tout. Mais je peux pas inviter. En fait, je peux pas. Ah. Une fois qu'on est dedans, c'est ça qui est chiant, c'est qu'une fois que t'es dans la partie, tu peux plus inviter. Okay. Du coup, je la vois pas. En fait, on la voit pas la partie dans la liste, c'est ça? Non, c'est une partie privée. Oh. Et tu peux pas nous donner les coordonnées pour connexion directe? Ben ouais, non, adresse y a distance, pas... ah ouais, au secours. En fait, il faut que je crée, puis après que vous me rejoigniez. Essayez un peu de rejoindre là pour voir via Steam. Mais on peut pas, en fait, faut que tu nous mettes, faut que tu nous envoies des invites. T'es obligé de nous inviter, ouais. Truc. Ah c'est très relou. C'est très... Ouais, il est nul.
Attends, mais je vois même pas le taux en fait. C'est ça qui est bizarre. Attends. C'est pas les couleurs. Ah, attends. Sors un peu, marmotte. Non. Faut que je mette taux. Là, je suis à la place d'Elentis en fait, je pense. Parce que là, j'ai le rouge. Ouais. Je suis orc et ouais, je suis boy. Attends, vas-y, sors. Ouais. Ah oui, c'est dans l'ordre. Attends, vas-y, sors. Donc, d'abord, le premier, c'est Elentis. Et où? Le deuxième, c'est Alpha, vas-y. J'arrive. Ouais. Voilà. Par contre, je suis jaune. Hein. Ouais, il est jaune. Tu peux changer ta couleur. Le troisième, c'est... Sansou. Attention, c'est Nécron rouge. Est-ce que c'est le bon Nécron? Mais change de oui, couleur, oui, regarde, Sansou. Il est équipe A. Il est équipe A. Alors ensuite, c'est Melkor. Oui, on avait quelqu'un, il est en IA. Puis Marmotte. Sansou, change de couleur. C'est aléatoire. D'accord. Ouais, c'est bizarre. Faut que tu changes de... C'est peut-être Marmotte, non? Non, bah non. Non, c'est pas Arnard. Non, mais quelqu'un a dû changer, quelqu'un a dû cliquer. Moi, je suis sur ma attends. Faction. Change de couleur, c'est sûr. C'est qui? C'est Arnard, c'est je Arnard. Pense. Oui, équipe A. Et, non, mais tu vois, il y avait deux Nécrons, les deux Nécrons sont en oui, il y avait deux Nécrons, bas, équipe ma... A, c'est bizarre. Non, en fait, le problème, c'est que ça mixe les IA. Là, Sansou, il a pris la place du IA. Non, il est dans la bonne Nécrons, équipe. Il y en avait que deux. Ouais. Non, là c'est toi qui. Attends. Ah, mais là, c'est Fargoff. Là, il y a trois Nécrons parce que toi, tu as changé ton truc en Nécron. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe si on load et qu'on n'a pas les mêmes races? Bah, on joue l'autre race. Ça fout le bordel. Attends, équipe change B. Bonne chance à celui équipé. Qui récupère mon Nécron. C'est Fargoff qui a perdu sa faction aussi. Quoi? Fargoff. Il y a même trois Tyrannides. Ah, mais c'est ça. Attends. Ça. Attends, j'arrive, attends. Oh, super, hein, super. Tyrannide. Achetez notre jeu qui est Arnard, bien. Arnard, t'y es, voilà. Je proteste. Alors, Furgos, t'es où? Je te vois plus dans le jeu, c'est normal? Non, je suis pas dans le jeu, ah voilà. Et là, c'est bon. Ah, il y a une anecdote très marrante sur Trazin après, quand on aura réussi. Voilà, là, on est bon. On est bon? On y va? Donc, je charge. J'ai même pas cliqué sur prêt. Théoriquement. Alors peut-être. Alors, voilà, dites-moi si vous avez tous récupéré vos factions. Moi j'ai Trazin bien récupéré une cloche. Trazin possédait une cloche sacrée de l'Imperium qui s'est mise à sonner 13 fois au début de la croisade noire et qui a détruit une petite partie de la collection. Donc il l'a pris, il l'a jeté dans la Webway Eldar en se disant que la prochaine fois qu'elle sonnera, ça fera un beau bordel chez les Eldar. C'est vraiment le pire troll. Hein. À moi c'est bon. Moi, c'est, ah, bon. C'est bon pour moi. Allez, c'est bon pour tout le monde. Ok, ouais. Voilà. Incroyable. Faut juste finir de coder le jeu et puis ça marche. Oui. Ou nous. Putain mais incroyable quoi. Non, le code en direct. Plus gros troll quoi. Ok, bon. Bah let's go hein. Il suffit qu'il y a passé les tours et puis c'est bon. Ah oui, ça s'est arrêté avec le passage de tours et tout. Pas mal. Not bad. Not bad. Not bad. Mais le corps, je crois que t'as des trucs à tirer là. Daka. Là, ils sont en ligne là, il en manque plus qu'un, c'est à la queue le là tous là. Moi j'ai passé mon tour, j'ai plus rien à faire. Hein. Il manque plus que paf. Oui. Moi j'ai encore des trucs à tirer. Putain, oui. Ma deuxième ville elle est tellement morte. Ma troisième. Ouais, mais si tu t'arrêtes à ce genre de considération. Oh, un détail. Et fini. N'hésitez pas si vous avez d'autres anecdotes de lore, chat. Toujours un plaisir. Ils foutent la bave. Un plaisir de voir les Rangers tirer, tu vois. Ouais. Ranger, ça pique. Hein. En vrai, sans souvenir ton seigneur, hein, bien, la vie elle est foutue. Attends. Sur table, oh, c'est putain, trop bien les Rangers, j'adore. Moi. Les bons ah petits ouais packs.
Ça fait pas super mal pourtant, non? Avec, oh, avec certains peut... stratagèmes et certains combos, si. Si ça fait mal. Si, si, ça fait mal. Mais par contre, je suis tiraillé parce que je les adore. Je trouve qu'ils sont trop classe, mais en boarding action, je suis pas sûr que ce soit idéal. De quoi les rangers? Le mec avec son sniper dans le couloir. Ah oui, bah oui, oui, les armes qui tirent loin, oui, c'est pas clair. Mais j'avoue que moi, je boarding action, peut-être reprendre parce que j'aime beaucoup les. Moi, c'est des Vanguard que j'aime beaucoup là en armure lourde. Enfin, en armure lourde. Avec le casque et tout. Oui. Non, mais ça se passe bien. Bah, c'est super. Hop là, en 30 t'es tours, full j'ai life. Dû réussir à sortir 3 unités. Tenez bon, tenez bon. Regarde la petite équipe là. Paf! Ah, j'ai ma petite... Ah merde. Ah, il me faut des gisements de minerais. Oh, plus 40% là. Je peux prendre tellement de Thermagon maintenant. Oh, le plaisir. Ah ouais, là t'as une petite marée. Hein. Bon, le Eldrake là, il peut plus trop bouger, je crois. Il faut... Ici, la il police. Passe au-dessus, non? Ici. Hein? Ici, ouais, il peut voler au-dessus. Peut-être. Bah oui, ouais. Oui. Oh, oui, il passe au-dessus. Ah, il vole. Tu vas faire la dynastie Necron de Trazin? Non mais moi je vais pas jouer Necron. Non mais Necron c'est stylé Necron. Mais on a déjà un genre Necron. Et puis moi je Necron ça me donne pas du tout envie à peindre. Genre c'est stylé mais ça me donne vraiment pas envie à peindre. C'est comme Mad Mech. Et encore je trouve ça moins répétitif, plus répétitif que Mad Mech encore. Donc moi Necron, je pense que t'as de la fatigue de peinture très très vite quand tu fais une armée Necron. Non ça va. Admec, c'est un peu mieux quand même, mais c'est quand même chiant, je pense. Enfin, Admec, genre c'est trop de trucs. En fait, dès que t'as une armée avec trop de métallique à peindre, flemme quoi. Le métallique, c'est relou. Hein. Peinture ouais, métallique, je trouve ça agréable. L'Admec, tu peux gérer en faisant des armures en couleur. Hein. Oui, bon, oui, avec les détails métalliques tous les petits tuyaux, tous les petits tuyaux, ouais, ouais, les petits tubes, les tout espèces ça. D'engrenages mais, et tout. Mais alors les hein, détails, ça reste chiant, ça je te l'accorde. Hein. Non, c'est chiant. J'ai assez crisé comme ça sur les le mécanicus du tuyau. Mais... On va peindre sa waifu sous commandeur Torchstar. Torchstar, je l'ai, hein. Je l'ai peinte, c'est une de mes Crysis. Oh la vache, parlant de Crysis. Ouais, elle a pris cher. Psy Danger à 1 HP, elle va vite rentrer à la base. Ou non. J'aime pas beaucoup, j'ai l'impression, là. Les sacro-saintes Célestines. Elles sont trop belles, les sacro-saintes Célestines. Ouais. Hein. J'aime trop cette figurine. Je pense que c'est une de mes figurines Sista les plus préférées. Avec leur porte, là. Oh là, un Devil Dog, c'est quoi ça prison, hein là. Canon à fusion, super. On dirait un perso de Dark Souls, quoi. Non, mais en fait, Lia, elle est en vie. J'avoue. T'as combien d'unités? Oui. Putain, t'as vu ça ou quoi? Voilà, si on n'a pas de coup de main de nos alliés. Ouais, les manes russes. Tu parles desquels? Tu parles du vert et du jaune ou... Voilà, c'est... Ouais. Tu viens de perdre un lord sans soude, un démon russe, là. Dur. Ça a l'air de bien se passer pour eux aussi, je trouve. Ouais. Ça se passe hyper bien. Ah, mais moi, je suis juste en mode... bon, bah, vivement que mes unités se détruisent pour que j'aille en frauder une autre. Bah, tu sais qu'en vrai... on avance, là. Hein. Ah, ouais. Moi, je dis, on bouge. Je dirais plutôt qu'on fait du surplace, mais oui. On dirait deux touristes en train de faire de la voile. Je dirais qu'on fait du surplace, moi. Hein. On avance bien là, hein. On avance bien, hein. Ça souffle le vent. Hein. Non, on fait du surplace là. Quand tu fais du canoë en couple. Hein. Et mais dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, paquet dans l'autre sens. Et tu fais des ronds là. Ah, ça sent le vécu hein, du côté de ah, ouais, ouais, là. C'est très 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 fort le vécu là. Il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu ce soir. animées. Hein. Comment ça, ouais. C'est de ma faute. Comment
c'est toi qui pagaille pas dans le bon sens, d'accord? Bah déjà je m'assois dans le bateau, il touche l'eau devant, alors du coup forcément bah voilà t'es... Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ah c'est vrai que c'est important de répartir le poids stratégiquement au kayak. Oh y'a des ratlings. Ah bah oui. Oh là, j'en fais rien ceux-là. Oui oui, ouais, au milieu de tout ça il y avait des ratlings effectivement. Bah y'en a des ratlings, toujours. Hein ouais ouais. Ouais les petits gnomes là. Cole n'a mis au point ça pour les primaries, c'est l'armure de la foi de Gilman qu'après avoir découvert dans les souvenirs du Technogur avec qui il avait fusionné que l'empereur lui en avait donné l'ordre. À Cole, pas à l'autre. En fait, l'empereur s'est adressé au mec en le nommant précisément Cole. De là, Cole en a déduit qu'il voulait l'arrivée des primaries. Ah ouais. Ouais. Non mais vous pouvez rien faire sans que votre daron vous dise des trucs, hein, vous. Hein, c'est... Ouais. Hey, ouais, nous, on obéit à papa. Ah, vous obéissez à papa. Sauf quand c'est aux Russes, hein. Ah bah c'est le seul qui a réussi à prise de quoi. Ah y'en a un, il a refusé d'obéir, ça s'est mal passé, hein. Là, les crises d'ado, c'est ravageur chez les Space Marines. Ah oui, bah papa, il a sorti la griffe, hein, il a sorti le gonflet, hein. Le martinet. Voilà. Le coup de martinet est parti. L'attrape coca. Il a arraché la tête avec, et c'est pas grave. Ah, ça nous a calmé, hein. On s'est dit, non, mais c'est bon. On va calmer les ratlings. Comment ça? Bah, j'ai un souci d'influence. Moi, niveau ressources, là, c'est jadèche. Ouais, moi, je suis un peu dans la dèche aussi. Hein. Bah, j'arrive à tenir avec mon armée, moi, mais c'est chaud. Hein. Bon, moi, on arrive là sur le chaos. Et Ventis, tu fais quoi, toi? Ventis, bah, oh là. Meule de la map. Non, j'ai installé une ville à côté du. Ah, ça s'appelle Annecy. D'accord. À côté du Tyrannide, donc je vais aller charger, normalement. Ok. Putain, la Sista, elle a l'air de les mettre en PLS. Oh la vache, tout ce qu'il y a en garde impériale en Sista là-bas. Ah non, ouais. C'est maf. Ouais. Ah non, c'est maf. Ouais, vous êtes tous. Tout le monde est bleu, c'est l'enfer, on comprend rien. Non mais les nuances de bleu là à l'aide entre Melkor, le garde impérial et Maf. Mais putain, mais c'est 50 nuances de bleu là-bas au secours. T'as l'orc aussi, hein. Il y a l'orc aussi. Comment ça, oui, y a un orc? Il est sciant. Mais tu te fous de moi? Mais attends, mais il y a 4 variations de bleu dans la même game? Ouais. Mais c'est complètement con. Ouais. Mais putain, au secours. Ouais. Monseigneur. Oh, depuis que j'ai le soin à l'armée, tant que tellement. Ils sont tous morts, moi. Donc, Oh, j'adore ça. C'est trop bien. Ah merde, je peux pas me barrer, saloperie. N'est-ce pas, hein. Putain, faut que je joue. Oh, bah ils sont morts. J'aime beaucoup le constat. Okay. Oh là 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 là, les sacrés saintes Célestines, qu'est-ce qu'elle tank. On est au-delà de tanker, hein, on est déjà presque à ce niveau-là. T'as vu tout ce qui arrive? Attends, mais... Ah bah, disons que moi j'ai surtout pas vu à quel moment ça s'arrêtait, quoi. Ok. Putain, le bâtiment de loyauté, il va faire du bien. Oh, par contre, la gunline... La gunline ranger, j'aime autant dire qu'elle meule. Oui. Bah, il faut ça, hein, parce que là, putain. Ah, j'ai mon sabre de feu. Ah, c'est ça, la loyauté, mais d'accord. Il me faut quand même du renfort, là, parce que... T'as du renfort en route, Melkor? Ah ouais, mais il faut qu'il soit level 6. Il va mettre 1000 ans. Tout prend 1000 ans. Putain. Tout prend 1000 ans dans ce jeu, c'est terrible. C'est un peu terrible là-dessus, ce jeu, je trouve. Oui. Ah ouais, c'est rude. Alors que t'as le foire, ça va plus vite. Ah, beaucoup plus vite. Ah,
Bon bah fin du tour pour moi. Moi je m'essouffle un peu au sud là, j'ai plus que deux crises opérationnelles. Je suis pas sûr qu'on ait assez pour fumer le... La ville ? Je sais pas. Je sais pas si toi t'as des gros renforts qui arrivent, mais moi c'est pas clair. Ah, moi rien, je produis plus rien depuis hein, en fait qu'on a. En fait je suis en train de rétablir ma production là depuis le début là. Bon, mais je pense qu'il faut pas s'empaler. Production, bonjour. Je vais pas tanker trois armées à moi seul hein. Non mais tu t'es pas seul, il y a Sansou et... T'inquiète, je prends des buffs aussi moi. En fait, ce qui commence à me manquer c'est l'anti-char parce que là c'est ça qui m'arrive dans la tronche pour l'instant. Oh là là. Les manes russes. Il me manque c'est l'anti-char, les manes russes qui roulent littéralement sur ces skitaris. Non mais là ils sont nombreux hein. Chasseur Lightning. Ouais. Attends mais c'est quoi ça, c'est chiant. Les chasseurs Lightning c'est Sista, ouais. C'est les avions de chasse de l'Imperium de manière générale. Ouais, d'accord. C'est rang 7 je crois. Ouais. Putain. Sympa. Wow. Et c'est la Lady Impériale qui arrive. Ça va être compliqué là. Ah mais pitié là, il me faut une ville là. Pitié, pitié. Mais ils nous encerclent là par contre. Puis avec les chars et tout, je vais peut-être reculer moi. Je crois que je vais reculer là. J'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai. T'as pas de quoi tuer le Eldrake au-dessus là ? Bah. Il a 5 HP hein. Non, ouais, mais je fais 0 dégâts avec mes Thermagons. Non, mais ton Prime là. Bah, en fait, non, j'ai pas d'attaque à distance. Mais tu peux pas le taper au corps à corps ? T'es vraiment juste à côté ? Non mais en fait quand il est volant tu as besoin d'armes, tu regardes, je vais te montrer. Ah oui oui, en fait, il vole, tu peux pas le taper au cac, oui, ouais. C'est pas logique, c'est pas logique. Je vais réduire l'armure mais ça fait sens. Oui, attends, peut-être avec ça... Je vais tout lui mettre mais il va se barrer, c'est ça le conseil que... Pas sûr que ça passe. Oh non, un PV, non on a pas le droit. Bioup, bioup. Ah, oh, j'ai plus rien. Oh là, tu veux finir le cerf du warp là, le raptor? Ouais. Il a beaucoup de points de vie. Enfin, il est très résistant lui. Ah hein, non. Ça... Ah non. Ah sérieux? Oh vraiment, il a un HP là. Ah, bonjour. Attends. Comme une envie de canner. Oui. Ah non, sérieux, mais non. Oh, putain, c'est trop dommage. Okay. Bah ouais, j'aurais pas dû taper dessus, j'aurais dû y aller avec le... Attends, je vais peut-être... Non... Ah, attends, si. Là. Alors peut-être. Hop. Alors que peut-être. Oh les strats, incroyable. Vie. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà. Il est mort. Bravo. Il tue des trucs. Bravo. Je finis parce que j'ai pas... Voilà. Ah, les amis, on pourra pas finir. Moi, je dois pas tarder en plus ce soir, c'est terrible. Ah non, mais moi, je commence à 6h demain. Hein. Ça se finira pas, finir hein. Une partie en une soirée, c'est pas spécialement dedans. Possible. Ah oui. Bah, ça avance ouais. Bien déjà sur une soirée. Hein. Oui. J'avoue. Et bah là, en réalité, je pense que ça va être du meula jusqu'à la fin, hein, à partir de là. Hein. On est trop nombreux. Hein. On a tué le Nécron déjà, ça veut dire qu'ils sont quoi, plus que 5, plus que 4? Alors ouais, mais sur l'autre flanc, c'est pas la même situation. Hein. Ah, nous, on va se faire meuler. Nous. Ah ouais? Oui. Ouais, nous là, on a besoin de renforts. Bah dommage. Merci Captain Vampire pour les 13 mois. Ah c'est... Ouais, Nectoblast, merci pour le prime aussi. Petit à petit. Bienvenue. John Bull, merci pour le sub, bienvenue aussi. Ah. Vas-y, oh mais ce qui t'arrive. Mais bon, ce qui t'arrive, qui t'approute. Ils sont plus si neufs d'un coup. Shit. C'est. Ce qui t'arrive, c'est quoi? C'est un PV 4+. C'est pas ouf. Enfin, c'est une infanterie fragile, non? Ouais. Oui. Comme un guerrier de feu, quoi. Bah, sur le jeu de plateau, le truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même une invue à 5. Ouais, c'est une insensible à la douleur, il me semble, quand même. Ouais, à 5. Avant, elle était à 6, mais ils étaient vraiment beaucoup trop fragiles. Ils l'ont passé à 5 et ça va mieux, quand même. Je te capte pas, numéro bis. Je suis ça quand tu parles. Ok. Ah, c'est d'accord. Moi, je pensais que c'était moi, mais en fait, non, du coup, ça va.
C'est la coupe belge, je pense. Ça passe pas, c'est ça. Tu l'as eu ? Ah, nice. La loyauté, un jour. Un jour, peut-être, hein, j'aurai assez de loyauté. Oh là, la ville, un jour aussi, hein, peut-être. Un jour, la ville. Un jour, peut-être. Il faut que je fasse une ville plus loin, en fait, là. C'est terrible. Bon, on fume la ville, du coup, là. Ah ouais, je suis en train, hein. En fait, vu qu'il a pas de... Enfin, moi, je peux... Enfin, toi, si tu veux te recentrer, tu peux, hein, mais... En fait, vu qu'il a, non, il non, a non, pas non. grand-chose, hein. Oui, non, mais t'as raison. Go labourer, hein, t'as raison. Ça se passe bien, meuf ? Je fais, j'opère un petit repli stratégique. Oui, on perd la Belgique, effectivement. On perd complètement, il parle Nécron. Mais comment ça ? Il est passé à l'ennemi. Et du coup, bah, tu rames un peu. Disons qu'on perd un sur deux, quoi. Ouais, ah bon, c'est peut-être que tu parles pas assez dans, mon, dans ton micro. Cette là, bah, je peux pas être plus dans mon micro là, allô ? Allô, allô. Il y a des petits lags. Il y a des petits lags. Englobe plus dans ton micro. Englobe plus dans ton micro. Ils ont une 5 putain, ils ont une 5 plus 1 vue, est-ce qu'il t'arrive ? Oui. Non, c'est pas de la vulnérable. C'est un buff. Si, 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 si. Maintenant, c'est un buff. Depuis la dernière FAQ. Un genre de base ? Oui. Oh, et c'est combien le modèle ? Ouais, mais c'est. Je sais plus. Ouais, mais attends, le... en fait, c'est le seul truc qui leur permet de tanker si tu veux. Attends, je te dis. Oui, mais oui, oui. Non, mais après, tu sais, il y a des infanteries qui ont pas ça. Hein. Bah, ah, bienvenue dans l'Ambirto. Aucun en... moyen de tanker. Bah, t'es en du 3, sauvegarde à 4, en du à 5, quoi. Un PV. Est-ce qu'ils ont 5 PV ? Oui, est-ce qu'ils ont un buff tartine ? Ils en ont 8. Et attends, c'est non mais. Quoi le Skitari ? 9 hein ? Oh vas-y, c'est pas cher en plus, c'est trop fort ! Ah oui, c'est vachement bien comme infanterie. Ouais, sans équipement après, t'as d'autres équipements après qui vont ouais, avec. Ouais, moi je trouve ça cool. Oui, comme bah oui. Comme non, on a pas d'équipement, guerrier de feu, on a juste à. Nous on a une frite de piscine. Bien, j'aime bien jouer des petits packs de 10 d'infanterie qui se baladent un peu partout sur la map, c'est, ouais, rigolo. C'est rigolo ça. J'aime beaucoup. Par contre, les blasts, ça a toujours pas aimé ça. Ouais. Après, bah, Alpha, 10, t'inquiète, les Skitaris, ça tire sur du 3+. Hein. Oui, oui, je sais. Mais... Mm. Ah, mais c'est mieux en tout point que les gars de feu, j'ai compris, c'est bon, arrêtez. mouvement de 6, capacité de corps à corps. Avec... M'en fous, nous on a le railgun, m'en fous. Bah, par contre, en vrai, les chars, Admech et compagnie sont beaucoup moins létaux que les chartos. Hein. Beaucoup, beaucoup moins. Létaux ? Ils sont moins, ils font moins mal que les chartos, ils sont. Les quoi hein? Allô? J'ai pas compris. Pardon. Pas ce mais que je, tu dis, Matt. Mais je lag à ce point? Non mais on te troll. Oui. Mais putain mais. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Il dit des trucs. Quelqu'un entend maf là? Je vous ordonne de me répondre. Il lag même quand il dit ça. Il lag même quand il est en train de s'énerver. Mais putain. Je vous dis. Je vous entends. Voilà, ça c'est meuf. Ok. Mais c'est quoi ce bordel? Il a pas fait les prières qu'il fallait. Attends, je relance TS. Disconnected. J'ai que c'était en enfer là. Sur ton live ça va, c'est chez les autres que ça déconne. Hein? Ah ouais? Là je vais me reconnecter. Connected. Tu peux faire des tribus de minerais? No. Oui? Alors, est-ce que ça va mieux là? Ah, quelqu'un l'entend? Oh, pas c'est pas drôle. C'est pas marrant. Je vous emmerde. Ok. Donnez-moi 6 à cause de la population, ça casse les couilles. Moi je vais bientôt avoir mon bâtiment de loyauté. Pouah là là, insane. Hein. Je suis à moins 15 là. Let's go. Oh putain, je suis à moins 15. Ah, ah oui, parce que je viens de faire une ville, quel bolos. 6, ça faut qu'un bâtiment de. Ah ouais, mais c'est bon quoi. De population toi. Quoi? T'as pas fait de bâtiment de population? Non, ouais. C'est quoi? Non, je voulais pas faire ça. Qu'est-ce que c'est le mien? Ok. Rip ta prod. Bon, j'avais pas ce problème sur la première game. Hein. Bah oui, on était full boosté là.
Full boosted. Ouais, c'est ça, on était à 100 de loyauté, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est bien quand il était cheaté, je trouve. En fait, c'est ça, c'est à la fois, ça te. C'est plus dur quand il faut jouer. Bah, t'as pas de malus, mais en plus, les points de la prod, ça te donne des bonus de prod. Enfin, la loyauté, faut réfléchir et tout, chiant, quoi. Trop ouf, faut jouer au jeu, quoi. Ouais, la deuxième partie qu'on avait faite, là, j'étais complètement paumé, j'avais plus d'influence, j'avais plus rien, j'étais là, comment on fait? Pourquoi faut jouer avec le changement de règles, là. Quelqu'un sait quel sera le genre de jeu que va être les Asidorus? J'ai vu le trailer il y a peu, je suis si hypé. Quel genre de jeu? C'est simple, t'as des Space Marine Firstborn, tu peux les jouer maintenant. Tu peux les utiliser dedans. Littéralement la réponse de Games Workshop au fait que les Primaris vont remplacer les Firstborn. Voilà. Ah non mais c'est ça. Oh, faut ouvrir les yeux. J'ai rien dit, c'est oui, non mais c'est ça. C'est juste ça, c'est tout quoi. Spitting facts. Aïe. Il se pourrait qu'il y ait un peu de vrai dans tout ça, j'avoue que... Pouah. C'est la grosse, elle est avoc là. Attends. Allez, boum. Allez, tire dans ta tête. Avec les Destro, tu le tues, c'est parfait. Ouais, je pense. Ça se joue comme la V5 de... Oh, je peux le finir, lui, peut-être. J'aime pas les... Oh mon dieu, on a... Putain, dans cette unité. Let's go. Mais oui, c'est un peu comme la V6, V7. Oh, je l'ai fini avec les drones, putain. J'ai fini avec les drones là. The Humble Drone. J'ai un Lehman Russ qui me regarde alors, de travers là, j'aime pas ça. Melkor, tu veux pas venir? Voilà. Ah mais j'arrive hein. Je vais récupérer la roue sur l'aviation orc. Ah, j'ai dit que j'arrivais, j'ai pas dit dans combien de temps. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Tu as compté jusqu'à combien? 6-7 jours à peu près, ouais. 6 ou 7. Mais ça arrive. Mais voilà, c'est plus important. Super. Sache que les renforts sont en chemin. Ah, les renforts Nécron également. Ah non, la V10 a promis qu'on pourrait jouer les Firstborn et les Primaris. Ah oui, non mais c'est sûr que ça donne envie. Hein. Bah, de toute façon, ils sont toujours jouables. V10 Moi, je répète, parce que je sens qu'on m'a pas entendu, au milieu, je vais avoir besoin d'aide. Ouais. Il a rien fait de la game, mais il a besoin d'aide, quoi, putain. Il a rien fait de la game. Ah ouais. Ah putain. Eventis qui doit gérer ses propres avions. Ah, oh, ça c'est pas... Moi j'aime bien. Je veux voir ça. Je veux voir il les... a rien fait de la game. Je vois les avions se cracher dans les trous d'Eventis. Non, ils vont me défoncer. Monsieur Mott, il faut aider. Oui, bien sûr, oui, c'est en cours. Narmot, il full tech. Ah oui, complètement. C'est où, c'est ici. La forteresse. Attends, Marmotte, c'est comme la dernière fois, hein, quand il sort de son trou, laisse tomber, hein, il a des réacteurs nucléaires portatifs. Dans 5 tours, je passe au rang 10 et je peux faire les chevaliers trucs là. Ah, oh, Rang 10. Chevalier truc, hein, d'accord. Chevalier lanceur Cérestus. Voilà. Et dans 5 tours, j'ai fini ma première recherche française. Et les chevaliers en question, j'aime autant vous dire, pour les avoir déjà vus à l'œuvre, ça déboîte. Hein? Putain, ça me saoule la caméra qui bouge quand je fais. Ah! Laissez-moi regarder ce que c'est je veux! Chiant. Pendant le passage des IA, faut cliquer. Y'a pas une option pour ça? Je sais pas. C'est juste le filmement automatique vers l'action. Voilà. Ah. Hein, y'a une option? C'est où? Non, tu fais échappe paramètres général, la première, défilement automatique vers l'action. La caméra se déplace automatiquement vers les actions en cours durant le tour de l'IA. Oh merci. Mais en fait, ça. Je sais pas, ça marche. Voilà. Hein, tu décoches l'option, mais il y a toujours le truc. Ouais, j'ai l'impression que ça continue de tourner, ouais. Ouais. On verra au prochain tour. Prochain tour. Ah, mais ça sort le Dreadnought. Un pigeon. Oh, vas-y. Oui, bah oui. On amoureux de Dreadnought ici, on quand même. Bon. Mais il arrive. Très bien. Du moment que t'es pas pressé, tout va bien. Ouais non, tout va bien. Je ne ressens aucune pression, tout va bien. Bon bah si tout va bien... Comment ça il peut pas s'auto-réparer lui, c'est une blague? Mais pourquoi je peux pas... Ah, il lui reste 16 HP mec. Je suis en train hein. Il lui reste 15 HP. Putain, j'ai pas assez, moi. Oh, je vais pas avoir assez. J'ai point assez. Terrible. Ici, je vais avoir assez. Une fin de tour pour moi.
Melkor, si tu es un homme, faut sortir le Léviathan Visage Dreadnought à tes souhaits. C'est une battle, on est d'accord? C'est une battle, c'est toujours une battle, ce genre de message, c'est une battle. Voilà. Dès qu'on comprend pas, de toute façon. Dès que c'est trop long. Il est pas mort. Oh, le one shot. Il me reste 2 HP, j'en ai. Ça se passe pour vous là? Ça a pas l'air de bien se passer chez Arnar. Je crois que Ventis il est en train de se faire raser. il s'est pris un raid aérien. Je tout casse une mitraille. Non. Putain. Mais c'est bien, il y a Marmotte qui le soutient avec des hospitalières. Marmotte qui le nettoie, alors il se prend des orges sur le cul. Non mais sérieusement, elle est passée où Célestine? Bah, elle vit sa vie, elle est au sud, je crois. Il s'en bat les couilles. Marmotte, il a décidé de jouer à Civilisation, mais vraiment, tu sais. Genre, il joue culturel. Technologique. Il vise la victoire culturelle. Flattement. J'ai créé une Céline Randy sans recherche. Tours. J'ai gagné. Ah, si dit Lizzo, elle faut les 27 mois. Ils ont décidé de me lâcher le boule. C'est beau. Merci pas à eux. Hein. Finalement. On les remercie. On les remercie grandement. Non mais ils te lâchent le boule parce qu'ils vont au sud. Parfait, allez, cassez-vous. Ah mais elles ont des piafs et tout en plus. Ah on a fumé, on a rasé la ville. Oh, oui, c'est magnifique, oui. Bravo Furgos, bien joué à nous. Ça se passe bien. C'est ça. Ouais, la vache, vous avez bien joué avec votre truc. La suite hein. Je taxe l'avant-poste, hein, ça te dérange pas. Ah non, prends, moi j'en ai pas besoin. Hein. Pas bon, pourquoi? Tu viens de fuir Arnar, je reconnais. J'ai APV. Et alors? Ah! Ok. En tout cas, je veux pas dire, mais bon, depuis le début de la game, il y en a qui ont rasé 2 villes, les autres. Ça se touche, hein. Bah, les autres, ils attendent des renforts. On a rasé une ville? Ouais, bah, pas deux. Ah, deux, on a rasé. Ouais, puis il y en a au début de la game, ils pleuraient. Ah, mais ils ont tenu! Ils ont pas eu d'aide, hein. Je plaisante, allié. Je plaisante, Ferrari. Ce n'est qu'un trait d'humour. Je suis à votre service. Attention. Je ne fais qu'un. Ce n'est qu'un trait d'humour. Excusez-moi, j'ai oublié à qui je m'adressais. Excusez-moi. Retrait du percuteur. Non, mais... Ne prélevez pas ma population, s'il vous plaît. Qui était le champion là pour Trazim? Non, les échanges culturels, on a déjà vu. Ah non, je crois que je me souviens. Ah non, j'ai faim alors j'aurais pas dû. Oh vas-y. J'ai cru comprendre que vous aviez fait un échange culturel avec Komorag là chez les élèves. Non mais c'est vraiment c'est un enfer ce récit. Hein. C'est un enfer le récit des taux qui galère contre quoi? C'est contre quoi qui galérait contre Tyranide? Contre un quel échange culturel. C'est contre quelle faction qui galérait les taux? Ils étaient en PLS, ils avaient besoin d'aide. Et il y a les... Il y a une cabale Drukhari qui arrive, ils sont... On peut vous aider si vous le souhaitez. Ah oui, faisons un échange en échange d'un échange culturel, d'accord, hein? Avec plaisir. Des Drukhari? Ouais, ouais. Ouais, les Drukhari ont aidé les taux et ils ont ils ont réussi à gagner contre des tyrannides, je crois que c'est ça. Et ils ont demandé de faire un échange culturel à la fin. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils ont juste demandé un traité de un éthéré et je sais plus combien de taux. Et en fait, ils se sont rendus compte, les taux, au fur et à mesure qu'ils se battaient sur le champ de bataille aux côtés des Drukhari, qu'il y avait des homoncules. Et les homoncules, ils avaient des formes un peu bleutées, bizarres, avec des parties qui ressemblaient un peu à des parties taux. Et en fait, les Drukhari, ils faisaient des patchwork de taux, qui étaient de l'échange culturel, et ils s'en servaient pour créer des créatures. Et en fait, ils se sont rendus compte, les taux, que les Drukhari les ont arnaqués, et en fait, ils tuaient les gens qui leur envoyaient. Ils sont très naïfs, hein, les taux. Ils les refabriquaient. Et ils fabriquaient des homoncules avec, en gros. Et non, oui, voilà, les taux ont refusé quand... c'est Rakart, oui, c'est Rakart en plus. Rakart a demandé 100 guerriers de feu et un éthéré, c'est ça. Et du coup, je crois qu'au final, les Drukhari, ils ont fumé, ils ont pris une planète taux. Toute la population taux de la planète, ils l'ont ramené avec eux à Komora pour faire des trucs sympas, quoi.
D'accord. Voilà. Les petits essais, quoi. Donc, je crois, donc voilà, ça s'est mal, très mal passé. Mais en gros, les tous, ils avaient pas trop le choix. Ils étaient envahis par les tyrannides et ils se sont dit, bon, on peut discuter qu'eux, c'est bien. On va voir s'ils peuvent nous aider. Oui. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Donc, le récit est horrible, quoi. C'est tiré 77 taux par caste qu'ils ont pris. Ah ouais. Je comprends rien à ce que tu dis. Elle dit quoi? 7 éthérés et 77 taux par caste, on me dit. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Bref, pas négocier avec les gros carrés. Hein. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Non, bah, nous, c'est pour ça que nous, on tire à vue. Ouais, non, mais maintenant, on comprend un peu mieux. Non, mais plus ça va, plus Eto, il commence à comprendre pourquoi tout le monde est raciste. Déjà, le voyage à travers le warp qui s'est très très mal passé, là. Bah, en vrai, ils sont des nôtres maintenant, tout va bien. Oui, alors, oui, bah, c'est bien beau. Nous, on aimerait vous dire ça, mais vous êtes jamais d'accord, alors. Ils sont des nôtres, oh mais ils sont corrompus comme les autres. Oh là là, il y a des gros chars. Ah, c'est vraiment un mot. Ouais, par contre, moi je vais faire zéro dégâts, hein. Je vais juste rush comme je peux la ville parce que en fait je peux pas le taper dessus pour l'instant. Alors, du coup, les obliterateurs sont plus dangereux que le Eldrake, hein. Ils sont au-dessus en termes de tir. Ah ouais? Ah merde, c'est les obliterateurs. J'ai 11 d'armure, j'étais là en mode ça commence à rigoler zéro là. Et ben, en fait, moi j'ai trop de nourriture là, on peut vendre. Non, mais pareil, la loyauté, mais vas-y, faut que je fasse un million de totems là, c'est chiant. Faut aussi que tu fasses des bâtiments de population, bon, celui où t'as trois bonhommes debout, parce que sinon ça va limiter ta prod. Ah, ouais, ça, je sais ça. Pour le moment, j'ai pas t'as besoin. Tellement peu de. Comment ça s'appelle? C'est bizarre que t'aies pas plus de population dans ta ville. Parce que normalement, bah, écoute, c'est. Normalement, en fait, c'est ça te prend une population par bâtiment. On a une population vieillissante. Ah, je vois ça, je vois ça. Ils sont pas motivés. Voilà, après effectivement si jamais t'as passé pas mal de temps sans apprendre très lentement parce que t'avais peu de loyauté, c'est normal. Tu fais des totems, exactement. Moi je fais des totems. C'est mon... ma mission là. Je fais des totems de loyauté. J'adore. Oh putain. Déjà que les Drokaris sont assez fous pour aller attaquer des vaisseaux russes Titi pour juste capturer des créatures. Ah oui, non mais ils sont joueurs. Écoute, ça arrive. Oh là, les avions! Quoi? Ah ouais, mais il y a Eventis, il a échoué à repousser les avions orcs, du coup maintenant on les subit. Ouais, et puis en plus j'ai vraiment rien pour gérer l'aérien pour l'instant. Je crois qu'il a pas entendu. Eventis, non, il n'entend pas. Échoué. Pour juste les buts. Ça a été tellement beau l'ambiance ce week-end, je le sens. Et surtout qu'Eventis, il est dans la pampa en train de taper des sœurs, des orques, des gardes impériaux, il en peut plus. Et puis il a des hospitalières qui filment. Elles regardent. Putain. Bon, alors du coup... Attends, ils sont où les obliétains? Allez, Avoc. Ils sont partis en fait. Ouais, il y a juste le Avoc, mais il a pas de PV. Je peux... Ah non, je peux pas aller chercher. Ah, vas-y. Ah, c'est... Non, je peux pas aller chercher. J'ai fait le con. Oh non, il y a un fort orc qui vient de se mettre à côté de moi. Hein? Allo? Que? Allo? On est vraiment en train de le perdre. Hein. Non, mais il troll, là, c'est pas possible. Ah, il troll. Mais vous m'entendez ou c'est vous m'entendez pas? T'as pas besoin, hein. T'as non, pas ouais, besoin vous m'entendez pas. Bon, c'est bon. Mis ça va être compliqué, là. Tant pis, je me mute. Terrible. M'entendre plus. Ce que je peux faire ici. Ça marche trop bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, c'est bizarre parce que le stream ça a l'air d'aller. Ok, bon, le minerai, ouais, le minerai ça va enfin vers le arriver. Live, c'est bon. Moi je les entends tout à fait correctement, c'est bizarre. Encore c'est la bizarre, loyauté, c'est, hein. Oh, c'est terrible, hein, cette loyauté hein, partout. Oh, c'est infernal. Ah ouais, non, moi je suis en gigadèche. C'est trop dur. Hein. Oh, ouais, c'est vraiment l'enfer la loyauté, hein. Quelle horreur. Hein. Moins 12. Ah, la population moins 10. Ça devient un petit peu limité. Ouais, aussi. Moi je suis pareil. 3 villes, 10. C'est un coach. T'as 3 villes aussi, sans sous. Ouais.
Attends, mais les Nécrons, tu t'es pas censé pouvoir construire uniquement là où il y a des spots, des spots. Ah, il y en avait. Putain, ils étaient tout proches. Mais j'en ai encore plein de spots. Allez, hein. D'accord. Incroyable. Comme anecdote marrante, il y a une tribu d'orques qui se trimballe en permanence avec quelques tyrannides. Ils en lâchent sur la planète qu'ils vont attaquer, comme ça, si la défense est nulle, au pire, ils pourront s'amuser contre les tyrannides qui, eux, sont toujours des adversaires amusants. D'accord. Ah ouais. C'est pas un truc de Beast... C'est pas un truc de Beast Naga, ça ? Ça ressemblerait. Augmente l'âge de la retraite, t'auras plus de pointes. Ouais, c'est de bon ton, ça. Moi, je vais devoir pas trop tarder, les amis. Ouais, bon, on peut s'arrêter ici, hein, si vous voulez. Comme il y en a plusieurs qui... En vrai, attendez, on peut essayer de fumer cette ville. Si on fume cette ville chaos, on... Ah, one more turn. On peut essayer ça. Pilus, ça se passe super bien, vraiment, vous en faites pas. Non mais tu tankes, c'est l'idéal. Vas-y, Eventis, bien se passer, je crois. C'est bien, Eventis. Ouais, le chaos, on le met mal, là. En plus, c'est sa main ville, ça, peut-être. C'est peut-être celle-là, sa capitale, hein. Niveau 13, hein. Hein ? Niveau 13, il y a des forces. Ah ouais ? Ah non, elle était peut-être plus costaud, celle d'avant, je sais plus. Je crois, hein. Oh, les 6 stars, au secours. Elle avait plus de points de vie. Ah, t'attaques la 6 stars en dessous ? Non, les 6 stars nous attaquent. Ok, alors j'y vais. Oula ! Chariot de guerre, qui c'est que cette merde encore ? Où ça ? Je sais pas, à droite là, il y a... Ça va, c'est sympa. T'as un gros truc ? Si c'est amélioré, oui. Sympa. Si c'est pas amélioré, c'est nul. Il a la WAG ? Tu vois. Allô ? Pourquoi ça répond pas là ? Bah parce qu'en fait c'est les tours qui se jouent au fur et à mesure, tu sais. T'as l'impression que ça lag, ouais. En fait pas du tout, c'est... t'es là en mode bah... Il y a une autre action en même temps. Ouais, c'est chiant. C'est marrant, ouais, c'est... Ouais, y a des gens qui lag quand même, mais... Il va crier fort, arrêtez. Arrêtez, il va s'énerver. Faut pas de quoi tu parles. Faut encore dire que c'est mal écrit dans les bouquins et tout. Endurance 5, PV 5, force 5. Je comprends pas. Écoutez, vous avez pas d'imagination, c'est pas de ma faute. Et en plus, t'as 3 côtés qu'elles peuvent battre, qu'elles peuvent retirer dans le même tour. C'est une idée quand même. Bonjour, vraiment, c'est fini, mec. Hein. Vous avez fait le débrief sur Twitch, du coup ? Non. Ah, pas encore. Ah, on a hâte. À me prévenir, j'ai hâte d'y être. J'ai très hâte d'y être. Et est-ce que les gens savent de quoi on parle ? Est-ce qu'on peut leur dire de quoi on parle ? On a pas donné de détails. Ok. Autre anecdote marrante, tu connais Tuska, le tueur de démons. C'est un orc qui se faisait chier à décider entre aller dans l'œil de la terreur pour affronter de vrais adversaires, les démons. Il a fait un tellement bon boulot qu'il a fini par se faire pourrir par des démons majeurs de Khorne, tout ça pour être ressuscité le lendemain par Khorne, qui avait pris grand plaisir devant le massacre engendré par Tuska. Depuis, Tuska passe son temps à pourrir du démon sous l'œil de Khorne. Ouais, bah, ils s'occupent comme ils peuvent, hein. Ils s'occupent comme ils peuvent, les mecs, hein. Ils doivent sacrément se faire chier, quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est mais... des orques. Oh, mais il y a une deuxième... Sainte-Célestine, je crois que Sainte-Célestine est en train de faire prout face... Ouais. Jésus, là, Ah, mais Jésus revient. Il y a moyen qu'elle gère face au... Oula, le moral. Ouf. Ah, faut que je... Oh, les répondir. Oh. Pour le bien suprême. Oui, t'as perdu du moral, toi, Yelf. Ouais, mais je vais augmenter le moral avec mon petit buff. Oui, il y a beaucoup qui nous arrivent dessus, là, hein. J'ai l'impression. Ouais. Je vais pouvoir commencer à faire les bâtiments d'avion. Attends. Pour le bien suprême, ça marche que pour l'infanterie ? Ah non, c'est réduit le moral d'une unité ennemie. Ah, c'est de la merde, du coup. Attends. Depuis quand crier pour le bien suprême, ça réduit le moral ? Ouais, c'est bizarre. Ouais.
C'est bizarre, c'est chelou ça. Je suis assez d'accord. Je te répondrai avec toi. Au pire, ça les fait rire quoi, mais. Attends, mais ils m'ont snipé mon. Ah, mon sabre de feu s'est fait prout. Oui. Il a complètement fait prout. Ils vont me back. Elle a 58 HP, hein. Y'a moyen qu'on la down. Hein. La ville, ouais, ça va aller. Hein. Ouais. 42. Bah, prochain tour, elle meurt. Hein. Ouais, prochain tour, elle meurt. Oh là là, mais c'est terrible. Hein. Plus 20%, 30. Mais d'accord, le char de déplacement, enfin le char de transport, il peut prendre 4, 4 trucs à l'intérieur. C'est pour mal. Vous m'entendez là ou toujours, toujours la merde? Oui, oui. Ouais, 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 à peu près. Là, ça marche. Il parle. On comprend, quoi. C'est audible. Il y a des dispels. Allez. Oh, j'ai plus de bouffe. Allez, ça va tomber la ville du chaos là. Chopin. Oh oui. Chopin, prochain tour ça tombe. Quand Maf aura fini de se faire meuler. Ouais. Non mais j'ai beaucoup de troupes là, j'ai beaucoup de troupes là. Ah. Mais du coup... Il tient bien Maf en vrai. Maf, Iron Hands ou Admech? Ah, la vache. Il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Ton père ou ta mère? Honnêtement... Ma cousine. Honnêtement... Ah, donc Empire Tau, j'ai toujours su que tu allais être bon. Ah non, franchement, j'adore les deux armées, mais franchement, j'ai été surpris par le côté très 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 kiffant de l'Admech quand tu maîtrises un peu le codex. Le codex est infâme à rentrer dedans, mais une fois que long, tu le maîtrises... C'est long pour une réponse qui est juste consiste d'un mot. Non, mais j'aime enfin, bien les Iron Hands. Écoute, il n'y a, mais... a pas de char à triple pénis chez les l'Admech, bon... Donc c'est plutôt papa quoi. Voilà. Ah donc c'est quand même l'Iron End. Non en vrai les deux sont assez différents et j'adore les deux. Quelle indignité. Il a dit un truc ou il a pas fait? Ouais il s'est fait. J'ai dit. Allez, si, elle tombe la ville. Si j'ai vraiment en ce moment actuellement, si j'ai vraiment envie de meuler quelqu'un, je prends l'Iron Hands. Ouais, tu m'étonnes. Oh la vache, le laisse à 2 HP. Ça y est, c'est gagné, la ville tombe. Oh, ça travaille en bas, hein. Ça travaille très bien, je vous le dis. Bah nous aussi ça bosse. Ils bavent partout sur le tapis mais ils travaillent très très bien le tyrannide, ça fait plaisir. Ils bavent partout sur le tapis. C'est dire que ton chat la dernière fois a mis une boulette de poil sur mon territoire là. J'ai obligé de lui mettre un petit coup de bâton derrière la nuque là pour le calmer. Oui bon, ça lui arrive. Ça lui arrive. Et bah voilà, on a clean ça, cool. Oui. Vous avez la vie. GG à vous. Non, on a eu la ville, ouais. Il reste plus que deux gris qui normalement étaient censés tomber face à Iron 6, mais bon. Il y a une autre ville entre nous. On peut pas attendre grand chose. Ouais, une autre ville entre eux. C'est la retraite. Ah, mais le barbare, c'est aussi où? Putain. Mais ouais, moi je vais stopper ici, je pense. Yes. Ouais. Stopper ici. C'était pas sympa. Ouais. Alors, pareil, toujours bien cool les petites soirées Gladius. Carrément. Petite save, du coup, ça marche comment? Je peux faire une save manuelle. Et du coup, la prochaine fois qu'on voudra se reconnecter, ce sera la même chose? Oui. Bah, oui. A priori, oui. Faudra se souvenir de l'ordre. C'est ça.
faudra que Mav donne les bons ordres. Oh là là, faudra se souvenir de ça, quoi. Khaled. Ah là là, bon, eh ben messieurs, merci pour la soirée, c'était rigolo. Merci. Merci. Moi j'ai encore un peu de peinture à faire et puis je serai prêt pour partir. Bah, bonne soirée, bonne nuit hein, et puis bon courage. Bon courage. Ouais, merci les copains. Merci. Allez, la bonne nuit à tous. Ciao les potes. À bientôt. Bon bye. 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 Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.